Oh, ça marche. Il est pas allumé. Si, je l'ai allumé. Bonjour. Vous parlez un peu loin. Pas trop loin. Après avoir fait un stage de contrôle des passes, je fais un stage micro. Alors, je suis Dominique Néron, la présidente de l'association CET, qui, avec Chantal et Aurore, va organiser cet après-midi. Vous avez vu que c'était un petit peu compliqué, mais on est très contents de se retrouver. Il fait beau, le contenu est joli, et on a la chance d'avoir Chantal avec nous. Donc, je vais vous parler un petit peu de notre association. Si vous le souhaitez, quand vous sortirez, vous pourrez prendre le flyer qui est à l'accueil, qui retrace tout ce que l'on a prévu pour octobre, novembre, décembre. Donc, vous pourrez voir les différents styles de conférenciers, les tables rondes, les ateliers. Quelquefois, on se retrouvera le samedi, quelquefois le lundi, de manière à harmoniser les emplois du temps entre les gens qui travaillent et ceux qui peuvent se libérer le lundi. À la dernière Assemblée Générale, on a vu qu'il faudrait aussi faire quelques réunions de 17 à 19 heures. Mais on attendra peut-être mars-avril pour que ce soit plus facile pour les transports dans Marseille. Maintenant, au 25 de Marval, nous sommes installés, on est très bien. C'est la Société Théosophique qui nous loue les locaux. Et donc, c'est un lieu d'échange bien agréable pour ceux qui connaissent. Et donc, ceux qui voudraient faire des rencontres avec différents conférenciers dans tous les styles que l'on approche. Vous pourrez voir avec, je vous montre ça, vous pouvez l'avoir à l'accueil en sortant. Alors maintenant, je pense que beaucoup de personnes connaissent Chantal. Nous nous connaissons depuis très longtemps. Et donc, vous savez qu'on a été tous privés de contact, de réunion là, pendant quand même quasiment un an et demi. Donc, c'est une grande joie de se retrouver. Et je pense que c'est Chantal qui va démarrer les contacts et agir avec vous. Tu expliques qu'il y a toujours conférence. Ah oui, c'est vrai. Alors, donc, étant donné qu'on a des horaires restreints, il faut vraiment qu'on soit maintenu à 18h15, 18h20. Nous avons choisi de ne pas faire la première partie de conférence sur les rêves pour être tout de suite dans les contacts et la médiatrice. Cette conférence, on la fera certainement mars-avril, pour d'autres dates, on choisira, où on aura moins de problèmes d'organisation. C'est bon ? Messieurs, dames, bonjour. Oula ! Je vais vous demander du silence parce que déjà je suis dans un restaurant et moi j'ai pas d'habitude, j'ai l'habitude dans des salles spiritualistes. Donc je vous demanderai le plus grand des silences, premièrement, de bien décroiser vos mains et vos jambes. D'éteindre vos téléphones portables. Pour éviter qu'ils sonnent. Voilà. Je voulais vous préciser une chose. Si l'après-midi à l'ensemble, vous voulez partir, vous attendez gentiment à la fin d'une valence avant une autre valence. Ouais, non, mais vous évitez de se lever. Parce que c'est très perturbant s'il y a des allées. Oui, évitez de se lever et de partir. Une fois que j'ai eu ma question, je me lève et je m'en vais. Merci pour les autres. Donc, essayez de respecter un petit peu parce que déjà, je vais travailler dans une salle comme celle que je connais pas et qui est assez chargée. Là, tu leur dis jusqu'à la fin, ils se lèvent plus. Jusqu'à la fin, vous vous levez plus, jusqu'à 18h. Eh bien, oui, mais c'est comme ça. Moi, je suis là. Sinon, dans un restaurant, pour pouvoir pratiquer la médiumnité, c'est très difficile. Si vous bougez, les serveurs bougent derrière, moi, je peux pas travailler comme ça, c'est pas possible. Je veux bien faire plaisir, mais il faut comprendre aussi et se mettre au diapason. Alors on décroise bien les mains et les jambes. On va envoyer de bonnes pensées pour toutes les personnes qui sont défuntes. Si vous avez perdu un parent, un enfant, un frère, une sœur, un mari, une femme, un amant, une maîtresse, un chat, un chien. Oui, ils ont oublié d'en parler. Je vais dédier la séance aujourd'hui à Chanel.
à une petite jeune fille qui s'appelait Chanel et qui s'est suicidée. Donc ça m'a beaucoup touchée, j'ai dit que je vais lui dédier la séance à cette petite jeune fille. Et à Vincent. Et à Vincent aussi. Le fils de Basse. Le fils d'une dame qui vient d'ouvrir une association aussi, qui est mort d'une mort tragique aussi. Donc à tous ces jeunes gens qui partent aussi très jeunes et qui ne pensaient pas partir, malgré le désespoir et tout ça. Et aussi une petite coiffeuse aussi, qu'au premier mois du confinement, dans l'est de la France, s'est suicidée, elle s'est pendue dans son salon de coiffure parce qu'elle n'arrivait pas à payer ses traites. Donc je voudrais lui dédier la séance à tous ces petits jeunes qui sont décédés, qui sont défunts. Donc on décroise bien les mains et les jambes, on laisse bien passer les énergies, on envoie de bonnes pensées pour toutes ces personnes. Merci à eux. Merci. 1, 2, 3, je suis avec la dame, là. Ah bah oui, mais il n'y a qu'un micro, il faut que je le passe aux gens chéris. Troisième rangée, je suis avec une dame ici qui a perdu quelqu'un qui est décédé du cancer. Troisième rangée. Je suis ici sur le côté droit, je suis avec quelqu'un qui a perdu une personne, une femme du cancer, décédée à l'hôpital. Non, je suis dans la troisième rangée. Je crois que je suis avec vous, madame. Ben oui, pourquoi vous ne levez pas la main? Je ne la vois pas, chouchou. Là, elle est là. Merci. Ben oui, ben... J'ai dit troisième rangée, madame. D'accord? Voilà. Parlez bien dans le micro, Chantal, elle vous entend. Déjà, je vous passe le micro, je ne vais pas hurler, d'accord? Alors, c'était votre maman, la dame, qui est partie, madame? La cancer, non, c'est ma fille. Votre fille. Décédée. Et alors, c'est qui cette dame qui est décédée d'un cancer de votre famille aussi? Âgée. Votre grand-mère? J'ai pas su de quoi elle sont. Non, on n'a pas su de quoi elle est. Moi, je pense que vous avez perdu une grand-mère, madame. Il y en a eu aussi. Voilà, et qui est décédée d'un cancer. Par contre, ça, c'était mal soigné à l'époque. Oui. Donc, vous ne savez pas, mais moi, je pense que c'était un cancer généralisé. Et vous avez perdu votre fille d'un cancer aussi, madame? Oui. À l'hôpital? Oui. Qui a beaucoup souffert. Oui. Beaucoup de souffrance, on est bien d'accord? Oui. Elles sont ensemble. Cette fameuse grand-mère, qui est votre grand-mère à vous, et qui est l'arrière-grand-mère de cette jeune femme. Oui. D'accord? Mais de l'autre côté, elles se connaissent. Votre fille n'est pas toute seule. Ça fait pas longtemps qu'elle est décédée, madame? 6 ans. Voilà, ça. Voilà. Depuis 4 ans, elle est vraiment bien. D'accord? Vous avez eu une série de décès, madame? Oui, j'ai eu ma mère 6 mois avant. Voilà. Parce qu'on me dit que vous avez... Et après, votre fille, vous avez eu quelqu'un d'autre aussi, madame? Oui, j'ai eu des temps. Merci, madame. Parce qu'on me dit qu'elle est rentrée dans une série de décès, ouais, où il y a eu plusieurs femmes. Je pense que vous avez perdu 4 femmes. On est d'accord? 4. C'est ça, hein? Oui. Votre maman, votre fille, une tante, deux tantes, votre mère et votre fille, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Mais de l'autre côté, ça discute pas mal. Vous vivez vieille. Ah oui. D'accord? C'était ma question. Oui, ben avant que vous l'ayez posée, je vous ai répondu, madame, d'accord? Je dégaine plus vite que vous. D'accord? Vous ferez attention à vos yeux, à vos jambes, oui, et à votre dos, le milieu du dos, oui, plus précisément les lombaires et les surrénales. Oui, donc je... D'accord, là, il faut bien surveiller. Voilà. Attendez, elle était bougée parce que... Sinon, ah ouais, elle va, je ne vois plus. Voilà. Donc, vous surveillerez bien cette région-là. Et la vue aussi qui baisse aussi, madame. On est d'accord? On me donne ça. Qui est mort aussi de la tête, madame? AVC ou rupture d'anévrisme? Quelque chose qui pète dans la tête, comme ça. Il y a un nom... C'est un monsieur, oui, c'est... Un accident de voiture. D'accord. Oui, mais je pense qu'il y a eu quelque chose qui a pété dans la tête. Est-ce que c'est ça qui n'a pas provoqué l'accident? Je ne sais pas. Semble donc. Le prénom de Gisèle, madame, ça vous donne quelque chose? Retenez ce prénom, Gisèle. D'accord. Et Michel, ça vous donne quelque chose, Michel? Michel, le au féminin. Autour de vous, c'est pas de votre famille, hein? Qui était fonctionnaire, madame? D'accord. D'accord. Elle était fonctionnaire? Oui. D'accord, on m'a donné ça. Et qui était maîtresse d'école? Institutrice ou à l'époque prof, institutrice ou prof, je ne sais pas. Qui c'est qui était? Oui, aussi qui était dans l'enseignement, madame. Une cousine? Non, qui est décédée.
Est-ce que vous avez une cousine alors qui est vivante et qui est propre? Oui, oui, voilà. Est propre. D'accord. Oui. Ça va pas très bien votre cousine en ce moment? Non, elle est seule. Voilà. Oui. Passez-lui un petit coup de fil. Bon. D'accord. Qui c'est Coco? J'entends Coco. Coco. Qui Coco? Coco, c'est ou Corinne ou Colette ou... C'est qui? Ma voisine, apparemment, qui s'appelle Coco. D'accord. Et vous la connaissez? Non. D'accord. Évitez de parler, hein. Je sais pas, la petite mousse. On donne ça. Et Jeanne ou Jeannine, madame? C'est une collègue de travail? Ah, vous savez pas peut-être? C'est... Oui, c'est une collègue qui s'appelle Jeannine. D'accord, mais vous la voyez plus? Non. Vous avez travaillé longtemps avec elle? Oui. Combien d'années? Longtemps, pas une dizaine d'années. D'accord. Vous avez travaillé dans les bureaux, vous, madame? Travaillé dans des banques. D'accord, c'est ça, parce que je vous vois derrière vous. Bonjour, madame. Non, prénom, je tape sur l'ordinateur et tout. Vous êtes très drôle. On me donne ça. Ouais. Drôle à votre bureau et tout. C'est... La finance. Oui. C'est ça, hein. C'est pas toujours facile pour vous, hein. Non, ça a été fait, c'est fini. Hein. Oui, je sais, vous êtes retraitée, madame. J'ai compris. Mais je vous dis, c'était pas ça toujours facile. Très, très lourd. Hein, très très lourd. Eh bien, d'accord. La moitié de la personne. Et puis, pourquoi la région parisienne? Parce qu'ici, on est dans le sud. Parce que j'ai toujours été dans la région parisienne. D'accord. La banlieue parisienne, plus précisément, le 93. Tout à fait. Le 9-3, comme ils disent les jeunes. Oui. Yo. J'ai passé 60 ans là-bas. Merci, madame, le 9-3. D'accord, 66 ans là-bas, on me donne ça. Alors, la porte de Bagnolet, madame, ça vous donne? Merci, madame. Parce que tout d'un coup, j'entends porte de Bagnolet, on me dit comme ça. D'accord. Et qui habitait comme ça dans des HLM au deuxième ou au troisième étage? Les clients, peut-être. Certains clients. Et un immeuble qui n'était pas... Il y avait un peu de tout. Les gens avaient de l'argent, mais voilà. Dans des immeubles. Dans des immeubles. Un immeuble un peu gris-bleu, un peu comme ça. Pas, vers la porte de Bagnolet, pas très loin de votre agence, comment on appelle ça, agence bancaire. Hein. D'accord. Il y avait quelqu'un qui venait souvent, qui habitait pas loin, et c'était un immeuble qui était gris et bleu, madame, à porte de Bagnolet. Wow. D'accord, on me donne ça. Vous vivez ici, dans le sud? Je fais ma retraite à moitié ici, à moitié sur la région. Six mois à peu près? Ça fait 5 mois que je suis là. Oui, c'est ça. On me donne ça. Pourquoi les îles avec vous, ma petite dame? J'adore les îles. D'accord. L'île de la Corse, ça marque pour vous, madame? Non. Vous n'êtes jamais allée? Non. Eh bien, vous irez faire un petit tour, vous rappellerez bien. La ville d'Ajaccio. On me dit la ville d'Ajaccio. Le bonjour à Ajaccio en même temps. Oui, ben ouais, mais je vous dis bonjour à Ajaccio. Oui, mais je vous dis, rappelez-vous de la ville d'Ajaccio, madame, d'accord? On me donne ça. Un prénom avec un P, un prénom avec un C. C'est pas Coco, hein? Un prénom avec un C et un prénom, un grand prénom, on me met un grand A sur votre tête. Le grand A, c'est... Comment elle s'appelle? Alexandra. D'accord. Elle est devant vous, elle est comme une lumière, elle vous éclaire, madame, votre fille. Elle veut vraiment votre bonheur. Est-ce que vous comprenez? Oui. Dis-lui ça, elle doit comprendre, il y a du monde, tu vois ce que je veux dire? Oui. D'accord? On me donne ça. C'est un cancer qu'elle a eu, madame, oui, votre fille. Un cerveau. Voilà. Une tumeur dans la tête, c'est ça? Oui. Voilà. Mais après, il y en a vie. Non. Oui, non, mais. Oui. Ouf. Je l'ai senti surtout. Ouais. Tu me dis des petites? Non. Moi, pour moi, on dirait une orange, oui, ou un pamplemousse. Oui, excusez-moi, je vais vous donner la taille même. Hein. Au départ, d'accord. C'est et après, ça. Elle était jeune, madame, votre fille. Très belle. Très belle fille. Pas 30 ans qu'elle me dit. Oui. Très belle fille, on est d'accord? Elle est partie très rapidement, ma petite dame. 5 ans. 5 ans de souffrance. Non, mais après, quand le cancer, ça a été rapide après. Mais je sais pas. Coup. Peut-être en un mois de temps ou deux mois, ça a été. Il y a quelque chose qui était fulgurant. Alors, matin, c'est pareil. On est bien d'accord. Oui, mais ça se programmait. Il y a quelque chose qui s'était réveillé là, un mois de temps, madame. On donne ça. Votre fille est bien dans l'au-delà. Votre maman est avec elle. Votre grand-mère l'a réceptionnée. Elles sont toutes ensemble. Et les deux tantes aussi. Madame aussi, qui c'est qui joue à la belote? Parce que là, je suis avec des gens qui jouent à la belote de l'autre côté. Ce sont des hommes. Ah bah peut-être, oui. Mais c'est pas des... Parce que les femmes, les quatre femmes, elles sont de côté. Mais de l'autre côté, j'ai des hommes. Et ils jouent à la belote. Et avec des dés aussi. Je ne sais pas pourquoi.
jouer aux dés, jeter des dés comme ça aussi. Vous savez pas? Ben vous vous rappellerez. Avez-vous une question à poser? Madame, votre maman et votre fils sont ensemble avec la grand-mère. Les tantes, elles sont à côté, mais elles viennent, elles partent. Hein? D'accord? Votre fille est très très bien, dégagée, dans la lumière. En paix, madame. Plus en paix que vous, madame. On est d'accord? Là, vous avez des papiers à régler, là? Il y a des procédures en cours, oui. Ouais. Parce que je vous vois régler des papiers et attention au tribunal ou à la justice, madame. Voilà, vous en avez trois. Vous en avez trois, madame. J'en ai trois qui sont importantes. Et vous avez acheté un appartement sur des plans. Oh là là, mais il fallait jamais faire ça. Donc. Escroquerie, madame, j'entends le mot direct, escroquerie. D'accord. Voilà. Vous surveillerez vos pneus parce qu'il y a des problèmes au niveau de ouais, les pneus de votre voiture, madame. Surtout l'avant gauche. D'accord. Avez-vous une question, madame? Je dois passer à quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que vous avez une question, ma petite dame, ou pas? Est-ce que vous avez des nouvelles de Suzanne? Mais Suzanne, elle est décédée il y a longtemps. Oui, longtemps. Ah ouais, parce qu'elle est haute, hein. Non, j'ai plus maman, à vrai dire, les tantes et tout ça. J'ai pas Suzanne, madame, j'invente pas. Je fais pas les jeux de cette famille. Voilà, madame. Non, j'ai pas de nouvelles de Suzanne, ma petite dame. Et vous rechercherez les prénoms que je vous ai dit, hein. Parce que souvent, ils retrouvent à la maison, mais moi, je suis plus là, c'est dommage. Votre fille vous embrasse. Voilà ce qu'elle me fait faire. Donc, je transmets exactement ce qu'elle me dit de faire. Hein. Je vous laisse. Oh là, décidément, je suis dans... Là, j'étais sur le côté, je savais quelqu'un qui a perdu un cancer, mais de la gorge, un trou là. J'ai le trou là. Vous savez, c'est le cancer du fumeur, parce que j'ai un trou, j'ai même la fumée qui sort. Là, oui, de ce côté-là, sur le côté gauche. C'est vous, madame? Papa. Là, ici. Il portait une casquette ou un béret, votre papa, madame? Jamais? Non. Vous êtes sûre, même quand il était jeune, madame? Il n'a jamais porté une casquette, vous êtes certaine, quand il était plus jeune, madame. Hein? Ben oui, mais vous me dites non. Parce que moi, ben oui, mais il est mort pas vieux, votre papa. On est d'accord? Quel âge? J'avais une cinquantaine d'années. On est d'accord. Mais moi, j'ai quelqu'un qui se présente à l'âge de 25 ans. Donc 25 ans de moi, madame. Non, vous voyez, c'est pas à l'âge où il est mort. Vous comprenez? Il faut comprendre. Hein? Une des périodes qui a été importante et tout ça. Il avait fait son service militaire, papa, ou pas? Non? Vous ne vous rappelez plus. Qui est Odette, madame? Odette, je n'en ai pas. Ah oui, mais c'est qui Odette pour vous? Je veux savoir. Odette, je ne connais pas. Par rapport à votre père? Non, c'est pas par rapport à votre... Peut-être par rapport à votre père, vous ne savez pas. Non. Vos parents sont décédés tous les deux? Oui. Voilà, ils sont ensemble, hein. Ça gueule ici, ça gueule là-haut. Hein. Ben vous imaginez pas, parce que moi je les entends. Et ça gueule bien. Hein. On s'ennuie pas là-haut. Et elle continue. On donne ça. Votre père fumait des gitanes, des gauloises, des choses comme ça? Des gauloises. Voilà, voilà. Et sans filtre. Et des fois, il achetait des gauloises avec les filtres et il coupait les filtres et les jetait. Il jetait les filtres et il fumait sans filtre, votre père. Oh là là. Puis alors là, tu sais, là, ça fait bien jaune. Et tout. Là, tu vois, là, parce que force de tenir un cigarette comme ça, là, c'est tout jaune, là. On est d'accord, madame? Ça sent pas très bon, hein? Ouais. Simone, ça vous donne quelque chose aussi? Vous regarderez Odette et Simone, c'est qui par rapport à votre père, hein? Parce que ça marque. Pourquoi j'ai une famille qui est éclatée avec vous, madame? Actuellement, c'est vous avez des enfants, madame? Oui, deux. Deux, hein? Un garçon, une fille? Oui. Vous êtes grand-mère? Frère et grand-mère. Mais vous ne les voyez pas, vos petits-enfants, ma petite dame? Si. Ah, vous êtes plus proche des petits-enfants que des enfants? Notamment d'un, j'ai envie de dire. Oui, mais je proche de ma fille et de mon fils. Parce que j'en ai un qui est très, très fusionnel avec vous. Ma fille. Voilà. Quand je dis fusionnel, on est vraiment... on peut compter dessus, hein? Oui. D'accord? Vous avez de l'arthrose, vous, madame. Oui. Faut vous soigner, hein. Oui.
Parce que là, derrière, là, ça me fait comme des petits becs de perroquet, ma petite dame, dans le dos. Ça fait mal, ça, hein. Et les cervicales. Les cervicales, le dos, tout ça. Aïe, 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 Jésus-Marie. Soignez-moi cette arthrose, vous, hein. Vous êtes mieux maintenant, en vieillissant, que quand vous étiez jeune. Quand vous étiez jeune, vous étiez un peu complexé, timide et tout. Oui. Pas bien dans votre peau, hein. Maintenant, vous êtes... Beaucoup mieux. Bravo, on te dit de l'autre côté. D'accord. Votre papa, vous étiez plus proche de papa que de maman? J'en ai perdu très très tôt, mais j'ai pas eu la chance de connaître maman longtemps. Oui, mais il y avait quelque chose avec papa qui était peut-être plus fusionnel qu'avec maman. C'est exact, madame? Plus protecteur. Voilà, c'est ça. Parce que je vous ressens. Sur la fratrie. Voilà, c'est ça. Et une famille de 5 enfants, c'est qui? Madame. Vous êtes la combien, vous? La dernière. Voilà. Parce que famille de 5 enfants, fallait les élever et tout. Hein. C'était dur hein, quand même. Hein. On me remet un militaire. Quelqu'un qui était militaire, qui était dans l'infanterie, l'armée de terre, madame. C'est du côté de votre père, hein. Attention tout ça. Il avait des frères et sœurs, papa? Oui. Et vous savez pas niveau. Et vous savez pas au niveau des beaux-frères ou des. Vous savez rien. Non, le fait de les avoir perdus comme ça. Ouais. Mais il le savait, ça touche. Ah. Ça touchait la langue et tout ça, toute la gorge. Tout à fait pour pas. La langue et tout ça. Oh. Il a souffert quand même ce monsieur. Hein. Oui. D'accord. Il me dit de vous dire qu'il ne pensait pas qu'il allait partir comme cela. Pourtant son programme, son cancer a été plus ou moins. Annoncé et oui, mais sont... plus longtemps après le... Oui, mais ils s'en foutaient, continuent à fumer quand même. Hein. Ah oui. Même avec le trou, ils fumaient. Donc, madame, on doit partir un jour. Et, si c'était à refaire, il referait. Ah, mais je reconnais bien son caractère. Et ça veut dire que c'était lui qui prenait la décision, oui ou non, j'arrête de fumer, madame. Il est souvent avec vous. En ce moment, il vient, c'est comme s'il vous prend comme ça par-dessus les épaules et il vous serre comme ça, madame. Comprenez pourquoi? Vous devez comprendre. Il me dit, dis-lui, je suis là avec toi. Elle doit comprendre. D'accord? Un prénom avec un S, madame. S. Serge. C'est qui? Alain. D'accord. D'accord. Et pourquoi papa il me dit aussi pour vous balaye ton passé, vous comprenez? Oui. Vous avez compris, hein? Et qui travaille dans le corps médical, madame? Actuellement, oui. Oui, actuellement. Non, actuellement. Actuellement, oui. Quelqu'un de jeune. Ah, j'ai quelqu'un qui travaille ou qui va travailler dans le corps médical, qui fait des examens ou qui doit passer un concours ou quelque chose comme ça, madame. Quelqu'un de jeune, vous rappellerez ça? Oui, oui. On me donne ça. Vous êtes fâchée avec votre fils? Pas vraiment, mais on ne se voit pas assez régulièrement. Mais on me montre que vous êtes dos à dos, regarde ce qu'on me montre. Ah, oui. Ah, quand on est dos à dos, oui, oui. C'est que ça ne va pas. Hein. Moi, j'ai un grand besoin de lui. Oui, mais là, il te tourne le dos, ton fils. Oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est papa qui me le dit. Il est... plus le bord, comme ça. Et il n'est pas content, papa, de l'autre côté. Hein. Madame, aussi, je termine avec vous. Il y avait quelqu'un, un poilu dans votre famille, madame. La guerre de 14-18. Mes parents sont pieds-noirs espagnols. Oui, non, mais. Mais après, outre. J'étais, j'étais avec quelqu'un qui était un poilu. C'est peut-être. Vous n'êtes plus mariée, vous, non? Non. Vous êtes divorcée? Voilà, parce que c'est un rapport avec ton ex-mari, on me dit. Il était français, votre ex-mari, madame? D'origine sicilienne. D'accord, non. C'est par rapport à ton ex-mari, il y avait quelqu'un qui était... Il y a eu un poilu, quelqu'un qui a fait la guerre de 14-18. C'est possible. Vous rechercherez. La ville d'Alger, la ville d'Oran. C'est ça. Alger. Alger, madame. Et la ville d'Oran, c'est à côté. Je n'étais pas née à l'époque, certainement que peut-être mes parents ont dû s'y rendre. Ou, et l'Espagne, l'Espagne, la Costa Blanca, la ville d'Alicante, madame. On est d'accord? Tout à fait. Voilà. Ben, c'est votre père qui fait sa signature. Oui. Avez-vous une question à poser, madame? Justement, c'était en rapport de,
les problèmes familiaux que nous rencontrons actuellement, cette famille éclatée. Oui, je dis, et papa il m'a montré quelque chose qui explose. Voilà, comme il y a eu une grande série de blessés. Oui. Je voudrais savoir si nos défunts s'en trouvent perturbés dans leur repos. S'ils arrivent tout de même. Votre père, il est pas content de voir par rapport à tes enfants. Voilà ce qu'il m'a dit de dire. Surtout par rapport à ton fils. D'accord. Les autres, ça ne l'étonne pas, il m'a dit. Vous devez comprendre, hein. Oui. D'accord. Il y a quelqu'un, regardez ce qu'on me fait faire. Quelqu'un qui s'est servi. Oui, ça c'est le concernant. La tante de son service. Voilà, qui a voulu le dérober, qui a voulu le voler. On est d'accord ? Tout à fait. Il y aura des comptes à rendre de l'autre côté. Elle est déjà... Oui, mais pour moi, il y aura des comptes à rendre. C'est comme ça, madame. D'accord ? Faites très attention à vos os, vous, hein, madame. Oui. Vous faire des vieux os. D'accord ? Et au cœur et à la tension artérielle aussi. D'accord. Le restant, vous mangez bien ? Oui. Un peu de tout ? Un peu de tout. Voilà. Bien. Mangez pas beaucoup de poisson, vous ? Non. En effet. Mange donc du poisson, quand je mange. Oui, mon moins. Une à deux fois par semaine, manger du poisson si vous pouvez, ma petite dame. Ça serait bien pour vous, d'accord ? Voilà. Et qui c'est, Robert ou Roger ? Roger, c'est le grand-père de mon ex. Marie. D'accord. J'ai beaucoup apprécié. Qui vous aimait beaucoup. Tout à fait. Et vous respectez. Tout à fait. Lui, au moins. Oh, oui. Qui me dit de dire. Oh. Vous avez compris ? Et je lui rends très, très. Il vous protège, très, très madame. Merci. Voilà. Merci là-haut. On vous embrasse, ma petite dame, hein, d'accord ? Également. Votre fils, il reviendra, mais il y a quelque chose qui est... Comment t'expliquer ça ? Il y a quelque chose qui est cassé, oui. Quelque chose qui est... C'est plus pareil qu'avant. Tout à fait. Désolée, hein ? Non, mais j'en ai conscience. Oh, puis alors, c'est qui, elle ? Alors, il y a une dame, là, elle arrive derrière vous, là. Elle me montre la machine Singer noire, écrit en doré. C'était qui avait ça ? La femme de Roger. Ah. Votre belle-mère ? Non, c'est la grand-mère. La grand-mère ? La grand-mère. Eh bien, comme de leur dire, elle me met d'abord la machine à coudre, la singère, pour se faire reconnaître, ma petite dame. D'accord ? Elle faisait tout. Elle faisait des rideaux, oui. Des habits, des coussins, elle faisait tout à la machine à coudre. Oui. C'est ce qu'elle m'a dit de lui. On est d'accord ? Très très forte. Voilà. Elle me dit, regardez ce qu'elle me dit, cette dame. On n'avait pas d'argent, mais nous étions heureux. Alors, peut-être dans sa première jeunesse, en effet. Voilà, on n'avait pas d'argent, mais nous étions heureux. Oui. Ils ont vécu en Tunisie, ces gens-là, madame ? Pourquoi la Tunisie et la Sicile, madame ? La Sicile, c'est du côté de mon ex-mari. D'accord. Une souche sicilienne. Oui, mais est-ce qu'il y a eu, dans la famille de votre ex-mari, des Siciliens qui sont partis vivre à Tunis ? Ils sont tellement nombreux que j'avoue. Ben, renseignez-vous. Oui, je me renseigne. Bon, votre fils, il reviendra, mais c'est râpé pour moi. Oui. J'ai plus de joie avec les petits-enfants. Voilà, madame. Plus d'amour, plus de choses vraies et authentiques. Voilà, madame. Vous avez une question ? Je l'ai posée. Je pense parce qu'ils arrivent tout de même à garder leur sérénité, leur paix. Oui. Papa dire qu'il est serein, pas trop. Voilà. Donc, vu ce qu'il voit. Madame, non, madame. Moi, en tout cas, il est souvent proche de vous, avec vous. Vous n'êtes pas seul. Ne l'oubliez pas. D'accord ? Je sais, vous vous sentez seul, mais vous n'êtes jamais seul. D'ailleurs, on vous fait des signes avec la lumière chez vous, madame. La lumière. J'ai la télévision qui fait des clignotines un peu. Mais vous faites des signes avec la lumière. À vous de retenir, oui. D'accord, d'accord. Allez, on vous embrasse. Merci beaucoup là-haut. Merci à vous. Il fumait ses gauloises, lui, tranquille. Hein. J'aime bien cet homme. Là, j'étais par là, je suis avec quelqu'un qui s'est suicidé pendu. Non, j'étais par là. Par là. Oui. C'est qui pour... Non, derrière. Non, la dame en... avec la robe fleurie, oui. C'est vous qui avez perdu quelqu'un qui s'est suicidé pendu, madame. Hein? Oui. C'était qui pour vous proche, quelqu'un de proche ? Mon père. D'accord. Il y a longtemps ? Longtemps. Combien d'années ? 28. Oui, j'allais dire 30 ans, moi, tu vois. Ben oui. Vous l'avez pas connu, votre papa ? Vous vous rappelez ? Vous vous rappelez ? Ben oui, vous vous rappelez. Ben oui.
Mais lui, en tout cas, il se rappelle bien de vous, il vient souvent vous voir. Vous ressemblez à votre père, vous, hein. Regardez les photos, vous avez la réponse. Vous ressemblez à votre père et votre père est souvent avec vous. Vous êtes à la croisée des chemins, madame. Vous avez des décisions à prendre. C'est au niveau professionnel ou quelque chose? Qu'est-ce que c'est que vous voulez faire? Vous voulez changer de travail? Vous avez pensé à changer de travail, mais vous n'osez pas? Qu'est-ce qui se passe? J'hésite en fait. Mais il faut y aller! Mais oui! Mais je ne sais pas dans quelle voie en fait. Mais on me dit, elle peut faire plein de choses, mais elle n'y va pas. Et ton père, c'est comme s'il te met un coup de pied au cul pour que tu avances. Hein. Je suis désolée. Hein. Faut qu'il monte la voix alors. Ben oui, parce que c'est vous qui manquez de confiance en vous, qui avez toujours besoin de vous rassurer. Toujours. Et puis, deux pas en avant, trois pas en arrière. Non, non, faut y aller là, hein, d'accord? Vous voulez pas passer un concours, un examen, quelque chose comme ça? Vous n'avez pas pensé? Non. Changement de travail, c'est quoi? Ça veut dire qu'on change, on fait autre chose. Je m'ennuie en fait dans mon travail. Mais je sais. C'est vrai. Mais je sais pas dans quoi. Il me dit qu'elle est à la croisée des chemins, mais elle n'ose pas. Je ne sais pas où. Excusez-moi, vous allez au boulot, mais enfin. Oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Le matin, il n'y a pas de motivation. Hein. Voilà, ouais, on y va parce que vous payez. C'est, ouais, c'est alimentaire, quoi. Mais c'est alimentaire. Ça vous plaît pas du tout. Pardon. Non. Plus, pas beau. Enfin, j'ai fait le tour en fait. Voilà. Ça fait longtemps que vous y êtes? Ça fera 10 ans. Oui, mais ras-le-bol. Hein. J'en ai un petit peu marre, ça joue plus l'ambiance. Alors, ça, ouais. Pourquoi 2018 ça marque pour vous, madame? C'est depuis 2018 que vous voulez partir, que vous ne le faites pas ou que vous n'osez pas ou... Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 pour vous? J'ai fait une fausse couche. Merci. 2018, ça tombe. Et pourquoi après la fausse couche, je sais pas, vous avez pas voulu changer de travail ou arrêter ce travail déjà à cette époque? Vous êtes sûr? Ah, c'est pas possible. J'ai envie. Ça fait très bien que je vais y rester, quoi. Je sais pas où. Oui, mais depuis 2018, ça va pas du tout. Vous êtes pas bien, mais vous allez quand même. Hein, Oui, c'est ça. Ouais, bah, oui, mais. Hein. On dirait que t'attends qu'il te licencie, on dirait que t'attends. Limite, oui c'est ça. Si vous pouvez te pousser voilà, de là. Voilà, et ça va me pousser si vous voulez à faire peut-être autre chose. Voilà. Et vous voulez aider les autres, vous ma petite dame? Vous aimez bien aider les autres? Oui. Oui, je sais. Oui. Mais vous savez pas comment faire. C'est ça. Elle est marrante, hein. Très marrante. Elle a un bon cœur, hein. Elle a une grande sensibilité. Votre papa, il est fier de vous. D'accord. Je m'excuse, madame, je ne vous connais pas, mais je sais pas, il y a des personnes qui vous ont peut-être mal parlé de votre père. C'est possible, oui. Vous devez voir, hein, chercher dans votre tête. Mais il me dit, il est un peu embêté de l'autre côté parce que c'est pas la vérité qu'il me dit de vous dire. Waouh. Je sais pas. À vous de découvrir, il y a des choses peut-être à découvrir, mais c'est pas facile, mais c'est comme ça. Hein. Il me dit, c'est pas la vérité. On vous a raconté des choses que ce n'est pas la vérité. Je ne sais pas quoi, mais vous réfléchirez, madame, sur ce qu'on vous a raconté. Hein. D'accord. Et je pense même plusieurs personnes. Vous devez comprendre ce que je vous dis, non? Plus ou moins, ouais. Oui, je sais que vous avez compris. On me le donne. Bon, alors, quand elle veut, elle change de travail, cette fille, non? Je trouve mal voir, en fait. Ben je oui. sais pas. Et vous voudriez travailler dans quel domaine médical, quoi? En fait, j'ai jamais su ce que je voulais faire, en fait. Voilà. Vous avez des enfants, madame? J'en ai deux, oui. Deux, hein? Vous en voulez un troisième? J'aurais aimé, oui. Vous avez fait une fausse... C'est une fausse couche. Mais oui. Vous n'avez pas remis le couvercle derrière, après? On a essayé, mais ça marche pas. Ça marche pas? Ouais. Et vous avez deux filles ou deux garçons? J'ai une fille et un garçon. Une fille et un garçon? D'accord. Oui. Parce que normalement, ouais, elle aurait dû avoir, genre, par exemple, deux garçons, une fille, ou deux filles, un garçon. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, si vous avez le troisième, c'est un garçon? C'est une petite fille. Petite... Ben, ça aurait fait deux filles et un garçon. Faut comprendre, hein? Oui. Vous en voulez plus du tout, là? Non. Si je le souhaite, mais vu l'âge que j'ai, je pense que ça ne fonctionnera plus en fait. Ouais, non. Je préférerais peut-être
Mais pour moi, ça marque. Hein. C'est comme si pour moi, vous avez eu deux filles et un garçon. Vous comprenez, madame? Parce que cet enfant, c'est une âme qui est partie et elle est de l'autre côté, cette petite fille. D'accord? Le prénom de Rose, Rosalie, Rosemonde, Rosa, Rose quelque chose, ça vous donne quelque chose ou pas? Non. Autour de vous? Retenez-le. Une femme d'un certain âge est plutôt quelqu'un de bienveillant pour vous. Vous rappellerez de ça? D'accord. Bon, ben ton père, il vient pour dire qu'il est bien, hein, et que... Pensez, oui. Vous pensez souvent à lui? Ces derniers temps, c'est vrai que je pense... Vous lui demandez de l'aide à votre papa, madame? Je lui demande de me montrer des signes, oui. Eh ben voilà, ben aujourd'hui, il est là. Hein. Oui. D'accord. Le signe qu'il me dit, c'est que... j'ai eu quelques plumes, je ne sais pas si c'est... Oui. Ça, c'est lui, je ne sais pas comment il se manifeste en fait. Non, je pense qu'il se manifeste par les bruits ou les odeurs ou les rêves, ton père. Tu l'as rêvé, ton papa? Je fais souvent des rêves un peu... Cauchemardesque, un peu, c'est cauchemar. Voilà, ouais. Oui, mais il me dit qu'il est venu aussi par les rêves, d'accord? D'accord. Dites donc, ma petite dame, votre papa, il s'est suicidé, d'accord? Je veux dire. Mais il y a eu dans votre famille quelqu'un d'autre qui s'est suicidé aussi? Les cousins, les cousines ou quoi, vous savez pas? Non, je crois pas. Je sais pas. Qui c'est qui vivait à la campagne dans un petit village? Par mon père, c'est tout? Non. Il y a quelqu'un d'autre, madame. Vous rechercherez. D'accord? À la campagne, je suis dans un village. Un endroit très calme en plus. Une maison très simple. Mais j'ai la cafetière, là, vous savez, qui coule, j'ai le café dans la cafetière, dans le verre transparent, là, vous savez, la cafetière transparente, là. J'ai l'automatique, là, qu'on appuie. Donc, quelqu'un qui buvait pas mal de café. Vous voyez pas, hein? Mais vous regarderez parce que ça marche. Bon, viens, papa, il vient pour vous bousculer, pour que vous changez de travail. Il dit qu'il en a ras-le-bol de vous voir. En fait, Vous pensez avoir de la peine par rapport à votre père, mais vous faites beaucoup plus de peine à votre père quand il vous voit comme ça dans votre vie. Parce qu'il faut prendre le taureau par les cornes et il faut avancer, on me dit. D'accord? Vous ne voyez pas votre maman? Si. Vous parlez beaucoup avec elle? Pas trop, elle habite loin, quoi. Elle habite pas sur Marseille. On se parle tous les jours au téléphone. Voilà, mais donc vous ne la voyez pas, c'est bien ce que je dis. Vous parlez, mais vous ne voyez pas. Voilà, c'est ça. Vous la voyez une fois tous les combien? Deux, trois fois par an, on va dire. Elle vit où, maman? Elle vit à Rouen. D'accord. Et vous y allez la voir de temps en temps? Oui. D'accord. Elle ne vient pas vous voir? Si. Souvent? Si, elle vient pour les anniversaires, en fait, des enfants, souvent. D'accord. Vos enfants, ils sont magnifiques, hein? Merci. Ils sont baptisés? Non. Les deux? Ah, ben c'est bien. Oui. Vous priez, vous, ma petite dame? Non. Il faut prier la Sainte Vierge, vous, madame. D'accord. Voilà ce que vous irez la voir à Notre-Dame de la Garde, là-haut. Elle n'a pas bougé, là. Vous voyez? D'accord, j'irai. Elle n'a pas bougé du rocher, c'est ça. Tu peux aller hiver comme été, ne bouge pas de place. Vous irez faire un petit tour là-bas. Oui. Vous allez avoir une sacrée séance d'émotion. Vous vous rappellerez bien de ce que je vous dis. Ça sera très drôle. Allez, je suis ici, vraiment. Voilà. Par hasard. J'ai regardé quelques vidéos. Qui c'est Pierre, madame? Pierre? Pierrot. Mais pas. Vous connaissez pas? Non. Dans le travail non plus, il n'y en a pas eu, hein? Non. Non. Eh bien, retenez ce prénom. Moi, je vous vois changer de travail, je vous vois changer de vie. Vous voulez déménager aussi? Ah non. Non, je suis bien ici. Non, mais vous voulez changer de lieu, d'habitation? Non. Vous êtes en appartement? Je suis en maison. En maison? Oui. Elle est à vous, la maison? Oui. Ben, vous la revendrez, vous en aurez une autre. Vous rappellerez de ça? D'accord. Avec un peu moins de travaux à la clé à l'intérieur. Ah, parce qu'on en fait beaucoup de travaux. Je sais, vous en avez. Une fois que la maison elle sera terminée, je suis mort de rire. Parce qu'une fois que la maison est terminée, je revends et je rachète autre chose ailleurs. C'est comme ça. C'est la vie, ma petite dame. Votre papa vous embrasse très très fort. Merci. Avez-vous une question à poser? Vous avez répondu un peu à mes questions, je voulais savoir si... Dites donc. Ils étaient auvergnats chez vous?
Mais oui, c'est parce qu'on habite dans la région Rhône-Alpes. Oui. Non, on peut habiter en Rhône-Alpes et pas être auvergnat, on est d'accord, madame? Oui. Qui c'est qui était auvergnat? Elle sait. Vous savez pas. Non. Vos ancêtres non plus, vous savez non, pas. Je peux pas. Posez la question à votre mère, d'accord? Par téléphone. Votre père, il vous embrasse. Vous avez une question? Cette maison vous a coûté un bras en plus, hein, avec tous les travaux. Un bras et. Et c'est votre mari qui fait tout? Il est là, oui. Oui, oui, je sais, il est là. Il est là. C'est lui qui fait tout. Oui, il fait beaucoup de choses. C'est qui Stéphane? C'est lui? C'est lui. On est d'accord. Votre père, il embrasse beaucoup son gendre. Vous savez, votre père, il aime beaucoup votre mari. En fait, c'est comme si papa, aujourd'hui, te donne l'aval pour ton mari, toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, alors. Il ne l'a pas connu, en plus. Mais de là où vous inquiétez pas, il vous surveille bien tous les deux. Tous les quatre, parce qu'il y en a deux autres encore. D'accord? Lui aussi, des fois, il ne parle pas, mais il a été marqué quand même par la fausse couche que vous avez fait. Hein. Garde tout à l'intérieur, ce monsieur. Il est très gentil, votre mari. Vous êtes marié? Non. Eh bien alors, quand tu veux, alors tu les prends. Dis donc, Stéphane, ça coûte cher une alliance? Tu peux l'épouser, avec elle, ça sera un CDI. Hein. Ça fait déjà 22 ans. Mais oui, mais je sais, c'est jusqu'à la mort. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi elle n'a pas épousé. Hein. Moi non plus. Hein. Je alors, on est deux à comprendre alors. D'accord. Votre beau-père, il vous aime beaucoup. D'accord. Il dit, parle pas, lui, garde tout l'intérieur. Hein. Top secret, il est, le Stéphane. On est d'accord? On vous embrasse de l'autre côté. Moi aussi. Voilà. Vous manquerez jamais de rien, vous avez compris? Vous avez bien compris ce qu'on vous dit? Oui. Votre papa, il vous embrasse très fort et il dit, je suis là. Et il protège aussi les petits. Hein. Ne m'oublie pas, j'entends. Oula. Jamais. Bon, c'est parfait. Jamais. Je laisse. Allez, priez la Sainte Vierge à Notre-Dame de la Garde. Ah ouais, mais je vais, c'est sûr. Allez, mais vous restez un petit moment quand même devant elle, hein. D'accord. Parce que si vous rentrez, vous faites le tour, c'est pas la peine, hein. Allez, on vous embrasse. Merci beaucoup. J'aime bien votre papa. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Alors, il y avait des Auvergnats, mais elle sait pas, c'est pas ses origines, mais c'est drôle, hein. Elle est perturbée. Ouais. Ah ouais. Elle veut rigoler, ben on rigole aujourd'hui, hein, tu vois. Ça. Alors ici, j'étais sur le côté, j'entends du flamenco là. Voilà, regarde la guitare. Hein? Qui c'est que gitan qui est en rapport avec les gitans et tout là? Putain, j'ai le flamenco. J'étais avec la. J'avais des Gypsy King. Allez, ça ça marque là par ici. Quoi? Chez vous? Mon mari, moi. Hein. Ton mari qui est gitan? Voilà, allez. Ouais. C'est pour moi? Ben non, c'est pour c'est le maman. C'est venu là-bas. Ah ben, c'est venu par là, parce que d'accord. J'étais en train de parler là-bas. C'est venu, j'ai eu un groupe de gitans qui sont venus tous avec la guitare et tout ça. C'est mon fils, et mon mari. Voilà, et puis alors... Il y a longtemps que je les entends. Ah voilà, là. Et puis j'entends. 44 ans que je les entends. Ah ouais. Et puis, c'est carrément un orchestre, hein. Oui. Ils sont plusieurs, hein. Oui. D'accord. Mon fils, oui. Il y a ton fils, ton mari, qui d'autre? Non, non, mon mari, il a pris mon fils à la guitare. D'accord. Et qui c'est qui chantait? Mon fils. Bandolero. Exactement. Ouais, ouais, ah, on s'ennuie pas aujourd'hui, t'as vu? Et allez-y parce que je chante très bien. Ah ouais, ah ouais. Et il chante dans des cafés, des restaurants, des trucs, ouais, tout ouais, ça ouais, de partout. Ouais, ouais. Il fait des soirées comme des ça. Des soirées, limite. Super. Ouais, les mariages aussi, il fait tout. Ouais. Ah, c'est ouais, super. Ouais, ouais, mariage, ouais, anniversaire tout, ouais. Et tout ça. Ouais, ouais. Ah oui, elle donne ça. Hein. Ouais, ouais. Alors là, je comprends pas. Enfin, si, un peu. Oui, non. Ouais. Je vois les gitans, puis d'un coup, je vois Johnny Hallyday aussi. Qui c'est qui aime Johnny Hallyday? C'est moi. Ah! Je suis des années 60. Hein. Eh oui, parce que c'est l'époque de Jojo. Ah oui, d'accord. On me donne ça. Et qui c'est qui aime Claude François? Pas pareil, ça. Moi aussi, hein. Alors, Clo-Clo. Le magazine Podium. Je l'ai acheté quand je t'appelle. Dans le touriste. Ah, tu vois, on me donne. Ah, oui, on me donne ça. C'est les meilleures années. Hein. Ah oui, on me donne ça. Ton mari, il parle pas maintenant? Je sais pas. Avec toi aussi, il te parle?
Il est très jaloux, ton mari? Parfois, je sais pas, il m'a jamais aidé, moi. Ah ouais? Tu fais ce que tu... Moi, oui, toi, t'es jalouse. Ouh. C'est toi qui lui faisais des scandales. C'est toi qui lui faisais des scandales, comme ça, lui, si c'est là, que c'est sien. Jalouse. Pourquoi t'as eu peur qu'une femme, elle te le pique? Comme il chantait Bandolero. C'est sûr. Grâce à la guitare, ça plaît, hein. Ouais. T'allais le voir chanter, danser. Il avait du succès, hein. Non, pas mon mari. Mon mari n'a jamais chanté. Non. Moi, c'est mon fils. Mais quand, ton fils, il a beaucoup de succès quand il va chanter, danser et tout ça. Il a ça dans le sang, il a ça dans la peau. Il avait un an. Ah ouais, franchement. Et il a connu les Gypsy Kings, lui, ou pas? Oui, il les a côtoyés, les Africains. Pourquoi je suis au Sainte-Marie de la Mer? Parce qu'ils y vont. Merci. Ouais, parce que je suis au Sainte-Marie de la Mer, j'étais vers la Grande Motte, Montpellier, oui, ça, par là-bas. Parce que mon mari, ici. Il est gitan catalan. Merci. Espagnol. Non. Ah non. C'est bon. Aussi. Il a un patois. Il parle pas de toi. Oui, mais ça ressemble un peu à l'espagnol. Oui, un peu. Et Perpignan, pourquoi Perpignan? Il y a de la famille là-bas. D'accord. Qui c'est qui est voyageur et qui c'est qui est... Qui c'est qui vivait sédentaire dans les appartements et qui c'est qui vit dans les caravanes et tout ça? La famille, la famille. Mais putain, pas des super... Moitié. Non, mais des super caravanes, je vois, moi. Oui, il y en a de belles. Ah, mais je vois moi, pas je des... pas, non. Mais je vois pas une caravane pourrie, moi. Je vois une caravane toute équipée pour... Ah, voilà. C'est un loft. 4 étoiles. Super belle, la caravane. Ouais. Qui c'est qui a eu un berger allemand décédé? C'est le mien. Il est là. Oh. Il est assis à côté. Oh, il est marrant. C'est père. Il est là. Top. Eh ben Tom, il est là. Il s'est mis à côté de moi. Ouais, il est trop garde. Trop beau, ce chien. Ah, mais il te protège, hein. Ah, je l'ai vu par terre. Assis là, à côté de moi, comme... Et il te regarde comme ça. Il t'envoie un regard des yeux d'amour, ton berger allemand. On donne ça. Je pense toujours à mon chien. Ben, il te manque, non? Alors pourquoi j'ai un grand chien? Un berger allemand, c'est un chien 40-50 kilos. Ouais. Et pourquoi j'ai un rikiki là, comme un chihuahua ou un yorkshire? C'était une saucisse. Un chien, une crevette quoi, un peu. Un petit chien tout petit là, tu sais, comme un chihuahua. J'ai pas vu ça. Qui c'est qui a eu un toy, un york, un toy, un petit chien tout petit? Qui c'est qu'a ça? Que tu mets dans la poche, là. C'est un chien. Moi j'avais le berger, mais à côté j'ai un petit chien. Et il est décédé, le petit chien, tout petit. Il est tout petit à côté de lui, il est trop mignon. Mais qui c'est qu'a eu un chien qui est décédé comme ça? C'est ma belle-sœur. Tu poseras la question. Qui c'est Gilbert? C'est un ami. D'accord. Et qui c'est qui est d'origine italienne? Des amis qui sont italiens autour de toi? Oui. D'accord. Pourquoi les quartiers nord de Marseille? J'habite là-bas. Merci, ben, je sais pas moi. L'adresse là. On m'a même allé, je sais même pas où c'est. On m'a dit quartier nord. À Carrefour Merlin. D'accord. On m'a dit quartier nord de Marseille, on m'a dit comme ça. Je suis le quartier nord. D'accord. Et qui a travaillé à l'hôpital? Moi. C'était, qu'est-ce que c'est que tu pousses là? Des chariots. Ah, c'est des chariots. Voilà. Voilà. Personne. C'est des brancards aussi que tu pousses aussi avec les gens dedans ou... Non, des chariots. Ah, des brancards quand on allait les laver dans les couches. Et oui. J'ai toujours fait ça. Hein. Et c'est quoi? T'es soignante? T'es quoi? Non, j'ai pas eu la chance de passer le diplôme. Passer, mais je l'ai fait avec un bon cœur. Pour moi, tu es soignante, hein. T'as le même niveau. T'as pas que le papier, mais t'as le même niveau. C'était vraiment ce qui me plaisait. J'adore les personnes âgées. Je vois les couloirs de l'hôpital, je trouve même... C'est un peu bizarre cet hôpital, hein. C'est vieux. C'est jeune de Dieu. Ouais, il est vieux. Ouais. Et alors, autant il y a les vivants, il y a les morts, c'est rempli. Tu prends le couloir, là, comme ça, oh, il y a mort de monde. C'est habité, et quand je te dis que c'est normal, habité, tous les morts, ouais, mais je peux te dire que c'est très, 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 très chargé cet hôpital. Moi, je rentre là-dedans, je me sauve. Fais-moi l'hôpital à l'extérieur. Les morts font pas de mal. Hein. Non, moins que les vivants, ça c'est sûr. Ah oui, ça c'est sûr. On me le donne. Hein. Un prénom avec un O. Océane, c'est qui? Ma petite fille. Ta petite fille. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Elle aime la musique, tout ce qui est artistique et tout. Voilà, elle chante, elle danse et tout ça. Mais c'est trop marrant parce que elle, quand elle rentre dans ta maison, c'est le soleil qui rentre chez toi. C'est la joie. Que du bonheur. Elle va aller très loin, cette gamine-là. Et elle sera très croyante.
te rappelleras ? Elle me suit. Hein. Elle est très croyante, elle écoute tout ce que tu lui dis. La force et la foi. C'est bien, et tu lui donnes aussi tout ce qui est l'intuition. Tu tires les cartes, toi, un peu ? Ouais. Ouais, tu le fais, t'as de... Je le faisais. Mais tu le fais plus, pourquoi ? Non, parce que j'ai fait une promesse, je ne peux plus le faire. Ah, d'accord. Mais c'est dommage parce que tu le faisais bien. Oui. Mais peut-être qu'elle, elle aura le don, elle aussi, la petite. Elle, elle voudrait être comme moi. Qu'est-ce que je viens de dire ? Comme moi, comme moi. Elle n'est pas belle, celle-là ? Elle est comme toi. Elle, elle est comme sa grand-mère. Ça peur de rien. Non, non, non. Et un prénom avec un L, c'est qui elle ? Comme Laetitia, comme... Laetitia, si c'est Laetitia, c'est... C'est qui ? Un parent éloigné par appelé par alliance. D'accord, parent éloigné par alliance, d'accord. Et un autre L, Laura. Laura. C'est qui Laura ? C'est une famille, tu vois, famille. D'accord. Après, on va savoir si c'est... Famille nombreuse, hein. Combien vous êtes ? Nous, on était 8 enfants. Voilà, ça c'est une famille nombreuse, ça rigole pas. 8 enfants. Aujourd'hui, famille nombreuse, 3 enfants. Et tous heureux, très heureux. Et c'est qui alors celui-là là ? C'est parce que là je suis à l'époque, bon, l'époque de Johnny, de Mike Brandt, avec les gars avec les cheveux longs, les chemises avec les pantalons à taille haute, les pantalons à taille d'éléphant, les pattes d'éléphant, les chaussures compensées, les chemises avec tu sais, les grands cols comme ça qui tombent et tout. Là c'était, c'était la période. Hein. C'est mon époque. Que j'oublie pas, que j'arrive pas à oublier. Ah oui, parce que c'était les années 70, quoi. Les années 60. 60, 70. Voilà. Et qui c'est qui avait des moustaches comme ça ? Avec les favorites comme ça. Mon père. Avec les pattes non, comme ça, tu vois ? C'est mon oncle. Et les moustaches comme. Châtain un peu, il était celui-là. Les cheveux longs et un peu crantés comme ça. Il est beau ce gars. Ah ouais, ouais, ouais. Tu vois pas ? Ah putain, il était beau celui-là. Hein. Tu regarderas, c'est quelqu'un qui a des cheveux clairs, châtain. L'été, il devenait un peu blond, les cheveux, mais il avait des cheveux châtain, châtain clair un peu. Des yeux clairs, les favorites comme ça, la moustache comme ça, tu sais qui descend la bacante comme ça. Et puis les deux pattes comme ça sur le côté. Peut-être que mon mari, il aimait tes brumes, mais c'est pas cheveux. Non, c'est pas ton mari. C'est pas mon mari, c'est pas... Un copain ou des amis t'es mis autour. Les... Vous alliez en boîte de nuit et tout ça, c'est ça. Il y avait beaucoup de soirées et tout ça. Moi, c'était des booms. Ben des ouais, booms, c'est ça. Ben oui, c'était comme ça. Hein. Et pourquoi Brigitte Bardot ? C'était mon époque. On s'habillait comme elle. Ah, voilà. Brigitte. J'essayais, quoi. Parce que j'avais pris la taille, mais pas le reste. Ah, ben, t'es belle quand même, Brigitte Bardot. C'est notre vie d'amour. Hein. Brigitte Bardot. Et puis, j'avais aussi la femme Sylvie Vatan. C'est moi, je suis fan de Sylvie Vartan. J'écoute toujours. Parce que, alors regarde, oh non, non, ils me font rire là-haut. Ils me mettent les micros comme ça, ils me font. Ah. Ils me mettent les cheveux en arrière, tu sais, les cheveux blonds en arrière, comme ça, surtout que moi j'en ai pas. Mais en fait, c'est mes années. Les chansons de Sylvie Vartan. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ouais. T'adorais Sylvie Vartan ? Sylvie Vartan. Tous les chanteurs de l'époque, ben hein, oui, c'est ça. Été ma jeunesse, Johnny, tout ça. Belle mais... jeunesse que j'ai eue. Qui c'est qui a fait de la prison ? Mon fils. D'accord. Oh là là, et je suis dans une fête foraine, et puis j'arrête pas, j'entends les barbapapa, les barbapapa. Ça, c'est quand j'étais jeune. On allait, puis on marchait, comme ça, debout, quand j'étais jeune. Debout comme ça, avec la barbapapa, si j'ai un frein, on la met dedans. J'étais jeune, ça a été. T'allais aux fêtes foraines, les deux tamponneuses, voilà, tout ça. Et au moins, je faisais la belle. Et on achetait les barbes à papa, on mangeait les barbes à papa et tout ça. Mon ça, Dieu, ça c'est des bons souvenirs, ça. Heureusement que j'ai ça. Hein. Oui, parce qu'on me le donne. Qui c'est qui était chauffeur de bus ? Mon mari. Pour la ville ou Non, là, il est là-haut. D'accord, mais c'était pour la ville qui faisait ça, chauffeur de bus ? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Bonjour, hein. Ouais, ticket. Un peu dégoûté, quoi. Tu vois, c'est ça. Ras-le-bol à la fin de la journée, j'en ai ras-le-bol de donner les tickets. Parce que c'était pas comme aujourd'hui, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. Qui c'est qui portait des Santiago ? Oulala, là là, mais c'est pas des. Un peu en croco avec des belles Santiago, hein. Marron clair et la pointe de la Santiago. C'est du serpent, je sais pas ce que c'est. Ça se laisse à la famille. Ah oui, il y a quelqu'un qui portait toujours des Santiago voilà, comme ça. Mon mari, pas des Santiago, c'était des bottines. Mais... Non, mais là c'est les Santiago. Les Santiago, c'est pointu. Ouais. Quelqu'un qui portait beaucoup des Santiago, mais des belles Santiago. en lézard ou en croco ou quoi. Tu poseras la question.
Qui c'est qui perd la vue? Qui c'est qui a des problèmes de vue et qui ne voit pas très clair? Qui a du diabète et qui a la vue qui baisse comme ça? Il y avait ma belle-sœur. Ça fait comme des pots de saucisson devant les yeux et tout. Ma belle-sœur. Ta belle-sœur? Elle est décédée, ta belle-sœur? Oui. Voilà. D'un coup, tu vois, j'avais une femme qui arrive avec... Je vois plus clair. Elle vient souvent te voir, hein, ta belle-sœur. Hein. Ma belle-sœur, elle, il n'y a pas longtemps. Elle est décédée il n'y a pas longtemps, là. Il y a combien de temps? Ah, j'avoue. Ouais, elle a besoin de prière encore. Hein. Allume des bougies, qu'elle te dit. Oui, demain. Ah, pas demain. Non, pourquoi je suis... Fais-le, hein, parce que je sais que tu pries beaucoup, toi. Oui. Elle dit, allume des bougies et prie avec ton chapelet, qu'elle dit. Tu dois comprendre. D'accord? Oui, oui. Voilà. Bon, ton fils, il a fait décéder? Il en a fait. Ouais. Il n'a pas percé. Il n'a pas? Il n'a pas trop percé, quoi. Il faut qu'il, continue, hein, parce qu'il est doué pour la musique. Et tout. Ah, un bandolero et tout ça, là. Ouais, comment c'est venu, là? C'est ah, venu. Il a d'un coup, il avait tout fait. Il chante et tout. Ah, ouais. J'ai essayé de mettre une belle voix. Il a une belle voix. C'est un beau garçon, aussi. Beau garçon. Ah, franchement, il faut dire ce qu'il y a. C'est mon troisième. Ah, il est très. Tu as des beaux enfants. Et la petite fille, elle est magnifique. Donc, ils sont en bonne santé. Dieu les bénisse à tous. Oui, avec tout ce que j'ai fait. Ah ben oui, mais on me le dit. Hein. J'ai fait tout pour qu'ils soient en bonne santé. Hein. On donne ça. Et Jojo, c'est qui? Oh là là, c'est Coco, maintenant c'est Jojo. C'est qui Jojo? Jojo, c'est peut-être Joseph ou Josepha ou... Il y en a beaucoup qui s'appellent Jojo. Mon mari, on l'appelle Jo. Ah, et on l'appelle Jojo, n'est pas ton mari? Jojo, Jo. Il y en a beaucoup qui s'appellent. Il s'appelle comment ton mari? Il s'appelle plus Jo. Ah ouais, bah alors, c'est pour ça que j'entendais Jojo. Moi, je suis fait appeler Jo, mais il s'appelle Nano. Ah ouais. Bon, Jo Nano. Ça, c'est au travail. Allez, Jo, ça va, Jo. Mais là, il ne travaille plus, là, ton mari. Non, non, pas. Il aide son fils, là, pour la musique encore ou pas? Et on y est souvent. On est... Il faut qu'il aide, hein, parce que le petit, là, il faut qu'il y arrive. D'accord? T'as une question à poser? Je veux savoir où j'en suis, dans mes terrains, quoi. Comment ça se fait qu'il y ait un blocage? J'arrive pas à retourner. Parce que c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Tu veux les vendre? Oui. Pas le moment. Parce que là, oui, non, mais tu les vendras. Si tu les avais vendus avant, là, pendant le Covid et tout, tu les aurais vendus peut-être à perte ou quelque chose comme ça. C'est pas le moment. C'est une sécurité, ça, financière. Tu comprends? T'inquiète pas, tu n'entraves rien. Et même ton fils aussi, il n'est pas beau, lui. Il voudrait réussir, comme ça, il dit, si je réussis, si je suis j'achète une maison à ma mère, je fais si. T'as vu la mentalité qu'il a? Il a une belle mentalité, il a un cœur comme ça. Hein. Il est trois, hein. Ouais. Il est très généreux. Ouais. Non, mais celui que Bandolero là, il est arrivé là. Ils étaient 5 ou 6 là, à gratter la guitare sèche là, ça. Il a fait beaucoup de groupes. Ouais. C'est pas ça. Et de la très très bonne musique, hein. Ouais. T'entends? Ouais. Voilà. Lui, il voudrait percer seul, mais bon, c'est pas possible. C'est pas que c'est pas possible, c'est que c'est difficile, c'est très dur. Mais qui continue de chanter parce qu'il chante et il joue surtout bien de la guitare. Transmets-lui. Voilà. On les embrasse. Puis là-haut, ils sont contents, tu vois. Alors, je termine. J'ai Mamitas de Platas. Mon mari m'a... Il a connu m'a eu avec ça, quoi. Pourquoi il t'aime avec ça? Parce qu'il le connaissait? Non, mais il m'a joué la guitare, là. Ah oui, il t'a charmé. J'étais un peu bon. Mais j'ai été versé par la musique. Comme ça, voilà. Ah bah dis donc, hein. Allez, on t'embrasse. Mais j'avais Manitas de Platas, il est plutôt de la région vers Montpellier. Oui, ça, là, tu vois. C'est pour ça, tu vois, les Saintes-Maries de la Mer, la Grande Motte, Montpellier. Oui, oui, j'étais par là au bas, j'étais pas par Marseille, tu vois. Voilà, c'est ce qu'on me donne. Je suis pas du tout espagnol, il y a ni. Non, je sais. Oui, mais c'est Martin. Comment ils sont arrivés tous avec la guitare là, mais d'un coup. Ils n'habitaient pas au mariage, parce que sinon, ils arrivent tous là. Hein. Ah oui, mais c'est beau, hein. Non, c'est très très beau. On t'embrasse de l'autre côté, tu vois. Hein? Tu pries beaucoup, tes prières sont entendues. Prie encore un peu pour cette femme là qui vient de mourir. Parce qu'elle n'est pas encore bien. Elle n'est pas arrivée, elle n'est pas montée encore. Pas encore bien. Elle est un peu coincée entre les deux plantes. Il faut vraiment lui mettre des bougies pour qu'elle passe. D'accord? Tu le feras? Oui. C'est bien, hein? C'est important. Hein? Voilà, on t'embrasse. Tu es protégée. Tu as ta mère qui vient souvent te voir. Ça va. Ça va. Tu lui parles? Ouais. Des fois, tu es allongée dans ton lit, alors maman, c'est vous voyez la vie que je vois. Je lui demande beaucoup d'aide. Je sais, je sais. Tu lui racontes toute ta vie et tout. Hein,
demande beaucoup d'aide. Moi, ce que j'aimais, c'est quand tu es allongée dans ton lit, que tu commences à leur parler. Maman, alors, tu voyais, tu as vu un peu ce vide, machin. Et oui, mais alors, je t'ai pas raconté, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, je ne situe pas. Elle t'entend. T'es pas folle, hein, t'inquiète pas. Hein. D'accord. La petite Océane ira loin. Allez, pour l'instant, pas de vente d'appartement ou de terrain pour ça. Peut-être 2022-2023, là, c'est pas dans 10 ans. Et ça se passera bien, t'inquiète pas. Je veux faire tout avant que quoi qu'il m'arrive. Mais il va rien t'arriver, tout du bois, ça va pas, non. C'est pas encore ton heure. Hein. Ben oui, mais c'est pas ton heure. D'accord, mais au moins que avant que je. Qui c'est Claudia? Tu te rappelleras? Je sais pas qui c'est celle-là. Mais... C'est Claudia. Je connais pas de Claudia. Ah ben tu verras. On marquera. Ah. Allez. C'est tout? Ben, c'est déjà pas mal. Vous passerez la journée, je ne vois pas, il y a du monde, hein, d'accord? Allez, c'est allez. Oh, ça se casse. Elle demande de repasser le micro. Là, je suis pas là-bas, je suis avec un monsieur qui a perdu quelqu'un qui s'est tué en voiture, ou un frère, ou un monsieur. C'est là-bas, sur le côté droit. Non, pas à droite, là, en face, là, Aurore. Soit le monsieur avec la moustache ou le monsieur avec le masque. Vous avez perdu quelqu'un qui s'est tué en voiture, monsieur? Non, mort d'un cancer. L'heure d'un? Mort d'un cancer. D'un cancer. Et vous, monsieur, est-ce que vous avez perdu quelqu'un qui est mort par un voiture, accident de voiture, monsieur? C'est pas proche, mais... Hein? Non, c'est un monsieur qui est décédé. Un ami ou quelque chose comme ça, ça ne vous donne rien, vous êtes sûr? Ah pourtant, je suis par là, moi. Je suis avec un monsieur qui a perdu. Un monsieur, ça n'a rien à voir avec sa famille, mais qui s'est tué en voiture. Ah oui. Soit c'était un copain, soit c'était un collègue de travail, soit c'était... Mais c'est quelqu'un qu'on a côtoyé quand même. Non, c'est un monsieur. C'est un monsieur qui a perdu un monsieur. Oui. Et on a travaillé un peu avec et tout. J'entends rien là avec les groupes. Ouais, comment? Oui, bonjour. Bonjour. Apparemment, ça serait peut-être un cousin qui s'appelle Daniel. Qui s'est tué en arrière. Oui, et qui s'est tué en voiture. Voilà. Et c'est un monsieur qui a perdu un monsieur. C'est ce qu'on me donne. C'est un cousin, c'est pas quelqu'un. Vous le voyez souvent ou pas, ce monsieur? Pas vraiment. Pas vraiment? D'accord. Vous le connaissiez pas trop? Si, c'était. Mais je l'ai connu peu de temps parce qu'il. Parce qu'il est décédé jeune. Après que je l'ai connu quelques années, il est décédé. Il y avait eu des histoires par rapport à la famille ou pas? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Non. Le cousin est quand même assez éloigné. D'accord. Et vous avez grandi avec lui? Vous avez pas fait des choses avec lui? Il n'était pas dans la région. Et vous l'avez côtoyé, ce cousin? Je l'ai côtoyé quelquefois pour les anniversaires. Vous faites un travail manuel, vous, monsieur? Pas du tout. Pourquoi on me sert de vos mains, on me met les mains en avant? Parce que j'ai une formation de ma sœur. Merci. Mais pourquoi vous ne me dites pas du parce tout? Parce que c'est plus mon activité principale. Mais oui, mais vous l'avez fait, monsieur. Oui, fait, vous avez travaillé avec vos mains. Hein. On m'a fait comme ça avec les mains, tu vois. Vous avez fait des stages, des formations? J'ai fait des formations, j'ai animé des formations. D'accord, ok. On me le donne. En tant que thérapeute, c'est ça? Oui. Et là, vous avez arrêté tout ça? Oui, oui, depuis 2014. Et là, vous faites quoi? Je suis responsable RH. D'accord. Dans une grosse boîte? Une association. D'accord. Ouais, c'est bizarre, dans cette association, il y a des choses qui ne sont pas claires. Oui. Oh, ça, je comprends pas. Ah ben, je suis d'accord. Hein. Vous avez compris? Vous avez la réponse, hein, direct. Et justement, c'était une de mes questions. Ah ben, avant même que tu me la posais, je te l'ai dit, va-t'en de là, bon, c'est clair. Voilà. Ça ne vous correspond pas, hein? Non. Le mot est faible. Vous voulez travailler à votre compte, vous, monsieur? Non, en fait, j'ai passé des entretiens pour travailler à la caisse de prévoyance de la SNCF. Ouais. J'ai passé donc deux entretiens récemment. Et je dois en passer un lundi pour savoir si c'est bon ou pas. Ah. Travailler à la SNCF? Oui. Mais en tant que cadre. Ah oui, mais il fait peur, je ne vois pas travailler derrière le guichet à la SNCF. Je ne voyais pas ça, moi. J'ai
pas cité, deux entretiens déjà. Faire des prestations à la SNCF, c'est ça? Non, en fait, ce serait pour travailler à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF. C'est ça. Ça. Moi, je ressens pas ça. Pas bon? Non. Faut vous étendez votre champ de recherche. Je ne vois pas ça, moi, on me donne. Hein. Non, parce que vous êtes une personne qui vous lassez très très vite. Une fois que vous avez commencé votre truc, vous faites vite le tour. Une fois que vous avez fait vite le tour, ça va plus. Faut que je passe à autre chose. C'est dans laquelle je travaille, j'y suis depuis 7 ans. Oui, mais depuis 7 ans, mais j'ai envie de dire depuis plus de 5 ans, ça va pas. Ah oui, tout à fait. Je m'excuse. Hein. Ah oui, c'est vrai. Vous avez peut-être eu peur de redémarrer autre chose ailleurs ou quoi, de faire autre chose. Moi, je vous aurais mieux vu travailler pour vous à votre compte, tu vois. Oui. Soit dans les soins, la guérison, tout ça. Oui, c'est ce que j'ai fait, mais bon, Vous charges, c'est pas évident. Je sais, mais vous étiez doué là-dedans. C'est dommage que vous ayez arrêté. Ça, on me le donne, moi. Hein. D'accord. Vous voulez écrire un livre, monsieur? Pas vraiment. Plus tard, vous le ferez. D'accord. Pas maintenant, c'est pas d'actualité. C'est plutôt des mémoires d'un moment. Non, c'est pas une autobiographie, non. Non, ce ne sera pas une mémoire, non. Ce sera plutôt un bouquin, vous serez bien, bien inspiré. Un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion? Alors, je suis verso. Un signe d'air. Non, c'est un signe d'air. Oui. Cancer, poisson ou scorpion, c'est qui? Scorpion, mon frère. D'accord. Un prénom avec un F et un E, c'est qui? Des initiales de prénom, un F et un E. Non. Éric, Étienne. Avec un E, oui, pardon, Éric, oui. Merci. Et F, Frédéric, François. Alors, c'est un nom de jeune fille de ma mère. Merci. En haut, à droite. Les pays de l'Est de la France, ça marque ou pas pour vous? L'Est de la France? Non. Pas du tout. Non. Personne qui était de là-haut. Non. Tiens, c'est bizarre. Hein. On m'emmène vers l'est de la France avec vous. L'est de la France, c'est vers Strasbourg, Mulhouse, Colmar. Alors, j'ai des origines allemandes. Merci. Tout comme lui. Non, mais oui, mais ça touche l'Allemagne. Hein. C'est bien vous, hein. C'est votre maman qui est allemande. D'origine allemande. Oui. C'est ça. Mais il y avait quelqu'un qui a vécu dans l'est de la France. À la frontière de l'Allemagne, je sais pas, c'est vers Strasbourg, là où ça touche, c'est pas loin de la forêt noire et tout ça, donc... C'est la Bavière, oui. Ouais, c'est ça, ça touche en tout cas. Pourquoi j'avais aussi avec vous la Suisse? Je sais pas. Peut-être travailler en Suisse ou faire quelque chose en Suisse, non, vous avez jamais pensé? Non, non, pas vraiment. Ben, retenez-le, hein. La Suisse marquera, et j'avais l'Est de la France aussi qui marque. Ça peut pousser jusqu'à la frontière allemande, mais ça marquait pour moi. Moi, on me remet les mains en avant, on insiste avec les soins, la guérison et tout. Hein. Je m'excuse, monsieur. Non, mais... C'est comme si vous refusez de faire ce que, pourquoi vous avez des choses à faire, quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer. En fait, je l'ai fait pendant 8 ans. Donc, j'étais à mon propre compte pendant 8 ans, mais au niveau des... Et revenu, c'était régulier. Peut-être le refaire, mais s'organiser différemment et tout ça, quelque chose. Parce que on me met les mains comme ça, écarté en avant, c'est qu'il y a du magnétisme, il y a quelque chose dans les mains. On est d'accord, monsieur. Hein. Et moi, pour moi, vous êtes fait pour les soins et la guérison. C'est peut-être pour ça que tous les boulots et tout autour de vous, ça bloque, monsieur. Hein. On vous ramène. Vous avez peut-être pas compris le message. Hein. D'accord. Qui c'est qui vous tire les cartes? C'est vous aussi? Oui, je sais. C'est l'oracle Béline que vous faites? Non, le tarot de Marseille. Non, mais j'avais l'oracle Béline. Vous savez, les Bélines, vous rappellerez? Oui, les Bélines. Et vous avez jamais vu une cartomancienne qui vous tirait les oracles Béline? Non. Jamais connu, côtoyé quelqu'un qui tirait les cartes, une femme? Si, il y a très longtemps, mais c'était pour à titre comme ça, amical. Oui, mais on vous a tiré les cartes. Oui, on est d'accord. Parce que je voyais une femme qui vous tirait les cartes, moi. Je ne l'invente pas. C'était vraiment ponctuel. Hein. Oui, madame. Un prénom avec un A, un peu comme Alexandre, Alexis, Alex, Alexandre, Alexis. Alexandre, c'est un cousin, oui, qui vit au Canada maintenant. Oui. D'accord. Mais il ne connaissait pas celui qui s'est tué en voiture?
Il s'appelait Daniel, si c'est mon cousin. D'accord. Ouais. Mais est-ce qu'Alexandre connaissait Daniel qui s'est tué en voiture? Il ne le connaissait pas, c'est bien ça. Vous avez de la famille aussi que vous ne connaissez pas, vous, hein? La famille que je ne connais pas? Oui. Peut-être, non. Enfin, si, des petits cousins que je ne vois pas. Oui, mais on me dit, ouais, vous avez de la famille que vous ne connaissez pas, on me le donne, ça. Bon, moi, pour moi, vous voulez faire ça, vous allez dans une voie qui n'est pas la vôtre. Pour moi, c'est les soins, la guérison, le magnétisme, et servez-vous de mon remède. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. D'accord. Et curieusement, monsieur, vous avez des origines allemandes, et j'avais un grand guérisseur et thaumaturge allemand. J'avais monsieur Bruno Gröning avec vous. Oui. Vous le connaissez? Eh bien, vous regarderez sur Internet. Moi, pour moi, j'ai le magnétisme et vous vous êtes dérouté de ça et on vous ramène à ça, monsieur. D'accord. Vous optez peut-être de la carte de la sécurité, la stabilité professionnelle. Oui, j'ai compris. Mais peut-être pour moi, vous devez reprendre quelque chose au niveau des soins dans une autre branche et mieux, comment on appelle ça, mieux... Plus encadré, peut-être au niveau des déclarations et tout ça. Voilà ce qu'on me dit. Mais en tant que salarié ou en tant qu'indépendant? Non, indépendant. Et travailler pieds nus ou en chaussettes? Je travaille pieds nus. On est d'accord? Non. Jamais de chaussures à non, votre pied. Là, c'est parfait. Avez-vous une question à poser? Non, vous avez répondu. Voilà. En fait, voilà, vous vous éloignez ça, mais c'est pas pour toi, ça. Reviens, voilà. On est d'accord? Très bien, je vous remercie. De rien. Ça, c'est votre cousin qui s'est tué en voiture, Daniel. Oui. Qui vous transmet le message. D'accord. Pourtant, je l'ai peu connu. Pas connu, je sais. Très peu. Mais lui, il n'avait pas eu. Il n'a pas été heureux, ce monsieur. Hein. Ah bon, je ne sais pas. Je ne l'ai pas assez connu pour. Eh bien, renseignez-vous sur sa vie et vous verrez. D'accord. Il n'était pas heureux. Très d'accord bien. Très bien. Merci beaucoup. Là, je suis avec quelqu'un qui s'est tiré un coup de fusil de chasse. Suicidé avec un coup de fusil sur le côté gauche, là. Qui a côtoyé quelqu'un qui vivait à la campagne, qui s'est tiré un coup de fusil de chasse. Voilà, à la campagne, voilà, merci. C'était qui, madame? C'est qui? Votre neveu, jeune, bon, là. Il y a longtemps, madame? 6 ans. D'accord. Vous n'avez pas compris, hein? Alors, c'est le fils de votre sœur, c'est ça, madame? Elle vit où, votre sœur, madame? À La Ciotat. À La Ciotat. Vous la voyez de temps en temps? Rarement. Vous êtes fâchée avec votre sœur, ma petite dame? Non. C'est pas les grands amours? C'est votre fille à côté? Oui. Voilà, c'est sa fille à côté. D'accord. Elle est on me dit qu'avec sa sœur, c'est pas la panacée. D'accord. Elle n'a pas fait le deuil de son fils, votre sœur, madame? Vous vous en doutiez un peu ou pas? Voilà. Elle n'a pas compris, elle a beaucoup de colère, elle n'a pas fait le deuil, elle n'a pas accepté que son fils se soit suicidé comme ça. Et pourtant, il avait prévenu. Plusieurs fois, il avait dit, si ça continue, un coup de fusil, un coup de... Mais on a... il ne le fera pas. Il le fera. On est d'accord, madame? Et il l'a fait, hein, d'accord? Pour prouver que... Parce qu'il me dit qu'il avait prévenu, qu'on ne l'a pas entendu et qu'il l'a fait quand même parce qu'il n'en pouvait plus de cette vie. Il ne trouvait pas sa place ici sur cette terre, madame. D'accord? Vos parents sont décédés, madame? Parce qu'il me dit qu'il est avec sa grand-mère, dont sous-entendu votre maman qui est la mère de votre soeur aussi. Non? Ah, vous n'êtes pas... Alors pourquoi la grand-mère? Alors il me parle. Donc c'est la mère de sa mère. Il a retrouvé sa grand-mère maternelle de l'autre côté. Vous êtes veuve, madame? Non. Non? Qui c'est qui est veuve? Ma soeur. Donc c'est sa mère qui est veuve. Mais lui, avec son père, il ne s'entendait pas avec son père? Il y avait des crises. Ça passait pas avec le père. Hein? Et pourquoi il m'amène à la campagne, ce jeune homme? Il vivait à la campagne. Il avait eu une déception sentimentale? Il en a eu, il avait divorcé. Beaucoup. Il me dit une vie, ça s'écrit en 5 lettres, vous avez compris. Hein? Quelle vie de... Voilà, et que là, il n'en pouvait plus ici. Ici, il ne voyait plus l'intérêt. D'accord? C'est elle qui était partie et qu'il avait laissé? Il avait des petits avec cette femme-là? Voilà, parce qu'elle est partie avec son fils?
Voilà. Ça, il n'a pas supporté. Hein. Il était sensible, votre neveu, madame. Hein. Il se disputait beaucoup avec sa maman. Voilà. Parce qu'il disputait avec le père. Il se disputait avec la femme qui s'est cassée avec le gamin. Il se disputait avec sa mère. C'était vraiment la Bérésina. Hein. Et il parlait beaucoup avec vous, votre neveu, madame. Oui, oui, oui. Voilà. Il vient souvent vous voir. Il venait notamment dans le monde. Oui, parce que je pense qu'il avait confiance en vous, ma petite dame, qu'il vous aimait beaucoup. En fait, il trouvait chez vous tout ce qu'il ne trouvait pas chez sa propre mère. Vous comprenez, madame? D'accord. Vous l'avez beaucoup aidé. Maintenant, c'est lui qui vous aide. Vous êtes très perturbée en ce moment, ma petite dame, vous. Vous pleurez beaucoup en ce moment? Pas mal. Oui, il me dit... Dis-lui, je m'excuse madame Madure, qu'elle arrête de pleurer, qu'elle a... Il supporte plus de vous voir pleurer comme ça. Pardon. Je suis obligée de... Je suis désolée madame. Non, il n'y a pas de quoi. Parce qu'il vous aime tellement, quand il vous voit comme ça dans cet état, il ne supporte pas. Il vous aimait, il aurait aimé que ça soyez vous, sa mère. Et vous ne l'avez jamais dit ça? Ben oui, mais c'est comme ça. Hein. C'est terrible. Donc, il a laissé une lettre. Oui. Qui c'est qui l'a récupéré la lettre? Sa maman? La police. La police. Il y a eu une enquête de justice, madame? Rapide. Hein? Ouais, ça, ils ont survolé, ils ont pas... Mais parce que la lettre est ici. Ouais, 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 ils ont survolé le truc, ils ont clôturé le dossier et puis allez hop. Il parle de son fils. Il est avec sa mère, son fils? Oui. D'accord. Il a eu qu'un fils? Qu'un fils. Voilà. Vous le voyez pas, madame, votre... Rarement. Voilà. Rarement. D'accord. Et vous, vous vivez à Marseille? D'accord. Dans un appartement avec du parquet? Parce que j'entends quand on marche, ça fait... C'est ma fille dans la même maison, mais elle... Ah, d'accord. Vous avez mis du parquet, ça couine, hein, faut mettre des tapis. Hein. Quand tu marches, discret. Qui c'est qui habite en bas et qui c'est qui habite au-dessus? C'est une maison? Oui. Vous habitez en bas? Oui. Et vous au-dessus? Et qui c'est qui est divorcé? C'est vous, madame? Non, la dame à côté. Oui, mais vous, vous êtes divorcé. Parce que j'ai une alliance qui tombe par terre, c'est pour vous. C'est votre fille, madame, hein? Qui est divorcée, vous voyez pas alors? Non. Et vous avez pas... Ah non, la dame d'autre, je te... Les deux sont divorcés? L'une est divorcée. Ah, et elle a pas refait sa vie? Non. Vous la voyez plus? Vous avez eu trois enfants, madame, vous? Oui. Deux. Pourquoi on me dit trois avec une fausse couche? Merci, madame, vous l'avez oublié vite. Hein. Oui. Eh ouais. Normalement, ça aurait été trois filles. Ah bon? Ben oui, que des pisseuses, comme on dit. C'est ce qu'on me donne, hein, madame. Hein. Ben oui. Mais vous êtes plus proche de celle-ci que de l'autre. Hein. Ah, tout à fait. Faites tout avec elle. Hein. Les courses, le docteur, le machin, tout. Vous avez des petits-enfants? Trois. Ils viennent souvent vous voir? Le fils de Pascal, les autres. Ah oui. Ah, là. Et des papiers, des papiers. Vous avez encore votre mari, madame? Vous, il parle pas, votre mari? Ben comme ça, on a la paix. Hein. Votre mari, ma petite dame, je ne vous connais pas, mais c'est un taiseux, votre mari. Tu le poses là, tu reviens 2 heures après, il est toujours là, il n'a pas parlé. Il a pas... Bien. On est tranquille. Hein. Ah, c'est sûr, il n'est pas expansif. Vous en avez beaucoup souffert de ça? Parce que vous avez pensé le changer, le transformer pendant toutes ces années? Il n'y a rien à faire. Et puis, non, et puis c'est pas à cet âge-là qu'il va changer. Hein. Il ne changera plus, là. Ouais, d'accord. Qui c'est René, madame? Voilà. Mais René, ben, il est comme ça, il ne parlera pas. Et puis c'est, tout, c'est comme ça, ma petite dame. Mais je l'aime bien, moi, le René, quand même. Il ne parle pas, mais je l'aime bien. Il est un peu bourru, hein. C'est pas un expansif, hein.
c'est vous ma petite dame, parce que je vous regarde, je me penche là parce que évidemment, bientôt je vais me coucher sur la table. Je me penche dans votre aura, c'est très joli ce que j'essaie de voir parce que c'est pas évident ici. Hein. Je vois beaucoup de fuchsia. Vous aimez tout ce qui est créatif, artistique et tout ça, vous? Oui, l'art. Mais c'est bien ce que je vous dis, tout ce qui est créatif, artistique, les belles choses, les jolies choses, la grande musique, la belle musique, tout ça, on est d'accord, hein? Voilà, on est d'accord. Vous alliez au bal quand vous étiez petit? Oui. Avec les parents derrière qui faisaient les chaperons? J'avais la grand-mère de madame. Ben oui, et puis c'est elle qui surveillait. Celui-là tu peux aller, celui-là tu vas pas. Allez hop. Il fallait demander la permission à la grand-mère pour savoir si on pouvait vous inviter. Puis vous a... dites donc, coquinette, vous aviez beaucoup de succès, vous, avec les hommes, vous, hein? Oui, je le vois. Mais moi, je vous le dis, je le vois. Énormément de succès. Il y avait pas mal d'invitations, mais il y avait pas mal de refus aussi. Hein? La grand-mère, elle est exigeante. Hein? Qui portait l'uniforme, madame, qui était gradé? Mon oncle. D'accord. Il était gradé, votre oncle? Qu'est-ce qu'il était? Il était adjudant. Oui. On donne ça. Et qui était dans la police? Ça vous donne pas? Pas d'amis de la famille, ni rien? D'accord. Madeleine ou Marguerite, c'est qui? Madeleine, c'était la grand-mère à mon mari, dont je ne sais pas. Ah ben, elle est tout le temps avec vous, hein? Ben oui, je l'ai. Ah mais elle est, elle vous couvre à vous, on dirait. C'est moi qui l'ai accompagnée. Eh ben maintenant, elle est sur vous, on dirait comme un couvercle, comme ça. Paf. Partout tu vas, hop, la Madeleine, elle est au-dessus de toi. Elle n'est pas bonne à croquer, mais elle est là, elle couvre. Elle vous couvre. C'est magnifique, hein. Je l'accompagne jusqu'au. Vous vivrez vieille, ma petite dame. Vos deux bras, vos deux jambes, vous ne sucrerez pas les fraises, comme on dit chez nous. Parce que vous avez très très peur de perdre la tête. Vous la perdrez pas, vous ne ferez pas comme Henri IV. Vous la garderez jusqu'au bout. D'accord? On me le donne. Mais qui c'est Georges? Mais j'aime bien rigoler, c'est pour rien. Georges, c'est qui Georges? Avec une voix comme ça. Georges. C'est un cousin à mon mari. D'accord. Il protège votre mari. D'accord? On me donne ça. Bon, ben lui, il parle pas, le mari. Ben... Rien à dire, rien. Il croit pas à tout ça et tout, votre mari. Moi, je serais un gourou, puis vous, une cinglée. On va bien ensemble, c'est pas grave. On est d'accord, hein? Mais quand il va arriver de l'autre côté, il va en avoir de la surprise. Comme beaucoup. Ah, il y aura de sacrées surprises. Hein? Je sais pas s'il tombera de haut, mais il aura des surprises, ma petite dame. Hein? Avez-vous une question à poser? Votre fille, elle n'a pas refait sa vie. Vous n'avez pas refait votre vie, vous? Pourquoi j'avais de la vie? On dirait non. Que je l'ai dégoûté. Ben non, vous ne resterez pas seule, vous. Hein? Eh ben, tu verras. Tu me payes un grand paquet de café, d'accord? Voilà, on va voir. Tu verras. Il y a quelqu'un qui arrive, je veux pas. La dernière fois qu'il y avait une dame qui était venue me voir, elle me dit je veux pas, je rentre dans un restaurant, qui je me vois pas, la dame avait le monsieur en face. J'ai dit, et je tape à l'épaule comme ça, je dis, je croyais que vous vouliez pas, vous. Non, c'est excellent ça, ça, toute ma vie je m'en parlerai. Chut, tais-toi, j'ai dit, bon dîner à tous les deux, je veux pas, d'accord, on verra. La question, parce que c'est moi. Ah, tu vois, moi j'adore ta mère, hein. Elle a raison. Non, moi je vous adore aussi. Ah, ben alors c'est réciproque. Elle a raison, ta mère. Ta maman, elle veut pas quitter cette terre sans savoir que sa fille elle est bien, elle est heureuse avec quelqu'un. Tu le comprends ça ou pas? Elle t'en parle pas souvent de ça? Non, mais moi je te le dis. J'ai dit tout ce qu'elle pense tout bas dans sa tête. Et c'est comme ça. Vous inquiétez pas, ma petite dame. Je pense que vous le connaîtrez. Pas mieux. Eh, au début, il faudra parler un petit peu avec, un peu titiller pour voir un peu. D'accord? Ben, c'est normal, hein. Non, mais elle, vous inquiétez pas, votre fille, elle finira pas toute seule, vieille fille, dans un couvent, ni rien et tout, vous inquiétez pas. Dans un couvent, non. Elle aime trop la vie pour ça, elle. Tout à fait, mais au moins, il y en a quelques.
elle aura quelqu'un. J'ai pas dit un mari, mais elle aura quelqu'un. Voilà. Ah bah après c'est à vous de savoir hein, si vous voulez ou pas. Déjà on commence par le commencement. Allez, de rien. C'est dommage par rapport à votre soeur que vous ne pouvez pas vraiment l'aider parce qu'elle n'écoute pas, elle ne croit pas. Non, elle n'a rien compris par rapport à son fils. Et ça, c'est vraiment dommage. Ah oui, mais elle n'a pas compris. Hein. Elle a la colère, les trucs. Et ils se sont tués. L'autre, il s'est tué comment? La nièce, ouais. Et le frère, il s'est tué à un coup de fusil. Mais j'ai entendu le coup, là. Allez. Ça, c'est des erreurs. Pas les messages. Allez. Je suis par ce côté, je suis avec quelqu'un qui a une boutique. Un commerce, une boutique. Qui a des hauts, des bas et tout. C'est très difficile. C'est une femme qui tient une boutique. Est-ce qu'il y a une femme qui travaille dans le commerce, là? Qui a travaillé dans le commerce, qui tient une boutique? C'est pas du prêt-à-porter, je sais pas, c'est des trucs à emporter, mais c'est pas... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu qui a côtoyé une femme qui tenait une boutique de fleurs, fleuriste, ou des fleurs et tout, c'est joli ça. J'entends rien, madame, avec votre masque. Non, mais attendez, elle va... Enlevez votre masque, je comprends rien. J'ai une amie qui était fleuriste. Merci, voilà. Parce que tout d'un coup, j'avais une boutique, j'entendais « Bonjour madame, par ici. » Et là, il y avait les fleurs en plus. Pardon ? Voilà. Et elle dirigeait cette boutique de fleurs et tout ça ? Elle travaillait, mais elle était vendeuse ? D'accord. Elle a fait ça pendant longtemps ? Je ne saurais pas. Vous ne savez pas. Vous vous intéressez beaucoup à tout ce qui est ésotérique, l'astrologie, la numérologie, les cartes. Je m'intéresse, oui, mais... Vous pratiquez pas. Voilà, je n'aime pas. Mais vous lisez beaucoup des livres sur tout ça. Vous avez déjà consulté une astrologue? Il faudra y aller. Pourtant, je ne suis pas astrologue, moi. Mais il faudra y aller, c'est important. Il y a des choses que vous arriverez. Une astrologue karmique, ça serait très très bien. D'accord? Vous êtes seule, madame, vous? Voilà, c'est pour ça. C'est comme dit, vous allez voir une astrologue. On me dit de vous le dire. Cette amie, la fleuriste, vous la voyez encore ou pas? Oui, je la vois. C'est-à-dire, oui, tous les soirs, nous avons compris sur le chien. Vous allez promener le chien? Oui, autour du café de Bordeaux. Ou c'est le chien qui vous promène? Mais souvent, on dit, je sors le chien, c'est le chien qui te sort, oui. Je pense que dans une autre vie, vous avez été deux sœurs avec cette dame-là. Parce que vous avez un lien quand même assez fort. Elle s'inquiète, votre amie, la fleuriste, pour son futur et tout ça, comme ça. Elle ne le laisse pas parler. Mais elle s'inquiète quand même, elle n'est pas tranquille. C'est ce que j'ai ressenti. Oui. Madame, qui est décédé autour de vous qui a été incinéré? Parce que tout d'un coup, je vois une fumée, mais c'est quelqu'un qui a été brûlé, qui a été incinéré. Incinéré, il y en a. Il y a eu mon filleur qui a été incinéré. Il n'y a pas longtemps? Non, il y a longtemps. Il y a combien d'années, madame? D'accord. Est-ce que les cendres ont été jetées dans la mer? Je pense pas. Alors, j'avais quelqu'un qui a été incinéré et les cendres ont été jetées à la mer. Oui, alors là, je connais quelqu'un que ces cendres ont été jetées à la mer. D'accord. Et une personne âgée. C'était qui cette personne? Et c'était en 2002. Et c'était qui pour vous cette personne? C'était un mon compagnon qui est décédé ici. D'accord. Vous avez eu des soucis de santé, ma petite dame? Voilà. Ça y est, le plus gros, vous l'avez traversé, là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, parce que je me trouve en principe, oui. Moi, pour moi, à la grâce de Dieu, je du bois pour vous. Le plus gros qui a passé, comme on dit. Oui. D'accord? Et c'est l'impression. Vous revenez de loin, c'est de l'or dans ma petite dame, je ne vous connais pas, je vous regarde, c'est un miracle pour vous. Vous êtes pour moi une miraculée. Je sais. Mais moi, je vous le dis, je ne vous connais pas, je vous le dis. D'accord? On me donne ça. Mais toujours malade, jamais mourir, vous, hein? J'adore dire ça, moi. Très croyante. Vous avez été religieuse dans une autre vie.
Mais vous avez eu deux vies de religieuse, pas qu'une seule. Vous saviez ça? Oui. Pauvre dans la... Ouais, pauvre, alors, mais alors, tout, la chasteté, la pauvreté, puis pas de quoi manger, puis tout. Mais en plus, abstinence de beaucoup de choses. Vous avez un rapport avec les Clarisses, Sainte-Claire. Les Clarisses, elles sont reliées à Saint-François d'Assise, madame. Le patron des animaux. Donc, vous aimez les animaux? Vous en avez pas? Voilà. Oui, je sais que vous les aimez. Vous avez eu un chat autrefois, vous? Non. C'est qui avait un chat? Ma grand-mère avait... Mais elle avait des chats. Voilà, que vous alliez voir qu'elle avait des chats, c'est ça. Voilà, il y avait une ambiance quand même avec ces chats et tout, c'était quand même quelque chose. Vous avez deux origines, madame, vous? Oui, exactement. Parce qu'on me dit deux. C'est ça. Et ça, quelle origine vous avez? Française. Voilà, deux. Qui c'est qui était maçon? Maçon. Et qui montait des murs? Mon grand-père et mon oncle. Qui était maçon, ils travaillaient ensemble? Et pourquoi, ma petite dame, le nord de l'Italie, la région des Pouilles, et puis le sud de l'Italie, vers la Calabre, la Calabre? Non, pas la Calabre, mais le sud, oui, de l'Italie, mais pas le... Ah oui, le nord aussi. Oui, le nord aussi. Du côté de ma mère, mais c'est peut-être chez les Lorraines. Oui, il y en avait. Je suis allée dessus, il y a très longtemps. Et c'est vrai que... Vous priez Sainte Rita, madame, vous? Sainte Rita, j'ai prié Sainte Rita. Pourquoi vous ne le faites plus? J'ai demandé à ce que Sainte Rita pour moi. Oui, mais essayez de le faire, s'il vous plaît. Mais je suis allée encore cette année, je suis allée cette année pour le reste de l'hier. Voilà, mais vous, il faut prier Saint-Crétin, mais vous devez dire, hein. D'accord? Il va le faire. Vous avez deux ou trois bons médecins, vous? Exactement. Ils sont bien, j'ai rien à dire. Oui, madame? Oui, je sais, vous avez trois bons médecins, tout va bien, vous inquiétez pas. Et c'est drôle, madame, pourquoi on me montre plein de paires de chaussures avec vous? Vous aimez les chaussures? Mon ami, quand je vous parle, elle adore les chaussures. La fleuriste? Parce que j'arrête pas de voir des paires de chaussures comme ça rangées. On dirait la chaussaria. D'accord. Mais je pense que c'est une bonne amie. C'est quelqu'un. Elle repense beaucoup à la période quand elle travaillait dans sa boutique où elle vendait ses fleurs. Elle aimait beaucoup son travail, cette femme-là. Apparemment, elle passait une boîte puisque. Mais je ne sais pas, j'ai. Oui, c'est. Non. Mais elle est perturbée. Essayez de l'aider ou priez pour elle. Avez-vous une question pour vous, madame? Oui, par rapport à mon avenir, Je vous ai dit, il faudrait voir une astrologue et tout ça. Vous continuez quoi? À faire quoi? Non. Dites donc, vous aimez les hommes plus jeunes que vous? Plus vieux? Non, pas plus vieux, mais pas plus jeune. Un petit vieux, je vois pas, moi. Un gars qui a à peu près même âge, ou un peu plus jeune que... J'ai pas dit cougar, hein. Non, mais... J'ai pas dit 25 ans d'écart, hein. Plus jeune, non. Ah, il sera peut-être un peu plus... S'il a un an ou deux de moins, vous n'allez pas faire la difficile, non? Attends, Mais il faut sortir aussi pour ça, aussi, hein. Oui, c'est vrai, mais... Non. Sortez pas assez dans les endroits où il faut pour rencontrer quelqu'un, vous, hein. Et vous aimez bien les grands, vous, hein. Oui, parce que moi, je vois quelqu'un plutôt de mince et de grand. Il est un peu grand. Oui, mais je vois quelqu'un de mince, quelqu'un de grand. Et plus jeune. Et un peu plus jeune. Pas 25 ans d'écart. Bon, ben, c'est comme ça, hein. Voilà. Mais pas un mari. Il y aura un compagnon, mais c'est pas un mari. Mais il faut sortir, il faut que vous ayez une vie sociale, madame, d'accord? Là, vous avez traversé, comme on dit, un tunnel. Ah oui, mais vraiment, vraiment, c'était pas de la... Oui, tout ce que vous avez eu, tout ça. Mais maintenant, ça y est, c'est fini, là. Le noir, il laisse place un peu... Ça fait gris, et après, ça va vers le blanc, d'accord? Voilà. Vous allez avoir de nouvelles choses. Et je vois plein de livres ésotériques avec vous, madame.
Ben, des livres sur, ça peut être, je sais pas moi, sur les anges, sur, sur la mort, sur tout ce qui est ésotérique. Hein. Il y a une évolution spirituelle. Madame, vous avez frôlé la mort déjà, pour moi, c'est une sacrée évolution. Ah oui. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Bon, c'était pas significatif, puisque je suis médicale et quand on vous dit que vous prenez l'argent, ça fait quoi? Ben, passer à côté de la mort. Oui, mais médicalement. Oui, mais. Santé. Oui, ça, j'ai compris. Ah bon? Mais, mais je veux vous dire, si vous pouvez me donner une précision. Parce qu'en fait, justement, je suis un petit peu là-dedans. Il y a des choses que vous. Il y a des choses qui ne sont pas reconnues. Ma petite dame, il y a des choses que vous ne devez pas savoir. Ah, voilà. Et ça, c'est les guides qui nous le disent. Parce que vous êtes tellement sensible, tellement fragile, tellement... Il y a des choses, comme on dit, va où tu veux, mort, il y a des choses que vous ne devez pas savoir. Laissez-vous guider et porter. Ayez confiance. Voilà. Embrassez votre copine, la fleuriste. J'aime bien. Allez. Je suis avec une maman qui a perdu un enfant, c'est qui là? C'est vous? Ah, vous deux, maman qui a perdu un enfant. Petit? Quel âge? 5 mois de grossesse. Et vous? 7 mois de grossesse. Dans le ventre, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, c'est peut-être les deux. Hein. Attends, on va voir. On va voir. Il y a longtemps? Oui. Il y a combien d'années? 95. Et vous? Moi, c'est il y a 4 ans. Non, c'est plus vous. Alors, parce qu'on me dit c'est il y a longtemps. Vous avez d'autres enfants, madame? Oui, j'ai des jumeaux. D'accord. Un garçon, une fille ou... Oui. Des faux jumeaux, vous avez? C'est des faux jumeaux. Ils ne sont pas de la même poche, hein? C'est ça. On est d'accord? Oui. Voilà. Cette grossesse, c'était une petite fille, un petit garçon, vous ne savez pas? Oui, la première, c'est une petite fille. Une petite fille, hein? Voilà. Deuxième, c'est... Elle aurait quel âge aujourd'hui? Elle aurait... Ouais. 95, elle aurait 25, 26. Ça vous a beaucoup marqué, ça. Et c'est après que vous avez eu vos faux jumeaux, là? Non, longtemps. Oui, mais c'est après, pas avant. D'accord. Vous vouliez plus d'enfants après ou pas? Si, si. Ah bon. Vous êtes contente avec vos deux enfants? Oui. Ils sont gentils avec vous et tout ça? Oui, ils sont gentils. C'est un peu casse-cou, mais ils sont gentils. Qui c'est qui fait des études? Oui. Qu'apprends? Dans mon entourage? Non, dans vos enfants. Non, mais ils ont 11 ans. Oui, mais les études, qui c'est qui veut faire des études? Qui veut... Qu'est-ce qu'ils veulent faire, vos enfants? Je veux faire pompier. Voilà. Sacha, bon. Sacha, lui, c'est... Il veut faire quoi, lui, Sacha? Oui, il veut faire un petit paysage, la nature. Non, il y en a un qui va... Il y en a un qui va faire des études, je ne sais pas lequel des deux. La fille, non, plutôt? Oui. Voilà. Il faudra la pousser, hein, d'accord? D'accord. Il faudra payer en clair, la maman. Oui. Ben oui, hein. Qui c'est qui boit tout le temps du sirop, comme ça? C'est mon mari. Qu'est-ce qu'il a à boire? Je veux pas boire de l'eau comme tout le monde, hein? Qu'est-ce que c'est du sirop au citron, du sirop à la main? Il pique le sirop des gamins, non? On a tous les sirops pour la... Mais je sais. C'est le cas de le dire, ça sirope pas mal chez vous, hein? Est-ce que je voyais du sirop de ça? Et c'est... J'entends, laisse-le, c'est pour les enfants. Ou pour les gens qui viennent. C'est vous qui lui dites ça ou pas? Ah, drôle. Et qui c'est qui mangeait des carambars? Oui, c'est Sacha. Ils adorent ça. Vous leur achetez des sacs de bonbons comme ça? Ouais, pas trop les bonbons. Oui, mais... Non, mais arrête avec les bonbons. Planquez les bonbons, mets-les dans le placard, d'accord? Vous allez à la neige, vous, tout d'un coup, je vois blub couvert. Oui, vous y allez? Non. Vous voulez y aller avec vos enfants? Moi, j'ai mangé, oui. Ah ben, je vois la neige, avec les, la doudoune et tout le truc et tout. Vous vous rappellerez de ça? D'ici, pas cet hiver. Ça peut être d'ici 2 ans, vous irez à la neige avec vos enfants. Hein. Vous aurez votre fille et votre fille avec... Votre mari, il n'aime pas la neige, lui? Oui, parce qu'il ne viendra pas avec vous. Non. Vous irez peut-être avec des amis ou quoi, mais vous irez. Il sirotera pendant ce temps-là. Voilà. Fermez les bouteilles de sirop.
on me donne ça. Pourquoi là où le guide il me dit balaye ton passé, balaye ton passé? Par trois fois il dit balaye le passé, balaye le passé. Ouais, trop. Vous n'avez pas fait un travail sur vous, il faut aller voir quelqu'un. Hein. Il faut le faire. C'est très important. Mais le problème, non mais oui, mais le problème c'est que vous ne coupez pas et du coup vous, votre vie, vous vous oubliez. Ce n'est pas votre vie. Vous êtes en même temps contente et toujours triste. Oh là, quelle horreur. La tristesse, bonjour, hein. Faut la secouer, hein. Ouais. Bien comme... Ouais, mais crevette, tu peux quand même la secouer, hein. On donne ça. Votre fille, elle est bien de l'autre côté, c'était son heure. D'ailleurs, vous n'êtes pas rencontrés par hasard, toutes les deux, vous. Hein. On a travaillé ensemble. Mais c'est pas par hasard. C'est vos enfants qu'on fait, en quelque sorte, pour vous unir. C'est les morts qu'on fait, que vous vous êtes rencontrés. C'est papa. Parce que vous avez vécu la même chose, et qu'on prend toujours pas celle-ci. Hein? Toujours. T'es resté coincé dans ton passé, quoi. T'es toujours le passé. Le passé, tu me le mets devant avec une brouette. On peut pas avancer comme ça, c'est pas possible. Après, je pense que t'as aussi à la grand-mère. Ah non, mais arrête avec ton passé, toi. Regarde devant et arrête de regarder dans les rétroviseurs. Regarde devant la route et avance. Un prénom avec un G, un prénom avec un I et un prénom avec un P. G, c'est mon nom de famille. D'accord, ouais. I, comme Isabelle, Irène. Ça te donne rien? Et P, Philippe, Paul, Pierre. Paul. C'est qui Paul? Il y a mon père et mon frère. Voilà. Il est décédé, ton papa? Non. Non. Et ton frère, non, il est vivant, ils sont vivants tous les deux. Mais il y en a un avec qui c'est mort ou je sais pas, mais... Oui, c'est ça, c'est mon frère. Voilà, c'est mort avec lui, là, ouais. On dirait, tu fais le deuil, il est mort, mais pour moi, je ne veux plus le voir. Oui, c'est comme s'il était mort, c'est pour ça, toi. C'est ça. Faut comprendre, hein. C'est ça, ouais. T'es rancunière. Moi, non. Un peu. Non. Faut pas faire ça, c'est pas beau, hein. Non, je suis pas. Il est pas gentil avec... Il était pas gentil avec toi, Paul? Si, c'est ça. Eh ben oui, mais le pauvre, du coup, il est... Qui c'est qui boit? Il n'y a pas de l'eau. Hein. Mais c'était pas du nom, sirop. C'était mon nom. Tout d'un coup, j'ai quelqu'un, il arrive comme ça avec la bouteille. C'était du vin qu'il buvait, lui. Ah oui. Puis alors, du vin, 13 degrés ou machin, viens, un verre, t'es collé par terre, quoi. Oui, non, mais le vin. Rouge, le vin aussi. Dans les bouteilles en verre avec les petites étoiles dessus. Ah, ben si, mais lui, il y allait, hein, je te le dis, moi. Il te protège, cet homme. Une très, très belle protection de cet homme, hein. D'accord. Mais il faut que tu fasses, il faut que tu ailles voir soit une kinésiologue, faire un travail sur toi, pour travailler sur le deuil, travailler sur par rapport à... Oh, ben, t'as rien fait, alors, hein. Non. Allez, on me cherche quelqu'un d'autre, on y va là. Non, il faut y aller. Faut y aller. Parce que pour moi, tu es coincé, tu vois. C'est comme si tu avances, mais tu as les deux bras attachés derrière comme ça. Je peux pas avancer comme ça. Ouais. Tu demandes qu'à évoluer spirituellement, mais tu peux pas évoluer parce que tu attaches. Tu comprends? C'est toi qui es d'origine italienne? Oui. D'accord. Qui c'est qui gueulait comme ça, ton père? Ah oui. Il faisait peur? Oui. Mon père, mon grand-père. Il frappait? Oui. Qui c'est Giugiu, Giuseppe? Je crois que c'est le père. Lui aussi, il rigolait pas. Hein. Ouais. Il avait les yeux bleus, devenaient ou noirs ou quelque chose comme ça. Il rigolait pas, le gars. Il avait un regard terrible. Il te traversait comme ça avec les yeux. Il fallait marcher droit avec lui. Hein. Mais je l'ai pas vu. Ah ouais, ben pose la question. T'as encore ta maman? Tu la vois souvent ta maman? Oui. Qui est tes couturières aussi? Ma mère. Voilà, c'est bien. Ma mère, ma grand-mère. Donc tu vois, ça vient de cette famille-là. Alors, et qui travaillait? Oh, c'est joli ça. Qui travaillait le bois? Un petit, tu sais, qui faisait des meubles. Et il me fait ouvrir une trousse et prendre des petits outils comme ça, tu sais, pour sculpter dans le bois et tout. C'est joli ça. C'est mon grand-père, il travaillait à Marseille, à la mairie. Il faisait les bateaux. Mais il sculptait pas ou quoi? Il travaillait pas le bois? Je sais pas. Tu te renseigneras.
Et je termine avec toi, j'ai quelqu'un qui se jette dans l'eau et qui meurt noyé, c'est qui? Hein? Hein? Un homme. Un homme? Qui s'est suicidé, qui s'est jeté dans l'eau. Oui, jeté dans l'eau. Tu regarderas, c'est autour de toi, c'est quelqu'un que tu as côtoyé. Hein? D'accord? Arrête d'avoir peur. Stop! Aujourd'hui, là, Chantal, elle m'a dit qu'il fallait que j'arrête d'avoir peur. Tu ne dois avoir peur ni de rien, ni de personne. Est-ce que c'est bien clair ce qu'on te dit là-haut? Stop, on te dit là-haut. T'as une question à poser? Ta fille, elle est bien. Hein? Oui, c'est toi qui va pas bien. Ton fils, Sacha, c'est une vieille âme. Il n'a pas la langue dans la poche. Et tu vas pas. Tu vas attraper mais des barres de rire avec lui. Il compte pour 10, ton fils. Quand il est dans une pièce, on peut pas l'oublier. Non, il prend le mot au poche de tout, en fait. J'ai arrêté de parler. Ouais, en plus, c'est dyspraxique. Oui, mais t'inquiète pas pour tes enfants, ni pour ta fille, ils iront loin. Occupe-toi de toi et arrête d'avoir peur. D'accord. Toujours d'être craintive comme ça et tout ça. C'est pas bon, ça. On peut pas vivre comme ça. Donc tu me retournes voir une bonne kinésiologue à Marseille, il va y en avoir. Hein. Oui, cherche. Vite, vite. Vous en connaissez une, vous? À côté de Cabane. Tu lui donneras l'adresse. Elle est très très bien. Si elle est très très bien, tu lui donneras l'adresse. Tu lui as pas dit combien de séances elle doit faire, chouchou? Tu dois faire au moins minimum 5 séances. Moi, je donne. Non, c'est pas assez. Entre 5 à 10, 5 séances, on commence, et si ça va pas, tu me recontinues 5 séances de plus. Mais je veux plus te revoir comme ça, c'est clair? Merci. Allez, tu avais une question à poser? Je veux savoir si il y avait ma grand-mère encore autour de moi. Oui, c'est plus. Je passe de temps en temps, je sens qu'on me caresse, mais je sais pas qui. Ta grand-mère, il y a un grand-père aussi, et puis il y a ta fille aussi qui vient souvent te voir. Heureusement qu'elle te protège. Hein. Le petit garçon? Non. Il n'y a pas de petit garçon, elle n'avance pas. Hein. Donc ta fille, qui serait une jeune fille aujourd'hui, qui serait très belle. Elle est l'âge de ma nièce. Ouais, c'est comme ça. Donc toutes les deux, vous êtes ensemble, c'est pas pour rien. Oui. D'accord? Vous devez vous entraider toutes les deux. Allez, avancez, arrêtez de vivre dans le passé. Le passé, c'est ce qui fait l'avenir. C'est dur, mais c'est comme ça. Hein. Voilà, je vous laisse. Merci. De rien. Merci, non, non, je peux continuer. Oui, mais je peux continuer. Attends, j'attendais que tu reprennes le micro. On va pas aller bien loin, là, côté en bleu. Hop, hop, là. Ouais, oui, toi. Vous avez une déception sentimentale, vous? Oui. Voilà. Pardon, hein, mais... Et ça marque comme si c'était hier. Ça fait longtemps que vous avez eu cette déception? Combien de temps? Un an. Voilà. Oui. Et depuis, vous êtes bloqué un peu comme ça? Plus cher. Il y a quelqu'un qui arrive là. Hein? Et comment on fait si t'es bloqué? Tu m'expliques? Et lui qui arrive, il va payer les pots cassés de l'autre? C'est pas possible ça. Oui, mais t'es déçu quand même. Et j'ai quelqu'un qui arrive et j'aurai un choix à faire. Hein? Parce que t'es jamais tranquille. T'es toujours, c'est drôle, là, tu vois, quand tu es là comme ça, seul, tu es bien, tu es toi-même. Dès que tu es avec cette personne, tu es quelqu'un d'autre. On ne te reconnaît plus. Ouf, là, c'est du... Tu as fait des études? Tu as passé plusieurs diplômes, toi? Et tu veux faire un master ou quelque chose comme ça? Je suis ingénieure en projet. Oui, parce que c'est une tronche, hein, la fille. Hein. J'avais compris, hein, merci. Hein. Et quoi, tu veux faire quoi? T'as fait un master ou quelque chose comme ça ou... Oui. Master 1 ou master 2? Deux master 2. Voilà. On dit master 1, master 2, je crois, mais en fait, voilà, on me le donne. C'est beau parce que t'es parti de rêve. C'était dur, hein? Je sais. Bravo, hein, parce que c'était dur. Hein. T'as bien bossé, hein? Tu peux être fier de toi. Ouais. En amour, c'est pas. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis perdue. Ouais. C'est lui qui est parti, c'est lui qui est revenu? Je l'ai fait partir, il est revenu. Ouais.
Mais tu l'as fait partir aussi parce que... Ben, ben, on est d'accord, hein. Et toi, tu voudrais te marier, avoir des enfants et tout, c'est ça, hein. Tu veux créer ta famille, toi. J'ai compris. T'en veux deux? Deux, c'est bien. Deux, c'est bien. Trois, c'est famille nombreuse. Deux, moi, je pense que ça... Mais alors, est-ce que c'est... Pourquoi j'ai... Il est brun, ton compagnon, c'est ça, hein. Il est barbu, un peu, c'est ça, hein. Et il a changé depuis qu'il est revenu ou pas? Oui, il fait des efforts. Et tu trouves qu'il fait vraiment des efforts? Hein? Mais pas assez pour elle peut-être. Ouais, je sais pas. Pas assez pour toi, on me donne. Parce que tu restes sur le choc de la déception. Tu vois? Parce que j'entends, elle est déçue. C'est comme si, tu vois, ton petit cœur, il est brisé en deux. Waouh! Alors si on le recolle, il y a toujours la cicatrice, là, tu comprends ce que je veux dire? Et ça, ça me fait peur. Pas pour maintenant, pour plus tard, mais ça me fait peur. Et tu le sais en plus ce que je te dis. Hein. En fait, tu es un peu comme dans les téléspectatives, c'est ça qu'on peut dire? Et tu attends pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer. Mais tu attends, mais tu as toujours peur que ça recommence, que tu es à l'affût du truc. Qu'est-ce qui va se passer là? Ça va me tomber sur le coin de la gueule, ça va me... Vrai ou faux? C'est vrai. Voilà. Donc t'es pas tranquille. Tu dors pas tranquille, tu te lèves, t'es pas tranquille, tu vas bosser, t'es pas tranquille et tout. On est d'accord? En fait, t'es jamais tranquille. Alors, il y avait le brun, le barbu, ok? Et le châtain blond, c'est qui? C'est mon ex. Celui-là aussi? Oh, non, il suit les plates. Et alors celui-là, alors qu'est-ce qu'il y a eu celui-là avec celui-là aussi? Je sais 4 ans au défi. Et pareil, il voulait pas s'engager, il voulait ouais, pas... Lui, il faisait un peu des complexes d'infériorité vis-à-vis de toi, non? Parce que, hey, c'est difficile de vivre avec un ingénieur. Si lui, il avait un petit boulot de... Hey, le mec, il a même un maintenant. Ouais. Mais je sais qu'il avait... Oui, mais lui, le fait que tu aies des diplômes, que tu aies machin, il est un peu largué, un peu. Il n'a pas aimé trop ça. C'est vrai. Mais oui, hein. Je te jure que c'est vrai. Et comment on fait alors? Ouh là là, on s'en sort plus, hein. Et tu vis là avec ton brun barbu? Et tu disputes des fois encore avec... Ouais, parce que je te vois toujours en train de te disputer avec lui. Comment on fait? Elle est en train de passer un message subliminal en fait. Ouais, je mets des gants, des pinces, des pincettes. Ah mais je t'ai pas dit, c'est pas moi, hein. Je fais pas agence matrimoniale moi. Je te dis que le problème c'est que tu es avec lui et que tu sais, le soir quand tu vas le retrouver, tu te demandes qu'est-ce qui va m'arriver ce soir encore, qu'est-ce que... Chaque jour, chaque... t'as la boule dans le ventre. Comme ça, hein. Ah non, c'est pas possible ça. En clair, ce qu'elle dit, ma mère, c'est que vous n'allez pas rester avec lui, en fait. Elle essaye de vous le dire gentiment. Mais... j'essaie de lui faire comprendre, mais... Mais si t'es sincère, tu le sens au fond de toi. C'est pas vrai ce que je te dis? Va chercher au plus profond de ton être, au plus profond de ton corps. Tu le ressens. C'est pas vrai? Parce que normalement, quand on est deux, on rigole, on est heureux. Et là, je te vois en train de pleurer. Alors là, ça va pas. Là, ça craint, là. Fais des cauchemars la nuit? T'as des maux de tête aussi? Et ici, il a une barre, là, ici et ici. C'est pas le genou, hein, la tête, c'est ici. Là et là. On est d'accord? Ouais. Et dans sa famille de ton chéri, là, alors, comment ça va avec eux? Ben voilà. Elle a la réponse. Oui, surtout que tu es une fille belle, jeune, intelligente. Tu as des qualités quand même. Hein. Tu es loin d'être bête et tout, franchement. Et là, j'ai envie de te dire, tu mets les pieds où là? Oh. Mais dis-lui ce que c'est les maux de tête et les cauchemars. Hein. Moi, je pense que tu as eu des attaques avec des forces occultes aussi. Il y a des gens qui te veulent du mal aussi. Tu es très jalousée. Alors, parce que tu es quelqu'un de bien, tu es gentil et tout ça. Et ton copain, là, il est quelle origine? Il est français?
Et tu t'entends bien avec la belle-mère et tout? Je m'entends bien, mais en fait, on n'a pas trop de contact. Hein? On n'a pas de contact, après quand je la vois, oui. Bon, en fait, ce que je vais te dire aujourd'hui, voilà, on va pas tourner autour du monde en disant, mais parce que ça me fait de la peine pour... Je te dis pas rentre ce soir, quitte-le, c'est pas ça que je te dis. Je te dis, tu vas où, là? Oh, on va où, là? Bon, t'as des décisions à prendre. En clair, tu lui dis que sa belle famille, ils font des trucs et qu'il faut qu'elle aille voir un exorciste. Non, c'est pas sa belle famille, non. C'est pas sa belle famille, c'est elle et puis c'est... Combien de temps t'es resté avec lui en tout? Là, ça fait 2 ans. Là. Si en 2 ans, t'as rien construit avec, c'est que c'est pas bon. Parce que ça, pour moi, c'est dès le départ. Surtout quand t'es seul et que le gars, il est seul, vous n'êtes pas mariés tous les deux, t'as pas 3 enfants, il n'a pas 2 enfants, il n'a pas été marié, divorcé. C'est dès le départ, si dès le départ ça bloque comme ça, c'est que ça va pas. D'accord? Demande à ton ange gardien de t'aider, d'accord? Demande à aussi, il y a un grand-père qui t'aide de beaucoup, tu vois qui c'est? Tu sais qui c'est? Mais tu sais qui c'est? Oulala, là là, il s'énerve là-haut. Oulala, là là, attention. Et les fins, ils sont là. Attention à ce que tu dis. Tu sais très bien qui c'est. Et lui, il me fait... Voilà ce qu'il me fait. Est-ce que je voulais te poser une question ou pas? Ouais. Quand j'étais petite, j'ai l'impression que j'avais un peu des dents comme vous. Mais tu en as... Mais c'est lui. Dans ma tête, ou c'est... Non, c'est pas dans ta tête. Jusqu'à l'âge de 7 ans, on peut voir, on peut les entendre. Hein. Ton grand-père, il est toujours proche de toi et vieil. C'est le père de ta mère, c'est ça? Hein? Le père de ton père? Et t'étais sa chouchoute pour lui. Je l'ai jamais connu. Mais lui te connaît bien. Et il veille au grain. Heureusement qu'il est là. Et bien sûr, tu as ta famille là à côté. Oui, ben j'ai tant que ma mère. Merci. C'est le renfort. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Oui, moi je suis. Je pense que oui, ils ne sont pas faits pour être ensemble. Mais voilà. Il y a quelqu'un qui prend la décision. Non, quand elle voudra, moi c'est pas moi, hein, mais. En fait, si c'est pour être avec quelqu'un, être pas heureux, c'est pas la peine. Si c'est tous les jours la boule dans le ventre quand tu le vois, quand tu te couches, quand tu vas bah, comme ça, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Si tu fais une rupture et il te remet, ou la personne y change, ou tu changes, ou on repart, dard-dard tous les deux, on a crevé l'abcès mais on redémarre bon pour bon oeil, ou alors c'est que c'est pas bon. D'accord? Et ça c'est ton grand-père qui me le dit. Et de là-haut, on en a ras-le-bol de te voir pleurer, pas bien, angoissée, la boule dans le cœur, la boule au ventre, la boule partout. T'as ta réponse? Non, c'est le grand-père qui vient. C'est le père de ton père. Il était quelle origine, lui? Italien. Voilà. Et lui, il était... Oula! Fallait marcher droit. On est d'accord? Oui. Voilà. Fallait marcher droit, ce monsieur, avec lui. Et toi, tu veux te marier, tu veux la robe blanche, mais juste... Hein? Tu veux le mariage, tu veux la robe blanche, tu veux tout. Ah, 2, j'ai dit. 2, mais c'est toi qui choisiras l'homme. C'est toi qui choisiras. Je peux pas te dire mieux. Mais ton grand-père, depuis tout à l'heure, il m'a dit, prends-la, la petite, là, parce qu'elle est dans un état lamentable. D'accord? Tu angoisses toute ta famille, tout le monde ne te le dise pas, mais moi, je te le dis. Hein. C'est pas vrai? Merci. Allez. De rien. Belle, jeune, s'emmerder la vie comme ça, c'est pas possible. Hein. Allez. Mais vous lui dites, c'est qui la mère, là? Elle est où, la mère? Mais la mère, faut... Oh. Ben oui, je dis les choses, mais bon... Oui, mais je te signale que c'est toujours toi qui dis que c'est leur vie, c'est pas le... Mais oui, mais d'accord, mais oui, mais quand même, la mère, il faut que... Non, j'ai pas dit qu'elle quitte, j'ai dit qu'elle voit, parce que là, elle s'est remise avec, ça va pas. Je sais. Ça va pas. Après, il est attachant. Il est très attachant. Attachant. C'est vrai qu'il est attachant, mais voilà, Il n'est pas méchant, mais peut-être que madame, il peut être très bien pour quelqu'un d'autre et elle peut être pour quelqu'un. C'est pas forcément.
C'est... Ouais, ils ne sont pas faits pour être ensemble. Voilà. Ta mère, elle vient de le dire. Voilà. Tu vois, aujourd'hui, je la fais parler et toi, tu ne sais pas la parler avec ta mère. Et c'est ton grand-père qui n'est pas content. Voilà, à la grâce de Dieu. Allez, on continue. Arrête de pleurer comme ça. Hein. Voilà, les deux pleureuses, là. Hein? On ne les met pas à côté. Hein. On va se noyer. Ben oui. Oh, alors là, ça change un peu. Là, j'étais par le fond, je suis avec un monsieur, il est debout comme ça. Il a un boucher, un métier de bouche. Qui a côtoyé quelqu'un qui était un boucher, boucherie. Une petite boucherie, pas une grosse boucherie. Hein. Il était par là-bas. Ah ouais, ouais, non, mais oui. C'était qui, madame? C'était mon grand-père. Voilà. Mais je l'aime bien, ce boucher-là. Il faisait des plats, traiteurs et tout ça. Il travaillait dans une petite boucherie. Petit, oui, mais je ne me souviens pas parce qu'il a changé de métier après. Mais il était efficace, hein. Ça, c'était un bosseur. Ouais. On est d'accord? On donne ça. Vous aimez les anges, madame, vous? Oui. Vous avez une collection d'anges comme ça dans votre maison? Oui. Oui, mais il y en a, ils sont mal placés. D'accord? Eh ouais. Alors, je ne sais pas là, mais vous n'avez pas déplacé vos anges? J'en ai passé un cette semaine. Voilà, tu vois, il y a un truc déplacé là. Oui. Il y a quelque chose dans l'énergie. Allez, remets-moi des trucs. Ils sont blancs, vos anges, madame? Oui. Voilà. Et celui qui est cassé, vous l'avez mis où? Je l'ai. Oui, bah oui, mais où? À poubelle? Oui. Oui. Elle n'est pas partie la poubelle. Pas dans une poubelle comme un ange, hein, d'accord? Voilà, on donne ça. Et vous les avez mis où? À la salle à manger ou à la chambre? Il y en a un peu pour la porte extérieure et les autres dans la salle à manger. D'accord, dans la salle à manger. Celui que vous avez cassé, c'est à la salle à manger? Oui. Voilà. Il faudrait peut-être me remplacer ou je sais pas. Il manque quelque chose. Vous intéressez aux anges, vous intéressez aux fées, vous intéressez à tout ce qui est historique, tout ce qui est ancien, le Moyen-Âge, les vieilles pierres. Voyage avec vous, hein. Les licornes, les machins et tout. C'est pas mal, hein, tout ça. Hein. C'est joli, joli, tout ça. D'accord. On me donne ça. Le Moyen-Âge, les Templiers. Je voyage avec vous et c'est pas mal. Ben oui, on me donne ça. Et une belle spiritualité tout autour de vous. Vous aimez la nature et les animaux, vous? Oui, j'adore. Voilà, vous avez des animaux? Oui. Plusieurs? J'ai des chats. J'ai deux chats. Ouais. Et vous êtes en appartement? Oui. D'accord, c'est ça. Alors, le grand-père, il vient. Vous avez un problème personnel actuellement qui vous travaille? Oui. Voilà, parce qu'il me dit, ça la travaille, ça la travaille. Tu vois, il n'y a pas que toi qui travaille. Mais ça la travaille, ça la travaille, ça la travaille. C'est quoi qui vous travaille? Le boulot, le quoi? L'amour, quoi? Tout. Trois choses, il me dit. Oui. Alors, c'est quoi ce travail? Ouais. L'amour. Ouais. Et le logement. D'accord. Ben, les trois, j'ai trois changements. Vous avez quelqu'un dans votre vie, vous? Non. Non. Alors, j'ai trois changements. J'ai envie de dire, j'ai une rencontre qui me fera déménager et qui me fera changer de travail. Waouh! En clair, vous allez être tornadé. Ben c'est bien, on attend sur un tour de sécurité. Et on va traverser une zone de turbulence. On y est déjà, non? Hein? Oh, on la traverserait. On la traverse, il faut mieux la traverser. C'est vrai. Alors, quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais vu, vous ne savez pas comment il s'appelle ni rien, c'est clair? C'est pas quelqu'un du passé qui revient, ne cherchez pas là-dedans. C'est quelqu'un de tout nouveau, on est d'accord? Oui. On donne ça. On va déménager et je vous vois changer de travail. Oui, je vous vois changer de travail, changer de travail. Vous voulez travailler dans les soins, vous, les trucs comme ça? C'est ça. Ah ben, je suis entre deux carrières en ce moment. Je travaille dans les soins. Juste à côté du monsieur qui est magnétiseur. Voilà. Alors, non, attends. C'est quoi tous ces stages là? Et le stage de la vie, tu vas me le faire celui-là aussi? Oui, je me suis formée là, cette année. Oui, mais à force de te former, tu vas te déformer à force. D'accord, tu fais ci, tu fais ça, mais travaille! Lance-toi, fais quelque chose comme lui là, il faut qu'il me fasse.
C'est quand tu vas le faire? Pourquoi le vert, le rose et le blanc? Le vert un peu pistache. Un beau vert. Un vert. Voilà, comme ça, là. Tu vois, comme ça, là-haut. Le vert, c'est la guérison. Le rose, c'est le céleste. Le blanc, c'est la connaissance, peut-être. Tu voudrais un cabinet avec ces trois couleurs ou... C'est possible. Ben, je suis en plein de peinture, là. J'ai des projets de peinture dans l'appartement. Ah, là. Pistache. Pistache. Rose. Et blanc. D'accord. D'accord. Ouais. On me donne ça. Je sais pas. Peut-être la pièce où tu vas travailler ou quelque chose comme ça. Oui. Oui, c'est fait déjà la pièce où je vais bosser. D'accord, on me le donne ça, tu vois. Et elle est quelle couleur? Elle est jaune. Non, c'est bien, c'est la lumière, mais c'est plus pour les ostéos. Oui. T'es pas ostéopathe, toi? Non. Non, mais c'est pas pour toi, ça, le jaune. Le jaune, c'est pas bien. Non, pas pour toi. Quand on aura, ça... Ah, pas terrible. Mais du coup, l'appart où je suis, il est bien pour bosser pour Oui, mais tu n'y resteras pas, donc. D'accord. Ça fait un peu comme le monsieur, il termine sa maison, il peut dire, oh, allez, on revend, on rachète ailleurs, et c'est comme ça. Eh, ben, c'est la vie, c'est comme ça. Des fois que vous n'auriez pas compris, hein. Ben oui, parce qu'on me le donne, ben oui, mais c'est une piqûre de rappel, bim, bim, t'as vu, je ne perds pas le nord. On me donne ça, moi, ce que je vois, ben moi, je ne vois pas rester dans cet appartement, c'est clair et net, hein. Ça fait longtemps que vous y êtes? Non, en fait, non, je suis arrivée ici au mois de mars. Et là, c'est un appart qu'on me prête. Ben voilà, coup sur coup, de déménagement, bim, bim. Ouais, c'est ça. T'es venue ici parce que t'es venue chercher ta vie. T'es venue chercher ton bonheur. T'es venue chercher ta réalisation. T'es venue te battre pour ton bonheur. Tu l'as compris, ça? Ouais. C'est sûr que tu l'as bien compris. C'est-à-dire qu'il faut penser. Qu'il faut penser, est-ce que je dois retourner où je vivais avant? T'as compris, hein? Oui. On avance. Tout casser, tous les schémas du passé pour avancer comme un électron libre et me réaliser. D'accord? Et quelle réalisation nous donne ça? Je te vois même te transformer physiquement aussi. T'as perdu du poids et tout ça? Oui. Ben encore, encore. Je suis arrivée, oui. Ben oui. Tu te prépares, c'est un rituel. Pour l'amour, pour le bonheur, pour tout ça. Mais tu vas avoir. Ah oui. Les miquettes. Ça va faire un peu comme la petite tabac. Qu'est-ce que je fais? J'y vais, j'y vais pas, j'y crois pas. Ça va faire drôle, hein. T'as tourné le dos à ton passé. T'as changé de région, c'est ça? T'as bien fait, hein, pour la vache. T'étais dans la région parisienne? J'étais à Toulouse. Ouais. Mais t'as vécu à Paris aussi? Finé, ah ben voilà, tu vois, bing bing, j'avais Paris moi à la base. Hein. Après, tu es partie à Toulouse. Oui. Mais maintenant, tu es venue sur Marseille. C'est ça. Tu étais où à Toulouse? Dans Toulouse? Non, dans le Tarn. Dans... Ah, c'est pas Toulouse le Tarn? Non. Attention, c'est... Oui, c'est pas le Tarn, c'est pas Toulouse. Dis pas ça à mes amis toulousains, ils te diront pas la même chose. Hein. Pas de blagounette. Hein. Attention, je connais bien Toulouse. Bonjour Toulouse! Bonjour Toulouse! Plus précisément les beaux rugbyman. Non, tout le monde à Toulouse. Hein. Non, c'est important quand même. Hein. Non, on me donne ça. Et en fait, tu vis sur Marseille ou les alentours? Marseille Nord, oui, c'est Marseille. D'accord. Parce que moi, je te vois quand tu vas redéménager. T'arrives, hop, je me pose. Tu vas redéménager, tu ne resteras pas là où tu es pour aller dans un autre truc. Et dans l'autre truc où tu te poseras, c'est les alentours de Marseille. Oui. Un peu dans la nature, un peu. Tu vois ce que je veux dire? Au vert. Oui, c'est ça, parce que là, la zone urbaine, là, c'est trop pour C'est moi. Pas pour toi. La ville, ville pour toi, c'est pas bon. Non. D'accord? Le prénom d'Antoinette, ça te donne quelque chose? Rien. Tu retiendras? Oui. D'accord, ça marquera. On me donne le temps. On dit qu'il y a une... Oui, il y a une rencontre. L'année 2022 est pas mal, mais 2023 sera encore mieux pour toi. Hein. D'accord? Dans les deux années qui arrivent, là, tu vas vraiment te lancer, bouger, et tu vas y arriver. Non, retourner dans le Tarn, non. Ah non. Ah non. Et revivre ce que tu as vécu. Ah non, 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 non. On est d'accord? Oui. Est-ce que tu as une question à poser? Ça, c'est ton grand-père qui t'a poussé comme ça.
on t'a poussé. Parce que c'est vrai que quand on commence à réfléchir, oh là là, je vais partir, je change de région, je suis toute seule et tout, ça me fait peur. Hein. Oui. Ben oui. Une très belle évolution spirituelle sur toi. Très très belle. C'est important. Donc ma question c'était au niveau du travail, donc là vous avez répondu. J'ai ma maman qui est en traitement pour le cancer en ce moment. Oui. Mais ça va. Ça a été pris à temps. Ça va. C'était pris à temps. Toujours, mais c'est bon. Elle habite où maman? À Marseille. D'accord. Mais ça a été pris à temps, il y a des bons docteurs et tout ça, on me le donne. En même temps, tu vas t'occuper d'elle, mais tu vas t'occuper de toi aussi. Oui, ben là, je suis là pour ça, je pense que cette pas transition, que pour ça. C'est... Oui. T'es venue, chère, tu te rendras compte par la suite, tu verras. Ce que tu n'arrivais pas à réaliser sur Toulouse, Albi, le Tarn, ce que tu veux, ben ici, tu devrais le réaliser, d'accord? Une nouvelle vie, et à la clé avec du bonheur. C'est clair? Allez. Merci pour ta maman. Elle a quel âge, ta maman? 14. Non, il y a encore du temps pour elle. Bah oui. Et je termine avec toi, au-dessus de ta tête, sur le côté droit, j'ai Jésus, de l'autre côté, j'ai Bouddha. Voilà. Allez. À droite et à gauche. Ouais, protection. Allez, je... Merci. On t'embrasse. Bien. Oui, j'ai entendu, j'étais par là, j'étais avec une dame. J'avais les îles qui marquent par là. J'avais les îles. L'île de la Réunion ou l'île de Madagascar, ça marche pour quelqu'un? Par là, l'île de la Réunion ou de Madagascar, ça marche pour quelqu'un? J'ai pas de micro. Ah, la Réunion, oui, c'est ça, c'est là. Là. D'accord, attends, on va voir. Vous avez vécu à l'île de la Réunion? C'est mon mari. Ah, il est quoi, il réunionnais? D'accord. Il faisait des. Il était militaire? Non. Il était étudiant. D'accord. Et c'est pas, en fait, sa mère, elle avait un héritage. Oui. De sa. Mais il a des origines réunionnaises? Non, il a vécu là-bas. D'accord. Et vous, madame? C'est mon beau-frère. Qui est réunionnais? Ah non, parce que j'ai quelqu'un qui a vraiment lui, l'origine. Donc c'est ton beau-frère qui est. Voilà, ici. Voilà. Ah, ça y est. Ah. Ah, maintenant, et vous êtes né à Madagascar? Non, c'était un militaire. Il était militaire. Et vous, il était militaire. Et vous, les militaires, ça marche? Non, il était pas militaire. Bon, ben alors, c'est pas vous, c'est la dame. Ding, ding, tu vois ça. Alors, c'est votre beau-frère qui était militaire. Et qui est réunionné, c'est ça? Il est décédé, madame, votre beau-frère? Il est vivant? Et vous le voyez, votre beau-frère, de temps en temps? Vous entendez bien avec lui? Il y a eu un... Un quoi qu'il y a eu quelque chose? Des disputes vous avez eu ou pas? Non, avec votre soeur que vous êtes disputé? Non, pas ma soeur. Votre soeur et lui, ça va pas? Vous allez, divorcé? Ou séparé? Ils ont divorcé, ça y est? Non. Ils ont des enfants? Lui, il aime bien les femmes? Bah ouais. Ouais. Lui, il ne trompe pas sa femme, il se trompe juste de femme. C'est excellent, ça. Hein? Hein? Et votre soeur, vous la voyez souvent ou pas? Elle vit où, votre soeur? Avec vous. Pas loin de chez vous. Lui, il était militaire de carrière ou pas? C'est ça, hein? Il est gradé chez les militaires? Non? Quoi, qu'est-ce qu'il était... Non. Sergent, non. Armée de terre, armée de quoi? De l'air. De l'air. C'est un bel homme. Il a quand même quelque chose. C'est un bel homme, mon ami. Ah, c'est pas une beauté, machin, mais c'est quand même, il a quand même quelque chose. Il est très sportif, ce monsieur? Non. Il n'a pas fait beaucoup de sport? Ah, vous êtes sûr? Ben, vous poserez la question. Vous la voyez plus, votre soeur, en ce moment? Ben vous posez la question s'il était sportif quand il était jeune et tout ça. D'accord? Et là, ils sont séparés ou pas? Non, ça y est. Ils ont traversé une crise et là, ils se sont remis ensemble. D'accord. Vous y êtes déjà allé à la Réunion, vous, madame? Vous ne voulez pas y aller? Non, c'est pas un endroit qui vous attire. Vous allez en Espagne, en Italie un peu? Non, jamais.
Vous n'avez jamais fait des voyages? Oui, des voyages, je vais faire ici. D'accord. Moi, j'avais l'Espagne, l'Italie qui marque. C'est côté de mes parents. D'accord. Je suis d'Espagnol. Qui c'est qui est espagnol? Origine espagnole, c'est qui est moi. D'accord. Alors, pourquoi on me parle de se réunionner et qu'il est militaire et... Ah, parce qu'ils ont failli divorcer et qu'ils se sont remis ensemble. Il a des ennuis de santé? Ou votre sœur a des ennuis de santé? Il y en a un des deux qui a des problèmes de santé. Vous ne savez peut-être pas. Qui c'est qui ne voulait pas de leur mariage? Ben oui. Vos parents à vous ou ses parents à lui? Ah, vous ne pouvez pas me répondre, donc... Votre sœur, il y a des hauts débats encore avec son mari? Ouais. J'ai envie de dire un peu, elle, c'est pareil, un peu, c'est reculer pour mieux sauter. Je ne sais pas si elle terminera sa vie avec. Hein. Elle attend pour que les enfants soient plus grands. Quel âge ils ont, ces enfants? Ils sont grands. Donc, ils sont élevés. Parce que c'est pareil, elle a pardonné, mais elle n'arrive pas à oublier, quoi, c'est ça? Eh ben voilà. Donc je pense que moi, dans le futur, il y aura une séparation, madame. Vous en doutiez un petit peu ou pas? Ouais. On me donne ça. Vos parents, tous les deux, sont pieds noirs espagnols? Oui. Tous les deux? Oui. Mais pas du même endroit? Non. De quel endroit? D'Afrique. Oui. La cité petit et d'Afrique. D'accord. On me donne ça. Qui c'est qui était tout le temps assise, qui avait du mal à marcher comme ça? C'est votre grand-mère? C'est votre maman? Elle marchait beaucoup. Hein. D'accord. Mais elle a vu, elle avait du diabète, cette femme? Oui. Parce qu'on me dit qu'elle était diabétique. C'est elle qui faisait les brioches, les mounas, les monas, les mounas. Parce qu'on me fait des brioches. Elle en donnait aux gens des brioches comme ça? Parce qu'elle faisait des brioches pour elle, mais elle en faisait pour les autres aussi, c'est ça? Ça, je ne sais pas, non, je ne sais pas, mais peut-être la famille. Oui, mais donner des brioches. Elle était dans un fauteuil roulant, votre maman? Non. Non? Elle n'a jamais été? Non. Pourquoi tout le côté gauche avec elle, la jambe gauche et tout ça? Qu'est-ce qu'elle avait aux jambes, votre mère? Des difficultés à marcher? Non, elle a des difficultés. Des quoi? Des flics. Ah ben oui, mais c'est ça, c'est des difficultés. Et elle n'a pas marché. Hein, elle a... Non, mais oui, mais on ne l'a pas à un moment donné transportée à l'hôpital dans un fauteuil roulant. Vous ne savez pas? Elle est morte à l'hôpital. Mais moi, je pense qu'on l'a transportée en... Oui, on l'a transportée dans un fauteuil roulant, votre maman, madame. Elle était âgée. C'était une très brave femme, votre mère. Droite, un cœur comme ça, généreuse, entière, avec des qualités vraiment exceptionnelles. On me le donne, ça. Elle est décédée il y a longtemps? Elle protège beaucoup votre sœur. Transmettez ce message à votre sœur, c'est important. Parce que là, par rapport à, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire avec l'île de la Réunion, là, je ne sais pas si elle va rester avec, je comprends pas. Parce qu'elle s'est remise avec, mais ça ne va pas, quoi. Elle vous dit rien. Elle préfère rien dire comme ça pour ne pas avoir d'histoire. Mais vous le ressentez, ça. D'accord? Qui c'est qui a été dans l'enseignement, prof? Cousin, cousine, c'est qui? Ça, c'est autour de vous, madame. Hein? C'est pas vous, hein, c'est autour de vous. Ben, vous rechercherez ça, Moldov. Votre papa est décédé aussi? Voilà, parce que vous avez votre père. Votre... Mais vous avez la protection de votre maman. Et j'ai plus, elle vient par rapport aux réunionnais et tout pour vous prévenir, quoi. M'excuse, hein. Ça fait... qu'elle est à côté de vous. Elle vous protège. Fois et je pense pour moi que vos parents, ils l'ont connu votre... Ils ne le voulaient pas. Je ne sais pas, mais à mon avis, non. Je ne sais pas pourquoi. Votre mère, elle avait des principes et tout ça, des trucs et tout, des valeurs, des principes, et elle s'y tenait quand même. Hein. Ça, on me le donne. Qui était d'une famille de 11 enfants, madame? Ben ouais. Ça, c'est la grand-mère ou le grand-père? Et Robert ou Roger, c'est qui? Vous n'avez pas connu votre famille? Oui, Roger. Ah ben pourtant, on me le donne, moi. Vous notez tout ça et vous regarderez. Hein. Moi, on m'annonce que votre sœur, elle ne restera pas avec son mari. Avez-vous une question à poser? Votre mère, elle est souvent avec vous. Plus que papa, c'est normal? Fusionnel avec maman?
tu peux tout lui demander, elle est là, il n'y a pas de problème. Mais votre sœur, quand elle ne va pas bien, vu qu'elle demande à sa mère de l'aider, et maman, elle aidera. D'accord? Et c'est votre mère qui était diabétique aussi? Ouais, voilà. Elle était usée. Non, mais le cancer, d'accord. Mais de tout. Elle était, moi je me comprends, usée, votre maman, la pauvre. Elle est décédée pas très vieille, hein, quel âge elle avait? Ben non, c'est pas vieux. Pour moi, 65 ans. Ah ben c'est jeune. Elle est décédée pas très bien. Mais elle est bien de l'autre côté. Et toi, on vient pour prévenir. Donc ta maman qui est décédée, elle vient pour prévenir qu'il va se passer ce qui va se passer. Pas souvent. Il y a une petite fille aussi à côté d'elle. Je ne sais pas qui c'est qui a perdu un enfant. Ah ben j'ai une petite fille. Je pense que ça doit être ta fille. Avec elle, d'accord, voilà. Non, sinon votre maman, c'est par rapport à cet homme. Je pense qu'il s'était calmé et ça recommence. Il y a des trucs qui doivent recommencer. Et... Non, pas. Il est toujours militaire. Il travaille maintenant et tout ça. Il travaille pas. Et c'est votre soeur qui fait tout et tout ça à la maison. Elle en a raison. Mais en même temps, c'est son mari. Hein. On est d'accord. Et vous êtes mariée, vous? Ça va avec votre mari? Vous parlez beaucoup et tout avec lui? C'est très bien, continuez à parler. Même si des fois vous n'en avez pas envie. On est d'accord? Ça vous saoule, hein? Je sais, il faut le faire. Allez! Je vous pose une question. Oui. J'ai pour la santé, j'ai mais où, le haut, le bas? Les intestins? Vous avez fait des échographies et tout ça? Un IRM et tout ça? Je pense que c'est plus nerveux. Mais... Hein? Moi, pour moi, c'est le stress, les angoisses, les choses que j'arrive pas... C'est nerveux pour vous, madame. Moi, j'ai pas de piment, de la moutarde, des trucs comme ça, bon. Il faut pas. Hein? J'ai envie de dire, c'est comme si tes intestins, ils étaient irrités. Voilà ce qu'on m'a dit. Oui, monsieur. C'est le stress, ma belle. Voilà. Ben oui. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à digérer, ça peut être dans votre travail, votre vie, plein de choses, quoi. Et que rumine et qu'on rumine et qu'on... On essaie comme ça, ça va pas, comme ça, ça va pas, comme ça, ça va pas. On ne sait plus comment essayer. On est d'accord? C'est ça, madame. Vous n'avez rien de grave. Vous n'avez pas le cancer, ne vous inquiétez pas. Oui, mais je sais qu'elle pense à ça. Allez. De rien. On va faire les questions. Alors, parce que j'ai pas de micro, on va commencer. Voilà, j'aime bien quand vous êtes sages comme ça. Ceux qui n'ont pas eu, ils vont poser une question, mais pas 10 questions dans la question, parce qu'il y en a, ils s'arrangent. Une question précise pour que je puisse répondre un peu rapidement pour les autres. Je vais commencer d'abord sur le côté. Ouais. Je vais faire les copies et après, ranger par ranger. Allez. On évite de faire du bruit, merci. Jean-Charles. Bonjour. J'aimerais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Tu vas rencontrer l'amour? Eh oui. Qui te correspond? Je pense pas, mais que tu... Qui sera complémentaire à toi et qui sera l'amour, ça c'est oui. Voilà. Bonjour. Bonjour. Pour l'instant, c'est non. Rien cette année. Ah, je suis cash, hein, ben... Je ne vais pas le dire pour faire plaisir, moi. Bonjour. Bonjour. Je vous regarde. Vous cherchez? Non, commencez par chercher. Oui, mais si elle cherche, elle ne cherche pas. Bonjour. Bonjour. Si mon copain a tué, c'est la limite du beaucoup. Ouais. Ça fait combien de temps, ça fait combien de temps que vous êtes avec? Moi j'habite à la farde. Et vous vivez avec? Voilà. Ouais. Moi pour l'instant je pense que oui, il y a quelque chose. Je pense que vous avez un bout de chemin à faire avec cette personne. Ouais, un bout de chemin, pas toute la vie. Voilà. Bon. Bonjour, enlevez votre masque, je ne vois pas, monsieur. Merci. Est-ce que tu veux changer d'administration? Pas cette année, monsieur. L'année prochaine, je pense. Peut-être
vers le mois juin, juillet, par là, quelque chose comme ça. Il y aura quelque chose. Merci. De rien, monsieur. Bonjour. Bonjour. Attention à ta question, toi. Oui, mais la tête, elle va exploser, toi. D'accord ? Très grosse. Mais je sais, je sais. Est-ce pas, je vais la poser là-dessus, alors. Est-ce que je vais trouver combien ? Oui. C'est oui. C'est normal ou... Non, c'est pas normal. C'est une charge négative que tu as sur toi. Voilà. Dis oui, hein. Faut que tu pries. Tu pries pas ? Je crois à beaucoup de choses, mais j'ai personne à prier. Tu ne pries pas. Je prie qui ? Pour l'esprit saint pour ta tête. Hein. Derrière. Si, derrière, elle a une question, la dame. Si, monsieur. Allez, heureusement que je suis là, hein, quand même. Hein. Bonjour, madame. C'est pour savoir si je peux rencontrer l'arbre. Oui, madame. C'est pour ça que j'ai insisté. Ma petite dame, est-ce que vous savez faire à manger ? Parce qu'il aimera bien manger, le monsieur. Hein. Oh, mais je préfère vous le dire, hein. Voilà, si tu sais pas faire à manger, là, lequel il est. Allez. Bonjour. Bonjour. J'en aurais plein aussi, alors. Non, une, il y a plein de monde. Je sais. Alors, je vais sélectionner professionnel. Votre question, s'il vous plaît, précise. Alors, est-ce que je vais continuer dans l'artistique ? Oui. Ok. Mais tu es fait pour ça. Parce que je ne l'étais pas. Là, je suis en train d'arrêter en boulot. Pour moi, tu es fait pour le domaine artistique. Tu l'as toujours été. C'était pas révélé, mais ça s'est révélé. Il faut que tu crois en toi, il faut que tu... Et que tu sois déterminée, d'accord ? Allez. Merci. De rien. Bonjour, Chantal. Bonjour. Moi, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Il y aura deux quelqu'un et il y aura un choix à faire. Attention, attention. Dans les deux quelqu'un, il y en a un qui est disponible et l'autre, il n'est pas. Attention. D'accord ? Regarde bien qui t'a à faire. Hein. Allez. Je ne vois pas, vous vous levez. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais savoir si c'était la personne que je fréquente tellement si c'était la bonne ou pas. Je sais pas, j'ai pas goûté pour savoir si c'était la bonne. Il y a une relation sérieuse. Là, pour l'instant, oui, c'est sérieux quand même. Hein. Mais c'est pas quelqu'un qui veut s'engager. C'est sérieux, en fait. Voilà. Faut développer. Non, t'es trop pressé. Pour l'instant, non, c'est elle qui a peur. C'est toi qui bloques aussi dans certains trucs. Hein. Si. T'as peur. Si. Pour l'instant, tu développes, d'accord ? C'est quelqu'un qui est jeune ? Oui. Bah oui, mais il est jeune. Il sait pas trop ce qu'il veut. Et c'est ça qui risque de te fatiguer. En tout cas, s'il y en a un des deux qui prend une décision, c'est toi qui la prendras, c'est pas lui. Pardon ? Il va repartir en... Non, lui, il compte repartir. Hein. Eh oui. Et sa famille et tout là-bas. Ouais. C'est normal. Ça serait plutôt à toi de le suivre. Après, c'est à toi de savoir si tu veux ou pas. C'est pour ça que la balle sera dans ton camp. Okay. Merci. Allez, de rien. Bonjour Chantal. Bonjour. C'est comment ton prénom ? Comment tu t'appelles ? Patricia. Voilà. Moi, j'ai perdu une amie d'un accident tragique et je voudrais savoir si... Elle est à côté de toi, elle te protège, c'est oui. Merci. Merci à elle, surtout c'est elle qui te protège. Donc, elle te protège beaucoup, ne doute pas de ça, attention toi. Jamais. Comme une... C'est plus qu'une amie, c'était une sœur. Oui. Une... Le mot ami, il est faible, allez, va. Mais j'allume des bougies le soir. Continue. Continue. Mais je pense qu'elle est là parce que je vois quelque chose. Mais oui, c'est elle. Je ne m'en fais pas des idées. Non, tu ne te fais pas des idées. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais savoir si je vais guérir. Deux. Cancer. Oui, pour moi, c'est pris à temps. Tu as été opérée ? Oui. Voilà. Tu as eu une ou deux opérations ? Deux. Voilà. La deuxième a été moins bien que la première ? J'ai une ablation. Oui. Mais et puis il y a une autre opération là qui arrive, non ? Il n'y a pas de chirurgie réparatrice ou quelque chose comme ça ? J'espère. Oui, reconstruction. Reconstruction, voilà ce qu'on dit. Non, c'est positif. Comme Carrefour, c'est positif. Allez. Merci Chantal. De rien. Bonjour Chantal. Bonjour. J'aimerais savoir si
dans la situation dans laquelle je me trouve entre moi et mon fils en ce moment, on va arriver tous les deux à se sortir de là. Oui. Et positivement. Oui, 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 c'est oui. Ne oui. baisse pas les bras, t'entends? Parce que c'est dur, je sais, je sais. C'est des galères surtout, surtout. Ouais, ouais. Je sais. Donc lui, il va arriver à être heureux. Et, et coup, toi aussi, oui. Merci, Chantal. De rien. T'es une belle personne. Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai passé des entretiens pour changer de travail. Est-ce que ça va se faire? Oui. Ouais. Ouais. Et ça va être dur après un peu. Hein. Mais, ouais. mais au début, n'aie pas l'appréhension, c'est quelques temps que ça sera un peu dur. Le temps de te mettre au travail, mais après ça ira. D'accord. Merci. Oui. Oui, bonjour Chantal. Bonjour. Moi je voudrais savoir si je peux me décider maintenant pour l'achat de mon appartement ou si je dois attendre. Attendre quoi? D'autres propositions. Pourquoi ça ne te plaît pas cet appartement? Ben, j'hésite beaucoup. Ah ben c'est que je ne le prends pas. Quand on hésite comme ça, c'est que c'est pas bon. C'est allez, tu cherches, t'attends, tu cherches autre chose. Allez hop, t'as vu ta réponse, t'as vu que j'avais moi. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors moi, voilà, j'ai perdu ma soeur il y a 8 mois. Je voudrais savoir. Elle se repose. Ah. On la laisse tranquille. On ne peut pas communiquer avec elle. Allongée, promue la paix. C'est pas le moment. Faut que tu pries pour elle, tu mets une photo, une bougie. Encore, laisse-la, elle se repose. Après. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si au niveau professionnel, ça va marcher pour moi. Donc, sur quel plan, monsieur? En fait, je me suis mis à mon compte. Oui, mais c'est pour... Depuis quand? Maintenant. Aujourd'hui. T'as pas choisi la bonne période, quoi. 2023, j'entends. Il te faut que tu tiennes un an et un an et demi à peu près. D'accord. Voilà. Allez. Bonjour Chantal. Bonjour. Je voudrais savoir si mon père qui est décédé, un ami qui était mon ex-conjoint, qui est décédé aussi. Ils sont ensemble? Ben, je sais pas. Oui. Ben oui, ils sont ensemble. Comment ils vont? Hein? Et comment ils vont? Bien. Et toi, comment tu vas? Pas très bien. Tous les jours, tu penses à eux. Tous les matins, quand tu te lèves, tu penses à eux. Tous les soirs, tu penses à eux. Te manque, hein? Mais ils sont là. Ils te protègent. Allez. Ils sont ensemble. C'est beau, ils se connaissent là-haut et tout. Tu devrais être contente. Au moins, ils ne sont pas seuls. Merci. De rien. Dès que tu t'approches du baf, faut s'éloigner des baffes. Éloigne-toi de la baffe là. Vaut mieux sans micro. Faut pas se mettre près de la baffe là. Bonjour Chantal. Bonjour. Oui. Pardon? Eh ben cherche encore, tu trouveras quelque chose de bien. Demande autour de toi. Voilà. Allez, demande. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir pourquoi je suis douée, parce qu'il y a plusieurs corps dans mon arc. Mais sur quoi, madame? Sur quel corps? Professionnel. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, là, je fais déjà dans la... Je sais. Ben, c'est pour ça que je te taquinais. Pas mal de choses reliées à la voyance. Oui, je sais, les soins et tout ça et tout. Ben, les soins, non, tout le monde me dit d'aller faire des soins. Tu t'en feras. Voilà, on me dit de me diriger vers les soins. Oui, c'est ça. Ça. Oui. Ça, je voulais avoir votre avis. C'est oui. La voyance, t'es pas mauvaise, hein, avec tes cartes et tout ça. Oui, je sais, t'as 3 jeux que tu fais très très bien. Enveloppe-les dans un foulard de soie. Ah, oui, c'est ça, c'est 3 jeux. Mais je sais, 3. Merci. Alors continue, madame la voyante. Allez. Bonjour. Bonjour. J'aurais souhaité savoir si ma fille aura un bébé prochainement. Non, il faut 9 mois pour le faire. Hein? Oui, oui, mais attends, il faut attendre. Prochainement, c'est non. Donc, 2023, moi, je pense qu'elle aura le bébé. Voilà. Merci. Donc, oui, tu seras grand-mère. Merci. Tu as une vie, permets-moi de te le dire, où tu étais druide. Une druidesse. Et tu vivais dans des cavernes. C'était rudimentaire. Et je sais. Voilà. J'ai déjà été
des régressions. Mais je t'ai vu avec ta belle robe longue jusqu'aux pieds, pieds nus là, dans tes tavernes là, comme ça. J'ai halluciné quand t'es arrivé comme ça, là, je t'ai vu dans la taverne. On aurait dit que la taverne était suivie. Je suis pas très loin d'ailleurs. Tu vois ? Ben, tu retournes chez toi, c'est normal. En fait, je suis chez moi. Voilà. C'est pas pareil. On rentre pas chez nous quand on se met. Allez, de rien. On est pas chez nous ici. Bonjour, madame. Bonjour. Je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Pas dans l'immédiat. 3-6 mois à peu près, pas dans les médias. Ça va, c'est oui, mais pas maintenant. Je prends votre vie. Bon, oui. Je voudrais savoir si la fin de vie de mon papa ne sera pas trop dure pour lui. J'ai rien compris. Je voudrais savoir si la fin de vie de mon papa ne sera pas trop dure pour lui. Non, il aura une belle mort, ton papa. Merci. Voilà, ça répond à ta question. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si je vais rencontrer l'amour. Rencontrer t'as quel âge? 7 ans. À 30 ans, pas avant. Merci. 3 ans, on attend. Allez. Bonjour, Chantal. Bonjour. Je voudrais savoir, j'ai perdu une amie il y a 3 ans de ça. Et je voudrais savoir si elle. Elle t'aide, oui. Merci. Heureusement qu'elle t'aide. Merci. Oh oui. Et plus d'une fois, Paul t'a sorti de pas mal de situations. On s'est sorti mutuellement de la mer. Ben oui, mais maintenant, c'est elle qui s'occupe de toi. C'est ça qui est super. Merci beaucoup. Tu vois, mais merci à elle surtout. Merci. Ben oui. Hein. Allez. Bonjour Chantal. Bonjour. J'ai passé un discours il y a 2 jours. Et je voulais écrit oral pratique. D'accord. Thanatopracteur. Ouais, oula. Et je voulais savoir si j'allais trouver un poste dans lequel j'allais me battre. Oui, mais peut-être qu'il y aura de la route à faire, c'est pas grave. Bon, oui. C'est le métier. C'est pas... Tu seras thanatonote alors, c'est ça? De rien. Bonjour Chantal. Bonjour. Je voulais savoir si mes filles vont survivre cet hiver. Si tes filles? Mes filles vont survivre cet hiver. Quel âge ont tes filles? Elles ont 2 ans. Pourquoi ils sont malades? Oui, c'est deux chiennes, c'est ça? Non, non. Mes filles. Hein? Les abeilles. Les abeilles. Oui, bon, et... Oui, non, ça dépend, tu les as mis où? Sur un champ. Non, mais oui, ici, dans la région, oui. C'est oui. Si tu me les transportes ailleurs, non. Allez. Bonjour, je suis Val. Oui. Voilà, je suis en arrêt depuis plus d'un an. Heureusement. Dans un épuisement professionnel. Un je voulais savoir si un je burn-out. Un burn-out. Oui. Est-ce que je vais retourner dans le social? Non. Tu feras autre chose ailleurs. Pour l'instant, tu t'occupes de toi. Repos encore. Hein. Tout la fin de l'année, novembre, décembre, allez, janvier, on va se faire. Au printemps, là, ça ira beaucoup, beaucoup mieux pour toi. D'accord? D'accord. Allez. Merci. Bonsoir Chantal. Bonsoir. J'aimerais savoir si ma belle-mère est bien arrivée de l'hôpital. Oui. Merci. Elle se repose aussi. Hein. Bonsoir. Bonsoir. J'ai mes parents qui sont décédés. Je voudrais savoir s'ils vont bien. Oui, ils sont derrière toi, main dans la main. Et dans la lumière. Ah ouais, c'est très beau. Bonjour Chantal. Bonjour. J'ai pris un livre, je voudrais savoir si c'est la bonne voie pour moi. Ouais, mais celui-là, il n'est pas terrible. Le prochain sera mieux. Pardon, hein. C'est le premier, hein. Ben oui, ben écoute, il faut ce qu'il faut, hein, début. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Allez, continue l'écrivain, là. Allez, continue. De rien. Mets-moi quelques photos dans le prochain et tout, ça sera bien. Bonjour Chantal, je suis ravie de vous rencontrer. Bonjour, c'est comment ton prénom? Moi c'est Nadine. Oui Nadine, je t'écoute. Je voudrais savoir si dans la commune, je peux rencontrer quelqu'un qui me plaise. Oui, c'est difficile un peu toi. Oh, putain. La barre elle est très très haute. J'ai du mal à accéder, tu vois, faudrait descendre un peu la barre. Pas trop difficile. Hein. D'accord? Allez. Difficile. Bonsoir Chantal. Bonsoir. De vous revoir. Est-ce que mon fils va se stabiliser affectivement? Il a quelqu'un en ce moment?
très compliqué d'en parler de ce sujet-là avec lui. Non, il a plusieurs quelqu'un, c'est ça? De quel bord, je ne sais pas non plus. Après, moi, je m'en fous, moi, ça ne me dérange pas, moi. L'important, c'est qu'il y ait une histoire d'amour. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand il y a de l'amour, ça va. Quand il n'y a pas d'amour, après, peu importe le sexe et tout, je m'en fous. Mais il faut qu'il y ait une histoire. Oui, et là, pour l'instant, c'est pas une histoire, c'est plusieurs histoires. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez grand-mère ou pas? Oui, pas maintenant. Il est pas pressé, lui. Hein. Il a 32 ans. Oui, mais il vit bien. Il y en a tout autour du ventre. Pourquoi tu veux qu'il... Allez, c'est pas ma faute s'il plaît ton fils, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben oui, hein. C'est comme ça. Bonjour Chantal. Levez-vous, je vous vois pas, merci. Excusez-moi. Voilà. Je voudrais savoir si mon avenir professionnel va s'arranger. Dans là où vous êtes actuellement? Oui. Plus vers le printemps, pas pour l'instant. D'accord. Rien pour l'instant, monsieur. Merci. Il faut encore tenir le choc, hein, d'accord? Levez-vous, merci. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. J'aime bien parce que tu as des yeux qui... Tes yeux, ils parlent, quoi. C'est magnifique. Tu as des yeux magnifiques. Hein? Elle est jolie. Elle est très... Non, mais elle a des yeux qui parlent. C'est magnifique. Alors, je t'écoute. Je voulais savoir si j'allais enfin trouver un emploi professionnel. Oui. Ne doute pas de toi, c'est possible. C'est possible de donner une petite bride. Moi, je te vois faire une formation. Vous avez quel âge? J'ai 23. Entre 23 et 25 ans, pas tout de suite, tu vois, t'as le temps encore. Merci. Allez. L'amour te transformera, toi. Hein. Allez. Pardon, juste pour le plaisir, bonsoir. Bonsoir. Je suis celle qui a créé cette merveille. Ah ben oui. Ah ben tu peux dire que c'est une... Alors, j'ai mes parents très jeunes, je voulais vous savoir s'ils sont en paix et s'ils veillent sur moi. Sur toi et ta fille? Oui. Toutes les deux. Merci Chantal. Beaucoup ta mère, hein, d'accord? Merci. Voilà. Juste merci. Bonsoir Chantal. Je ne vois pas bien. Vous vous levez parce qu'il y a le contre-jour avec... Voilà, merci. Voilà, oui. Je voulais savoir si mon père qui est décédé est à mes côtés. Pas tout le temps, mais il vient souvent te voir, oui. Il te fait des signes, mais tu ne vois pas, toi. Ah. Pensez dans les rêves. Non, observe. Non, il te fait des signes au quotidien, mais tu ne le vois pas. Regarde bien et observe. D'accord. D'accord. Voilà, de rien. Bonsoir Chantal. Bonsoir. J'aurais voulu savoir qui veille sur mon foyer, particulièrement sur mon fils. Ta grand-mère. Lequel? La mère de ta mère. Ta grand-mère maternelle. Merci. Oh, c'est dur. Ah. Bon, la terre est basse et le ciel est haut. Je vais être opérée le 25 novembre et je voudrais savoir si... Tout va bien se passer. Avant de passer au bloc opératoire, tu invoqueras l'archange Raphaël pour que toute ton opération se passe bien, d'accord? D'accord. Et après, tu seras toute neuve. Elle pourra marcher tout, plus cher. Moi, j'ai droit à la question ou pas? Bah oui, la fille, quand même. Ah. Je voulais savoir si mon fils a des restes avec sa compagne actuelle. Pour l'instant, oui. Pas toute la vie. Ah, la caisse, elle est extra. Elle est extra. Elle attendait votre réponse. Ah ben, c'est sa vie à lui, c'est pas la tienne. Hein. Allez, pour l'instant, oui. Faut que jeunesse se fasse, hein. T'es marrant, toi. Allez, bonsoir, madame. Bonjour. Je voudrais savoir si mon compagnon regrette ce qu'il a fait. Pas vraiment. Je suis désolée. Bonjour Chantal. Bonjour. J'aimerais savoir professionnellement si je suis dans la bonne direction, mais est-ce que je dois un petit peu... Il y aura des changements. Regarde ailleurs un peu. Regarde ailleurs autour de toi, il y aura des choses nouvelles. D'accord, merci. Bonjour Chantal. Bonjour.
Ton père est décédé? Ah non, c'est ton grand-père alors. C'est le père de ton père qui est payé sur toi. Oui. Et la grand-mère aussi avec. Paternelle? Oui, aussi. Pourquoi elle pleure, la dame? Ben non, je ne vais pas mentir. Hein. Ça ne sert à rien de pleurer, madame. Le plus dur, il est passé, là. Son mari... Hein? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit pourquoi. Ah, pourquoi? Dieu seul le sait. Pourquoi? C'est lui qui... C'est pas de votre faute à vous. Hein? Faut arrêter de vous culpabiliser, de vous rendre malade, ma petite dame. Hein? C'est pas de votre faute, madame. Il a écrit qu'il l'a fait pour moi. Pardon? Il a dit qu'il l'a fait pour elle. Il l'a écrit. Non, c'est pas... C'était une succession de plusieurs choses et qui a fait qu'il n'a pas supporté tout ça. Mais il est bien de l'autre côté, madame. C'est quand il l'a fait pour vous, c'était pour vous libérer, c'était pour ça qu'il dans ce sens. Parce que pour lui, il était, madame, ma petite dame, il était malade, votre mari, madame. Vous comprenez? Là, il ne souffre plus, il est dégagé. Il ne faut pas pleurer comme ça parce que vous lui envoyez beaucoup de grisailles. C'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Et c'est pas vous la coupable, c'est pas vous qui avez tué votre mari, voilà ce qu'il faut dire. Allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir qui veille sur moi aussi. Vous avez perdu une amie, madame? Non. Ah bon? Quelqu'un que vous avez connu à l'école? Non, pas du tout. Ah tiens, c'est bizarre. Moi, je remonte à votre jeunesse, je vois une petite fille. Vous savez pas. Vous avez une grand-mère, mais vous avez une petite fille à côté. Mais qui n'a rien à voir avec votre famille, hein. C'est pas... Ben non, je vois pas. C'est quelqu'un que vous avez côtoyé à l'école et qui est décédé, qui a eu une mort un peu tragique. Vous alliez à l'école avec cette jeune fille, madame? Ben, je sais pas. Et vous savez pas, mais non, ça marche. Je sais pas, oui, mais je sais pas. Ben voilà, mais cette petite fille, elle est proche de vous. Ah, certainement. Voilà. Et vous avez une grand-mère aussi, madame. Ah oui, ma grand-mère. Oui. Votre grand-mère. D'ailleurs, plus vous vieillissez, plus vous lui ressemblez à cette grand-mère. Vous avez la même mentalité qu'elle et tout ça. Voilà. Je suis ravie. Ben oui, c'était quelqu'un de bien. Ouais, j'adorais ma chose. Mais je sais, c'est pour ça que je vous le dis. Ouais, ouais. Je vous remercie. De rien. Et recherchez une petite fille que vous avez côtoyée, vous alliez à l'école avec elle et tout. Eh oui, c'est vieux, hein, mais c'est comme ça. Je vais voir. Ben oui. Merci. De rien. Après, je passe en après. Après, elle va revenir. Bonjour Chantal. Bonjour. Je voudrais savoir si mon dernier fils Romain va enfin se stabiliser côté professionnel. Il veut travailler à son compte, lui? Pas pour le moment. Non. Mais alors, pour l'instant, il stabilisera quand il travaillera à son compte. Pour l'instant, il cherche, il commence à faire ça. Et j'ai envie de dire, c'est un peu comme un passage obligatoire. Il est obligé de l'expérience de faire telle et telle chose pour pouvoir arriver à ce qu'il va faire. Ça fait 10 ans quand même qu'il... C'est comme ça. Il a quel âge? 29. Oui, après les 30 ans, ça sera bien. Entre 32 et 34 ans, voilà. Toujours en formation, à 30 ans. Eh bien, laissez-le, c'est comme ça, il se cherche. D'accord, merci Chantal. De rien. Merci pour ce que vous faites. Merci là-haut. Bonsoir. J'entends pas avec votre masque, madame. Oui, j'entends. Ma vie va changer. Non, c'est pas une question précise. Sur quel plan, madame? Total. Non. C'est 10 questions dans une question. C'est pas une question précise. C'est l'amour, madame, qui vous fera changer votre vie. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Bonjour. Et ton ange gardien aussi, n'oublie pas. Mon ange gardien, je sais. Voilà. Là, et je veux dire, il m'a sauvé, il n'est pas de moi, donc je reste. Voilà. J'essaie de faire ce que je veux. Voilà, tu continues, c'est bien. Ouais, et ils sont proches de toi, n'oublie pas. Voilà. Merci beaucoup. Ton ange gardien. Oui, je sais. Allez, bonne soirée, mesdames. Et plein de bonnes choses pour toi. Merci. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir si mon fils a trouvé sa voie sur une place scolaire. Non. Non. Pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, c'est bien ce qu'il fait, mais il changera encore par la suite.
D'accord. Vous verrez. Mais c'est bien, ça fait partie de l'expérience de la vie. Bonsoir. Bonsoir. Vais-je rencontrer quelqu'un? En fait. Ça fait longtemps que vous êtes seule? Oui. Combien d'années? Ça fait longtemps. Hein. Oh putain, mais c'est pour ça, non mais rigole pas parce qu'elle a fait... Ouais, la famille, ils en peuvent plus. Quelqu'un qui aura des cheveux, c'est les poivres, vous allez rencontrer quelqu'un, madame. Avec des yeux clairs, vous vous rappellerez? Je voilà. Ne l'ai pas encore. Ah non. Par contre, ça va... Comme on dit, vous allez rattraper le temps perdu, vous. Hein. Super, merci. Allez. Oh là là, ça va souffrir. Voilà. Bonjour. Je voudrais savoir. Mon mari est décédé depuis 8 mois. Il se repose, ma chérie, il se repose. Il, ouais, il est, alors il est dans la cuisine, il devait bien aimer bouffer. Dans la chambre à côté de toi ou derrière toi. Souvent. Hein. Il se repose. Hein. Il a été très heureux avec toi, ton mari. Je me sens heureux. Oui, mais je t'ai dit, derrière toi, dans la chambre, n'aie pas peur, et dans la cuisine. Quand tu fais ta cuisine, qu'est-ce qu'il donnerait pas pour bouffer un bon plat, là? Aïe, 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 aïe. Il aimait bien manger, hein? On est d'accord? Voilà. Faisait pas un peu la cuisine, lui, un peu? Très peu. Voilà. Mais il aimait bien. Certains. Ouais. Bonjour Chantal. Bonjour. Au plaisir de vous revoir. Moi aussi, je te revois, là, je suis contente. Est-ce que tu vas mieux? Oui, j'ai... Ah, beaucoup changé. Ben je sais, t'as évolué. Beaucoup changé, physique, psychique. Psychiquement. Beaucoup. Je suis contente. Merci, ça me fait très plaisir. Et il faut que je te le dise. Merci. Merci très beaucoup. Contente. Merci. Alors, c'est quoi ta question? Voilà, j'ai une collègue qui va partir juillet de l'année prochaine. De 22. Et je voulais savoir si je vais prendre sa place ou pas, je vais évoluer au niveau statut et... Oui, au niveau statut, tu vois. Qu'on ne la fasse pas à l'envers, parce que je m'investis beaucoup. Non, tu la feras pas, on t'en fera pas à l'envers, t'inquiète pas, tu vas évoluer. Bon, ça va. Merci beaucoup pour votre réponse. C'est bien. Merci. Continue à changer comme ça. Merci. Doucement mais sûrement. Hein. Allez, doucement mais sûrement. Merci beaucoup. Bonsoir, merci. Madame. Bonjour, Chantal. Je voudrais savoir qui envoie des odeurs de fleurs dans la chambre. Ben, c'est les défunts, madame. Ah ben il y en a plusieurs, il y a 3-4 personnes de votre famille. Oui madame. Merci. De rien. Alors des fois on a l'impression qu'on devient un peu... Oui, bonjour. Bonjour. J'ai fait des rêves, j'avais déjà des régressions comme on dit. J'avais déjà plus mon compagnon, on n'a pas pu être ensemble dans cette autre vie. Et j'ai eu l'impression comme si j'avais un message en... Bon, c'est quoi ta question? Parce que tu pars en 10 questions là, il y a du monde. Est-ce que c'est la réalité? Ce que j'ai ressenti ou c'est mon imagination? Non, c'est la réalité, puis il y a un peu d'imagination un peu à côté. Hein. Voilà. Merci. De rien. Bonjour Chantal. Bonjour Dalida. C'est au niveau de la santé de ma mère. Elle a quel âge, maman? Elle va faire 71 ans bientôt. Non, ça va. Elle est très fatiguée. On parle en musulman. Qui c'est qui est musulman? Non, non, mais qui c'est qui est musulman? Tiens, c'est drôle ça. Qui c'est qui côtoie un musulman? Oui, j'en connais un. Oui. Ah, c'est un ami qui est très très croyant? Oui. Ah, alors, et c'est, voilà, et bien ce monsieur là, parce qu'on dit Allah, on parle en arabe, d'un coup, j'ai quelqu'un qui prie beaucoup en musulman, et ce monsieur là, je pense qu'il prie pour ta maman. Et bien voilà. Merci. T'as la réponse. Donc, on dit Allah, bonjour, Chantal. Bonjour. Je voudrais savoir si j'ai des possibilités dans le soin pour les autres. Pas même dans le pendule, la radiesthésie, quoi. Ouais. Ouais, il faut développer. Allez. Bonjour. Bonjour. J'ai postulé pour... Dans le micro. J'ai postulé pour un emploi dans mon... Je suis dans l'administration et je voulais savoir si j'allais être retenue et que j'allais partir. Et ça serait où? Tu veux te faire muter? Ça serait partout. Tu veux muter? Tu veux partir ailleurs? En fait, c'est un poste où je remplace des gens, on peut partir. Mais oui, mais alors ça serait pour tout le temps ou c'est... C'est pour tout le temps. D'accord. Un CDI tu cherches alors? Ben je fais tout, CDI, je suis fonctionnaire en fait. C'est ouais. Juste et tu poste. Voudrais aller où? Ben ce poste-là qui m'envoie n'importe où, il m'envoie quelqu'un. Oui, mais tu voudrais aller où? Quelle région? Elle a dit n'importe où, elle sait pas. Ah, tu sais pas. Et non, c'est justement ce poste-là qui m'enverra n'importe où. Oui, mais pas à Paris. Peut-être.
Non, si tu vas à Paris, tu ne resteras pas. Est-ce qu'un poste, c'est temporaire à chaque fois, c'est des... c'est oui, un... oui, oui. C'est des missions. Oui, tu... des missions, voilà, je sais. Oui, mais tu vas bouger. Et là, ça serait surtout pour 2022. Mmh. Voilà. 2022. Voilà, c'est ce qu'on me dit. En 2000... Rien pour 2021, hein, d'accord? Ah ben voilà, c'est parfait. Merci. De rien. Bonjour, je m'appelle Patrick. Bonjour. J'ai ma maman qui a 80 ans et commence à décliner. Je voudrais savoir si sa fin de vie va être c'est pas facile. Son heure. C'est pas son heure? Non, tu lui fous la paix, laisse-la tranquille. Pour sa vie, oui. Non, bah oui, bah dis. Allez. Bonjour chacun. Bonjour. Je voulais savoir quand c'est que je vais déménager. Tu cherches où? Dans la campagne. Une maison. Dans Marseille. Hein. Mais une maison, tu cherches? Oui, une maison. Plein pied. Oui. Ouais. Tu veux? T'as des bêtes, toi? Parce que je te vois une, on dirait la petite maison de Charlie Mouda. Non, mais rigole pas. Hein. La petite maison, plein pied, les animaux à côté et tout. Tu vas la trouver hein, bientôt là. Bientôt. Ouais. Octobre, novembre, il y a quelque chose. Tu vas visiter, mais te précipite pas parce que tu risques de te visiter, de t'emporter pour quelque chose et tu risques d'avoir quelque chose juste après qui serait mieux. D'accord? Là, entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Merci. De rien. Oh, on dirait la maison dans la prairie. C'est mignon, on dirait Charles Ingalls avec les bêtes, c'est trop beau. Allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir s'il vous plaît pour mon fils Dorian, s'il est sur la bonne voie, il vient de changer d'orientation. Oui, je pense que oui. Il va persévérer? Ben, il faut travailler là maintenant. Il oui. va y arriver? Oui. Pourquoi il n'y arriverait pas? Mais parce qu'il est assez changeant. Oui, mais c'est pas grave, il se lasse vite, lui. Hein. Oui. Faut le mater son fils. Merci. De rien. Bonsoir. Je voudrais savoir qui c'est qui vient se coucher à côté de moi. Mmh. Qui c'est qui t'a perdu, que t'as aimé? Mon père. Un ami. Non, c'est plutôt un ami, c'est pas ton père, ça. C'est quelqu'un que t'as côtoyé, que t'as aimé dans le passé, ça. Ouais. Voilà. Tu vois qui c'est? Oui. Voilà. Merci. Et qui t'a vraiment aimé? Pas ton père qui fait ça, heureusement. Ça fait un 6 qu'il veut, là. Oui. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir si mon fils est heureux. Oui. Merci. Et toi, est-ce que tu es heureux? Oui. Ah, maintenant, non? Je suis heureux d'une manière générale. Je crois que tu as eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant. Ah oui. Il faut le reconnaître. C'est ça. C'est important. Voilà. Merci. Et il t'aide. Mon fils m'aide? Oui. N'oublie pas. Merci. De rien. Bonsoir. Bonsoir Chantal. Mon compagnon, il y a quelques mois, et... J'ai pas compris, j'ai compris quand? J'ai quitté mon compagnon il y a quelques mois. Ouais. Et il est dans une difficulté quotidienne importante. Financière? Est-ce que... Alors, financière et sentimentale. Est-ce que je dois continuer à l'aider ou bien faut-il que je m'en détache Non, mais tu ne le laisses pas comme ça quand même, tu l'aides. Je l'aide en effet, oui. Oui, mais tu l'aides. Tu ne le laisses pas comme ça. Ok. Voilà, merci. C'est tout. Aide-le. Merci. Voilà. Même s'il n'y a plus rien pour lui, par rapport à ce que tu as vécu, il faut que tu l'aides quand même. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Est-ce que notre petit-fils Alexis a trouvé sa voie? Quel âge il a? Professionnel. Quel âge il a, Alexis? 23 ans. Ah oui, mais tout le temps. Hein. 25-27, oui, il trouvera sa voie. Pour l'instant, il veut toucher un peu plein de choses, il veut découvrir la vie. Merci. C'est un beau jeune homme, hein? Ah oui. Belle personne. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je m'appelle Amandine. Je suis très, très heureuse de vous rencontrer. Ah, vraiment et ça m'émeut. Ah, ben ça me fait plaisir, ça. Yes. J'ai des larmes, elles sont là. Ah non, non, non. Après, tu vas avoir des rides. C'était très émouvant, tout ça. Ouais. Et en fait, moi, j'ai toujours été attirée par ce prêtre. C'est vrai. On m'appelle beaucoup Mère Teresa. Je suis très... Et des fois, je suis peut-être trop gentille. Moi, très sensible. J'ai aussi mes défauts. Hein, eh bien, on a tous des défauts. Mais je voudrais savoir, du coup, si
faudrait que je creuse dans ce domaine. J'aime oui. beaucoup lire, j'essaye oui. de m'intéresser au tout plus ce qui est spirituel, ouais, tout. Mais comment on appelle ça? Te disperse pas trop, d'accord? Oui, parce que j'ai plein de domaines différents. Non. Les expériences n'étaient pas forcément positives, j'ai eu des marques sur le corps, j'ai eu des trucs bizarres. Ouais, ça, c'est des attaques. C'est pour ça que. Mais fais attention où tu mets les pieds, d'accord? Amandine, attention de ne pas te faire croquer. Donc tu peux creuser quand même. Creuse, mais pas trop, hein. Allez. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais savoir si vos professionnels, ça allait s'arranger. Si ça allait quoi? Si ça va aller mieux. Si je vais m'épanouir un peu. L'année prochaine, pas cette année. C'est pas ton année, je sais pas pourquoi, cette année, c'est pas ton année. Okay. C'est comme ça. Merci. Allez. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors, je suis venue vous voir au mois de mars et il a été détecté que les personnes ont eu des problèmes d'énergie. Oui. Et je suis partie avec une longue liste de choses à faire. Et tu fais toutes tes prières là, tous les jours? Attention à ce que tu dis, tu les fais pas. Tous les jours, tu fais pas tes prières. Alors, comment on fait? Comment je fais pour t'aider, moi, si tu écoutes pas, alors? Oui, mais tu fais un peu, tu te reposes sur les autres, mais tu veux aide-toi et le ciel t'aide. Il faut que tu fasses les choses, hein, d'accord? Donc, c'est pas terminé. C'est pas que c'est pas terminé. Le plus gros, c'est déblayer, mais il faut que toi aussi, tu pries et que tu avances spirituellement aussi. Faut que tu mettes ton entrain, faut que tu mettes ton cœur, ton amour, d'accord? C'est ce que je te reproche, c'est tout. Et après, tu verras que ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Ouais. Allez. Merci. Parce qu'on peut pas, c'est pas comme un gâteau d'anniversaire, tu souffles, tout part comme ça. C'est des années et tout, ça s'enlève pas comme ça, d'accord? Prie, hein, d'accord? Ton ange gardien et tout, ok? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je vis une relation avec un homme beaucoup plus jeune que moi depuis 6 ans. Et j'ai pas la force de le quitter. Est-ce que je vais enfin avoir un déclic un jour? Pourquoi tu veux le quitter? Parce qu'il est égoïste. Ah, je croyais que c'était parce qu'il était plus jeune. Bah, ah non, en 60 ans. Ça n'a rien à voir. Ah oui, parce que j'allais dire pourquoi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Quand est-ce que je vais trouver la force de le quitter? Pas maintenant, c'est un karma que tu règles avec ce jeune homme. C'est une dette karmique, c'est quelque chose que tu es en train de régler. Eh oui, pas maintenant. Ah, c'est pas facile. Tu sais, des fois, tu jettes par la porte, ça rentre par la fenêtre, hein, la personne. Elle est encore pour combien de temps? Elle est encore pour un an et demi encore. Oh putain, eh ben oui. Mais je l'aime sincèrement, c'est ben dur. Oui. Ben oui. C'est des larmes tous les jours. T'as un karma payé dans une autre vie, c'est lui qui pleurait. Dans cette vie, c'est toi qui pleures. Et c'est comme ça. D'être karmique, de rien. Bonjour Chantal. Bonjour. Je voulais savoir si mon fils va finalement accepter mon compagnon. Il aime pas. Il aime pas. Il aime pas, il aime pas. Non. Puis il supporte, il veut pas te partager ton fils. C'est ma mère à moi, c'est pas la mère à lui, c'est pas, tu vois ce que je dis, il veut pas te partager. C'est égoïste, c'est fusionnel, c'est comme ça. Hein? C'est jeune. Ben oui, mais il veut pas, il supporte pas. C'est dingue, hein? Alors qu'il est gentil, ton compagnon. Oui, deux. Ben je sais. C'est de l'incompréhension. Faut que ça se calme, ça va se tasser. Plus tard. Plus tard, pas maintenant. L'eau, il faut qu'elle passe sous les ponts. Allez! Oh là, Stéphanie va poser la question. Oh là, Stéphanie pose une question. J'allais me présenter, mais on se connaît maintenant. Hein? Bonjour. Rebonjour Stéphane. Je suis beaucoup investi dans mon travail depuis. J'avais remarqué. Et j'attends une promotion depuis 4 ans pour faire de la beauté. C'est-à-dire qu'avec toute la période et tout, c'était dur, hein? Je sais que ça va arriver, mais. 2022, je pense. 2022, je pense. Plutôt le deuxième semestre. Hein. D'accord? Allez, fais tes travaux, comme ça tu t'occupes. Allez! Ah, ça c'est la mère, ça rigole pas, la mère. Bonsoir la mère. Moi, c'est au niveau professionnel aussi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Un gros changement, savoir si je vais finir ma carrière. Pourquoi tu voudrais partir? Tu voudrais négocier un départ? Qu'est-ce que tu veux faire? Peut-être. Dans 2-3 ans.
Ouais, pas... là pour l'instant tu continues à bosser, hein, les 2-3 ans tu bosses. Hein. Donc il n'y a pas de départ. Hein. Okay. Voilà, on bosse encore. Merci. Et... Bonjour Chantal. Bonjour. Je voulais savoir qui j'avais là-haut, sur moi. Deux dames, une dame avec les cheveux blancs et les bigoudis sur la tête. Ah ben si, j'en ai une, elle est décédée. Donc, et l'autre dame, c'est ta grand-mère. Je ne sais pas comment. Eh ben oui, mais elles te connaissent bien. C'est de la lignée, c'est comme ça. Ouais. C'est côté paternel ou maternel ? Maternel. Maternel. Et l'autre dame, je ne sais pas qui c'est qui a les bigoudis sur la tête. Hein. Avec le petit filet. Les... Ah ben oui, mais elles te connaissent bien, te protègent. D'accord, je pensais pas. C'est comme ça. Et c'est curieux aussi, j'avais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec toi. Tu l'as pris ? Non. Bah, tu devrais. D'autres prières, mais. Pris Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. D'accord. Et tu verras. Merci. De rien. Bonsoir, madame. Bonsoir, Chantal. Voilà mon problème. J'ai mon fils, mon petit-fils Romain. C'est un problème. Et ça fait presque 2 ans qu'il est chez moi, alors qu'il a ses parents. Eh ben parce que l'auberge elle est bonne. Hein. Et voilà. On mange alors, bien, Mimi elle est gentille. Voilà. Alors je voudrais vous demander, quand c'est qu'il va être motivé à travailler. J'ai envie de dire, c'est pas lui qui cherche du travail, c'est le travail qui le cherche derrière. Exactement. Quel âge il a ton petit fils? 27 ans. Encore un an à peu près. Un an? Ouais. Il faut qu'il lâche ses parents. Arrête, c'est pas vrai, t'es contente quand tu lui fais à manger et tout. Oui, mais... T'es contente quand tu parles qu'il vient, qu'il te fait des petits bisous. Il sait te prendre celui-là. Oh oui. Il a la manière. Un petit bisou par-ci, un petit bisou par-là. Mamie, je t'aime. Et toi, ouh, tu craques. Hein. C'est ça. C'est l'amour. Oui, mais il faut qu'il travaille aussi. Oui, il faut qu'il devienne un homme, ton petit-fils. Voilà, hein. Exactement. Mais il le deviendra, t'inquiète pas. Est-ce que je peux vous demander encore... Mais il t'adore, tu le sais qu'il t'adore. Ah, peut-être. C'est pas peut-être. Aïe, 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 dis pas ça. Peut-être. C'est pas peut-être. Ah, ben, ça se peut. Je peux vous demander une autre... Vite, parce qu'il y a du monde. Oui. Je voudrais savoir, pour ma santé, comment elle a... Non, il y a encore du temps pour toi. D'accord. Tiens bon la route, puis ton petit-fils il a besoin de toi alors. Ouais, ouais. Allez. Je vous remercie. Puis tu fais du bon manger, tu m'étonnes, bah, il préfère aller chez la grand-mère. Hein. Il est pas fou lui. Hein. L'auberge elle est bonne. Hein. Ouais. Eh ben oui. Bonjour. Bonjour. Je suis en train de monter un dossier CPF. J'ai pas compris. Je suis en train de monter un dossier. Oui. Pour faire une formation. Oui. Pour prendre un professionnel de formation. Oui. Est-ce que la voie que j'ai choisie, qui est l'hypnose, est-ce que c'est la bonne? L'hypnose t'amènera à autre chose après par la suite. C'est comme un passage obligatoire, tu dois passer par là, mais tu ne feras pas que ça. C'est incomplet. Que l'hypnose seule, c'est non. Voilà. Merci. De rien. Bonsoir, quel est votre prénom, monsieur ? Bernard. Bernard, il doit penser à moi, Bernard. Bernard, vous savez ce que ça veut dire ? Ours dur, ça veut dire. Ah, elle te dit que tu es un nounours dur. Tu dis non, chérie, je ne suis pas un ours, je suis un nounours dur. Allez Bernard, je t'écoute. Qu'est-ce que... La question. Oui. Oui. Rapidement, non, mais ça va se résoudre. Il ne faut pas baisser les bras, d'accord Bernard? Pardon? Conserver l'appartement. Oui. Conserver. Oui. Merci. Il est beau cet appart en plus. Oui, je sais. Il a du goût, hein. Bonjour. Oui. Pardon? Un CDI. Un CDI. Alors, il n'aura pas la même origine que vous, c'est pas grave. C'est comme ça. Il aura une origine étrangère, mais pas la même origine que la vôtre. Vous êtes de quelle origine, vous? Ah oui, il ne sera pas colombien, pas grave. Eh bien, c'est ce que je te dis. Si tu me cherchais un CDI dans la Colombie, eh bien non. Hein. D'accord, eh bien voilà. Il ne sera pas colombien, il peut être français, il peut être espagnol, il peut être... Avec une origine, d'accord? Ça ne marchera pas, ça court.
Allez, pas un Colombien. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir si j'étais dans la bonne voie. Pour l'instant, non. Tu le sais en plus. Oui. Bah alors pourquoi tu me poses cette question? Oh là 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 là. Allez, change. Allez hop. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Après 10 ans d'essentiel, j'essaye de lancer ma carrière. Ouais. C'est si une carrière de quoi? Une carrière professionnelle. Oui. Immobilier. Ouais. Savoir si je fais mon choix. Oui, c'est bien l'immobilier. Et puis ça te permet de rencontrer des gens et tout. T'aimes bien ça, le contact. Oui. T'es fait pour ça. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je souhaite remonter le livre en Normandie début d'année 2022. Je souhaite remonter le livre en Normandie. Oui. Où ça? À la porte. Oui. À côté de mes filles. Et vous avez trouvé un logement, quelque chose? Non, j'ai rien trouvé. Ah oui. Au printemps, moi je vois. 2022. Pas pendant l'hiver. Voilà. Oui, madame. Allez. Bonjour Chantal. Bonjour. Je voudrais vous poser une question sur l'année prochaine pour mon fils. Il doit partir à l'étranger. Est-ce que ce sera facile pour lui de trouver le stage à l'étranger? Oui. Merci Chantal. C'est pas, parce que c'est pas facile pour toi de le voir partir, c'est ça? Oui. Il faut qu'il coupe le cordon un peu ombilical. Hein. Mais il est déjà parti, il est déjà sur Paris. Hein. Mais oui, mais c'est bien, il faut qu'il devienne un homme. Là, c'est comme ça. Merci. De rien. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir si malgré mon traitement de chimio, je vais pouvoir reprendre mon poste. Oui. Merci. C'est normal, t'es fatiguée. Bonsoir. Bonsoir. Mon mari est en réanimation, mais bon, d'abord, il va aller. Oui, pour l'instant, c'est long. Hein. Il est très bien suivi, ton mari. Merci. C'est pas son heure encore. Hein. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, décroisez vos jambes. Ah bon, parce que je voyais plein de trucs jaunes, là. Ma question est, est-ce que vous pensez que la semaine prochaine, je vais avoir ma place de parking? Oui, parce que j'ai une dame qui me met en bateau. Et moi, la semaine prochaine, je suis hospitalisée pour retrouver ma place de parking. Mais je sais pas si tu l'auras, figure-toi. Voilà. J'ai pas l'impression. Mais elle est sérieuse ou pas, cette dame? Ah bah, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui est bizarre. Elle est pas claire. Oui, elle, moi, je la trouve très bizarre. Ah, moi, je la trouve pas claire, ta bonne femme. Bah, c'est oui ou c'est non? Pour moi, c'est non. J'aurai pas la place. Faut changer de lieu, faut changer de... Je sais pas. Eh ben, si tu dois trouver autre chose ailleurs. Il y a quelqu'un à la place. Non, mais tu peux trouver autre part ailleurs, on va essayer de te dire. Tu verras. Mais cette femme-là, elle est très bizarre. Je ne sais pas, je ne la sens pas. Moi, je ne la sens pas, hein, d'accord? Eh ben voilà. Elle te dit une chose, elle pense autre chose et elle fait autre chose. C'est trois trucs dans la tête complètement différents. De rien, je suis désolée. Tu trouveras un endroit où mettre ta voiture, t'inquiète pas. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir s'il va avoir un deuxième enfant. Quand? 40 ans. Moi, je vois un suivi médical. D'accord. T'as un suivi médical? Non. Moi, je vois un suivi médical avec une grossesse accompagnée. Ok. Voilà ce qu'on m'a dit. Merci. Et là, tu pourras faire un deuxième. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai divorcé et depuis 2010, j'ai mon ex qui me bloque sur le notaire avec le partage des biens. Oui. La communauté. Il est tellement agressif et très méchant. Je suis toujours bloquée, j'aimerais savoir si cette affaire, elle va évoluer en... Prix Saint-Expédie et Saint-Joseph. Les deux. D'accord. Allez, mais sinon, vous voulez... Non, pour l'instant, c'est tout pour t'emmerder. C'est clair. Ça, je le vois. Oui, bonsoir. J'ai une question sur mon fils, Florian. Est-ce que je vais être grand-mère de lui? Quel âge il a, Florian? 29. Mais il en veut, lui, des enfants? Il a des problèmes? Il a eu beaucoup de problèmes. Ouais, d'abord, laisse-le régler ses problèmes. Après, on verra les petits, d'accord? Mais est-ce qu'il va rencontrer quelqu'un? Oui, mais pour l'instant, il n'est pas prêt. Il n'est pas, pas prêt. À quel âge tu le vois à peu près régler ses problèmes? Non, pour l'instant, ça sera... D'abord, il n'a pas d'amis, il n'a pas de petite amie, elle n'a rien, là. D'abord, un bébé, il faut le faire à deux, hein, d'accord? Il est seul. D'abord, il faut qu'il rencontre quelqu'un qui règle ses problèmes psychologiques. Il le réglera.
C'est l'amour qui fera régler pas mal de choses. La nana avec qui sera va te l'entreprendre. J'ai tellement peur pour lui. Non, madame. Faut pas avoir peur pour lui. Allez. Il n'y a que l'amour qui le changera, ton fils. C'est comme ça. Hein. Eh oui. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir si je vais trouver le véritable amour. C'est quoi le véritable amour pour vous? Quelqu'un qui nous correspond bien. Ah ouais. Quelqu'un qui nous correspond bien. C'est pas tout à fait ça. Trouver l'amour, c'est oui, mais c'est pas forcément quelqu'un qui te correspond bien. Voilà. C'est compliqué, hein? C'est comme ça. Tu auras un amoureux, mais c'est pas forcément quelqu'un au départ, quelqu'un qui te correspond. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est comme une pochette surprise. Tu l'ouvres et tu découvres petit à petit les choses. Je le connais pas. Ah non. Ah non, non. Tu penses à quelqu'un que tu connais? Non. Merci, Chantal. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je vais trouver ma formation professionnelle? Oui. Eh oui. Allez. Non, non, d'abord la ranger. Après toi, après. On fait la ranger. Bonsoir. Merci. Ma question, c'est par rapport au professionnel. J'ai envie de changer de métier, mais j'ai pas le courage. Et ben, si, le courage, tu l'as. Quand tu veux. Parce que quand tu travailles, oui. Tu travailles. Donc tu l'as, le courage. C'est que tu as peur. Il faut que tu choisisses, d'accord? Et que tu avances, ok? Allez, cherche. Je passe au micro aux petites dames là parce qu'elles en peuvent plus. Ah, elles en peuvent plus, elles doivent partir, c'est ça? Allez, quoi. Alors. Je m'appelle Sylvie. Oui, Sylvie. Donc, moi, j'ai ma vie qui est bloquée depuis des années. Oui. Y compris dans le domaine sentimental. Oui, tu me bloquais. 8-10 ans. Mais il faut aller consulter quelqu'un. Et pourtant. Un exemple. Non, c'est fou, absolument rien. Absolument rien. Je ne suis pas d'accord. Désolée. Si t'as pas été voir peut-être les personnes qu'il fallait. Faut que tu consultes quelqu'un. J'ai bien une adresse. J'ai pas l'adresse, ça sûrement donc que tu appelleras, je te donnerai une adresse. D'accord? Allez, comme ça, Sylvie. Allez-y, comme ça, ça sera fait. Merci, au revoir. Allez, au revoir. Au revoir, Sylvie. Au revoir. Bonsoir. Voilà, moi j'ai un commerce. Parle fort, t'entends pas. J'ai un commerce. Oui. 25 ans. Oui. Ras-le-bol. Oui, je suis plus motivée. Je voudrais voir si je peux le vendre et faire un commerce. Tu voudrais le vendre, ce commerce? Oui, vendre le point de commerce. Oui, c'est ça, l'année prochaine. Changer d'orientation. Non, mais d'abord, on ne met pas la charrue devant les bœufs. Hein. On vend d'abord et après, on verra pour le changement. Commence à vendre. Oui. C'est le moment. Et oui, il faut mettre pendant l'hiver pour le printemps et tout ça, d'accord? Merci, de rien. Au revoir. Bonsoir, Chantal. Allez, bonsoir. Je voudrais savoir si je vais continuer à évoluer spirituellement. Oui. Ah, une question. Oh putain, j'ai envie de faire la bise. Hein. Oui. Enfin, quelqu'un qui me pose une question spirituelle. Alléluia. Oui, ça va développer plein de choses, ouverture du troisième œil et tout ça. Et tu n'as pas peur, d'accord? Même pas peur. Tu as bien compris? Ok. Note tout sur un petit cahier, ça serait bien. Mais ressenti, ouais. Ça va arriver rapidement? Non, pas rapidement. Mais tu notes. Voilà. Ouais. Une évolution spirituelle. Petit chouchou. Merci. Allez. Oui, il faut terminer voilà. Parce que là, il faut libérer la salle, hein, d'accord? Allez. Bonsoir Chantal. Je voudrais savoir si mon activité va perdurer. Ma nouvelle activité en magnétisme va perdurer. Oui. Oui, elle va développer. Voilà, il faut développer. Eh bien oui, mais c'est normal, ça se développe. Il faut à peu près, quand on démarre, quelque chose comme ça, entre 3 à 5 ans pour que ça marche bien. C'est normal. Merci. Oui. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Moi, je travaille dans une administration qui est bêta. Depuis quelques années, je suis sur un poste, mais depuis cette année, c'est très, très difficile. C'est quoi ta question? Eh bien, savoir si je dois changer, partir dans une autre administration. Non. Non. Pour l'instant. Jusqu'à la fin de l'année, tu restes là. Après, tu verras entre le printemps et l'été. Ah, parce que là, c'est l'année très difficile. Non, pour l'instant, tu restes là où tu es. Ailleurs, ça ne sera pas mieux. Ce n'est pas le moment. Ah, l'herbe n'est pas plus verte de l'autre côté. Non, l'herbe n'est pas plus verte. Bon, printemps prochain. Alors. Ouais. Merci, Chantal. De rien. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Est-ce que je vais faire une rencontre? Oui. Merci. Quelqu'un de brun. Ah, de brun. Oui. Merci. Allez.
moi j'ai perdu mes amis donc, il y a une dizaine d'années, les Savoies, si elle s'est rencontrée avec mon mari qui est bon gars. Bien sûr qu'ils se voient, bien sûr. Donc, ils se voient. Mais bien sûr. Elle vient te voir aussi. Et pas seule. Elle vient me voir et je le pense. Je pense pas, j'en suis sûre, c'est pas la même chose, mais en fait, c'est oui, pas grave. Oui, allez, eh ben, tu peux lui dire merci. Oui. Eh oui. Merci, je t'en ai. De rien. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Il est, oui, il est monté. Oui, toujours avec toi. Je peux parler avec lui. Oui, tu peux lui parler. Est-ce qu'il a croisé ta mère de l'autre côté? Il a aidé ta mère de l'autre côté, oui. Voilà. Oui. De rien. Merci à eux surtout. Merci aux défunts. Bonsoir. Oui. Il faut la purifier un peu cette maison un peu. Faire brûler de la sauge et tout pour me purifier cette maison. D'accord? Ah oui, pour moi, il la garde, oui. De rien. Allez. Chantal. Bonsoir. Il changera de travail. Et là, ça se stabilisera pour lui. De rien. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir si je vais quitter le père de mes enfants. Oui. Bah, tu peux pas le quitter, tu rentres ce soir, tu le quittes. Hein. Oui, mais tu vas le quitter, hein. Ça c'est clair. Je te vois pas venir avec, c'est comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Mais j'ai rencontré l'amour. Oui. Hein? Non, il s'appelle pas Didier. Tu le connais pas. Je connais pas Didier non plus. Mais c'est pas Didier. Voilà. Messieurs, dames. Ben, merci. Merci. Bonsoir à tous. Avant que vous partiez, je voulais tous vous remercier d'être venus. Merci. Vous savez que c'était quand même un petit peu compliqué de réorganiser l'après-midi avec Chantal. Et je tiens à la remercier parce que de 3 heures à maintenant, elle n'a pas arrêté de parler. Je trouve que c'est déjà un exploit magnifique. Et j'espère à bientôt. À bientôt.